Faut que je me mette sur le jeu du coup. Oui, venez sur la place principale. Oui. C'est une bonne idée, mec. Est-ce que vous avez déjà lancé le jeu au moins une fois ou pas? Parce qu'il y aura peut-être des. Oula. Lancez tout de suite parce que ça va être long. Ah, faut lancer de suite du coup. Ah oui, oui, oui. Plus vous lancez tôt, mieux c'est. C'est lancé. Parce que vous allez voir des cinématiques, vous allez avoir des trucs inskippables et tout, donc vite. Ah, super. Ah, vraiment? Ah, oui. Oh, putain, j'aurais dû vous le dire avant. Ah, y'a qu'un mec le con. Bon, du coup, ça me laisse le temps de relancer une game, je pense. En fait, j'y ai joué pour la nuit des Nintendo, mais du coup, c'était ma console, quoi. Ah, si c'est pas ta console, dommage. Après, peut-être que c'est le con. Je dire que là, quand j'ai remis la Switch. Oh là là, c'est trop grave. Aïe, bonjour. Je vous attends sur mon Discord, ça fait 10 minutes. Ouais, mais en fait, j'ai oublié de le rejoindre depuis qu'il a eu des problèmes, le Discord. Ah, tu n'es plus sur le Discord. En fait, j'ai oublié de le rejoindre depuis et j'ai vu qu'il y avait celui-là et celui-là est très bien. Aïe. Celui-là est pas mal en effet. Oui, bien. Salut Bonbon, ça va? Ouais, ça va. C'est la fête là. C'est la fête, t'as mis le chapeau? Je crois que mon visage est un peu trop long, j'arrive pas à le rentrer. Ah merde, hein? D'ailleurs, Renu, n'hésite pas à rejoindre le Discord quand même, parce que tu dis que tu peux pas le rejoindre. Mais... Non, mais si je peux, mais c'est juste que là maintenant je pourrais. Mais tout à l'heure j'étais en pleine game et je me suis dit, ah merde, c'est un peu compliqué. Il y a des manips. T'es en pleine game, mais frère, ça fait 4 mois que t'es en pleine game. J'ai jamais arrêté. Non, ça fait 16 heures qu'il est en pleine game. Je prends mes appels pro. Arrêté, mec. Je prends mes appels pro pendant les parties. Hein. C'est même pas une fan. Par contre, on en parle au Nutrem, 30 heures de jeu, dont 25 heures. Non, pas 30 heures. 18. T'es un mytho hier, j'ai vu, il y avait plus de 20. J'avais 15. Il y a écrit 15. Et j'ai ma carte. Je vais montrer ma carte. J'ai ma carte bleue. J'ai la carte. Elle est où la carte là? Non, c'est pas ici. Ça s'est bien passé ta game hier au nu avec des gens qui avaient jamais joué au jeu? Ils m'ont bien baisé, hein, ils m'ont bien focus, hein, du coup, c'était super. Ouais, bah au moins tu subis ce qu'on subit. J'ai un aperçu de ce qu'il y aura ce matin, c'est parfait. Non, en vrai on va focus Wingo, je pense, non? Ouais, je pense. Ça me paraît tellement... En tout cas, t'es le seul qui a gagné une Zilan. C'est vrai. C'est pas faux. C'est vrai. Oh, ça me paraît tellement évident, bah go. Parce que moi je me suis toujours arrêté en poule, tu vois, à la Zilan, donc comme ça au moins... Poule. Pas trop de... Oui, putain, oui, d'accord, poule, évidemment, pourquoi je... Non, oui, je voulais vous dire quand même un truc, comme d'hab, hein, parce que Wingo et la Switch, vous savez, c'est quand même compliqué. Wingo Switch. Donc moi, mon setup de ce matin, c'était une Switch sans batterie, avec une manette qui n'avait pas de batterie. Ah bah oui, la sur laquelle j'ai dû faire donc la mise à jour de la console, bien évidemment, c'est un peu plus logique. J'ai également dû acheter le jeu et acheter un abonnement online. Oula. Un live Switch coûte 120 euros. Rien de très cher. Enfin, la session coûte 120 euros. Bon, on va peut-être pas te focus alors. On va pas te focus, Wingo. On va pas te focus. Mais tu sais quoi, on va pas jouer avec toi. Comme ça, t'es tranquille. Ok. Vas-y, on va faire ça. Comme ça, 120 euros vraiment dans le vent. J'aurais peut-être pas été radical à ce point-là, mais. Ouais, trop. Si quelqu'un veut remplacer Wingo, n'hésitez pas à faire des candidatures. Quelqu'un dans le chat veut rejoindre du coup? N'importe qui. Okay. Non, ok, bah je prends ma Switch, je la lance par la fenêtre, c'est ok? Bah en vrai, c'est niveau pollution pas top. Oh, c'est bon, oui, il va pas nous péter les couilles avec ça, lui. Ah oui, c'est vrai, j'ai le truc de Pico Park. Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi, Pico Park? Bah j'ai l'overlay Pico Park. L'overlay Pico Park, c'est genre... en vrai, il est masterclass, hein. C'est un truc qui a été développé par Bribri. Ça met les couleurs des gens avec qui tu joues. Ah oui, je vois, si je l'ai vu passer, Et attends, en vrai, je vais le garder, c'est trop bien. Ah, c'est un banger. Hein. C'est vraiment un banger. Parce que du coup, on sait qui parle et tout, c'est parfait. Oh, je vais garder. Je vais le réduire un peu parce qu'il est quand même très gros, mais. Voilà. Je crois que je l'ai même pas mis ce Discord en overlay. Il faudrait que je le mette. Hop là, voilà. Est-ce que vous avez le salon code? Il y a celui sur Kern Channel, non? Super Mario Party, Jamboree! Bon, est-ce que le jambon est-il un poulet? Parce que j'ai l'impression que la phrase n'a pas été répondue sur. Enfin, comment dire, qu'il n'y a pas eu de réponse à cette phrase là. Honnêtement, mec, le jeu est incroyable. Ok. Le jeu est vraiment sympathique. Régalé. Premier degré. Les mini-jeux sont trop cool, l'ambiance est trop bonne. Enfin. Franchement, c'est trop cool, tu vois. Ouh. Il y a deux blancs sur l'overlay. J'ai passé la cinématique principale. Ils ont pas de couleur, c'est pas grave. Tout le monde bienvenue sur la place centrale, je suis Toad. Je suis sur la place centrale. Todd, il fait toujours le malin, je trouve, c'est vraiment un enfoiré. Ouais, je suis sur la place centrale, mec. Commençons par le commencement. Mais là, apparemment, il faut que je monte dans une montgolfière. Je sais pas pourquoi. J'arrive sur la place centrale. Et bah pourquoi pas? Je monte dans une montgolfière. RDV place centrale. RDV place centrale. RDV centrale, on va se la mettre. Est-ce que vous avez mis votre dragon? Oui, vraiment. Attends, faut jouer Joy-Con?
Alors, on va, oui. Si on va jouer avec les jeux dynamiques, oui. Oui. Et je pense qu'on va jouer avec les jeux dynamiques. Oui. Oui. Ok, d'accord, ok. Oui. Ok. Oui. Vous avez l'air d'être très, très serein dans l'idée. Je n'ai pas de dragon. Il n'y a pas de dragon, non. Mais c'est tu dois grave, au moins de quoi attacher un truc au dragon. Je dois avouer que j'ai pas mes dragons non plus. Ah. Je vais pas. Ah, mais je crois que c'est obligatoire pour pouvoir appuyer les sur les deux touches, oui, du dessus. Ah merde. Ah, attends, vous avez vraiment pas, genre, vous les avez perdus sur votre Switch, il y a. Ah, c'est genre obligatoire quoi. Sur les, ah, bords, ouais, de la Switch, vous avez quoi là actuellement? Bah, j'ai mes deux Joy-Con, mais il y a pas de dragon associé à. Ah merde. Bah, les dragons, tu les as mis à la poubelle? Je pense pas. Bah. Il faut pas les jeter, hein. Faut pas les jeter, hein. Attendez. C'est mandatory, hein. Et vous oubliez que je n'utilise pas la Switch, moi. Oui, mais donc, de là à jeter quand même. Tu sais que non, ça vaut au moins. Et je pense que ça vaut littéralement 25 balles, hein, une dragon. Hein. Ça donc là, pas, en fait, on va jouer avec les. On va jouer avec les. Avec les Joy-Con. Un seul Joy-Con. En mono oui. Joy-Con. En mono Joy-Con. Okay. Ah ouais. Ouais, on va jouer en mono Joy-Con. Ouais, ouais, c'est dur. Il y en a ça, des choses à dire. Ah ouais, il y en a des mots. Le fun et la vitesse d'abord, quoi. C'est. Ah oui, oui. Oui, oui. Ok. Je peux aller checker vite fait si j'ai peut-être un endroit chez moi où potentiellement il y a les dragons. Mais du coup, c'est bien en fait. Du coup, Wingo a chargé sa manette pour rien quoi. Et 120 balles, hein, pour rien, hein, du coup. 120 balles. Non, mais après, si jamais vraiment vous trouvez pas du tout, on pourra jouer sans les jeux dynamiques. Mais bon, ah, je suis désolé, c'est dommage. Non, mais. Moi, j'ai mon Joy-Con, c'est juste que j'ai pas ma dragon quoi. Mais sans la dragon, tu pourras pas appuyer sur les touches L et R en fait. Ça ne marchera pas. Bah, si. Je crois qu'il y a vraiment un système qui fait que. Non, tu dis n'importe quoi pour le coup. Non, je pense que je essaye. Je croyais que tu trollais pour faire genre la police de Nintendo. Parce qu'en fait, t'as SL et SR, et ça marche ça? Mais tu les as, mais bien sûr. Regarde, les boutons, ils existent de base, c'est pas les dragons qui créent le bouton. C'est l'enfer. Non, mais. Des fois, il y a des connectiques. T'as vu, il y a un truc qui appuie sur le bouton au milieu là. Les ranquettes Mario Party, ça ravage le cerveau. Regarde. C'est passé quoi là? T'es rentré dans un vortex. Faut sortir là. Hein. Ah, mais il y a un bouton au milieu. Il sert à quoi le bouton noir au milieu? C'est reset, je crois. Et c'est... Bah oui. Mais qu'est-ce que. Mais non, gros, c'est synchro. C'est synchro. Synchro. Et tu découvres les Joy-Con ou. Mais je jamais joué à Nintendo moi. Bon, vous savez, d'habitude, je joue manette pro. J'ai toujours joué manette pro toute ma vie. Donc les Joy-Con, c'est une découverte. Non mais du coup en vrai oui, les Joy-Con tu peux complètement les utiliser même sans la dragon. Moi je croyais que tu rigolais, c'est juste que en gros pour mais vous expliquer. Vraiment en termes de prise en prise et tout, c'est trop dur. Oui mais moi j'ai donc on a eu la chance de découvrir le jeu en avance avec Ultia, Gil et Lobster, un pote à moi. Et en fait pendant qu'on jouait, ils ont envoyé un message à Céline pour dire ouais, enfin Nintendo du coup. Oh les Joy-Con. Ouais, tu peux leur dire vraiment pour les dragons, de mettre les dragons et t'insister sur le fait de mettre les dragons. Du coup, on a passé le live à dire ouais, mettez les dragons, super important. Mais c'est super important. Super important, les dragons. C'est super important. Bon, bah, je peux vous dire que j'étais payé, c'est pour ça que j'ai insisté du coup. Oh merde. Ah, oui. Putain, my dream. Wow. La découverte soit payée, putain, ce serait si bien quoi. Effectivement, mais depuis que tu as arrivé de la vérité, maintenant je suis obligé de. Bah oui, voilà, dis-le. Ah, c'est. Qui souhaites-tu affronter le monde entier? Je veux pas jouer contre le monde entier, t'imagines l'enfer? Après, tu fais ce que tu veux, frère. Y a pas tu peux, hein, c'est pas trop un problème. Hein. Franchement. Ok, c'est bon, j'ai mon Joy-Con dans les mains. Donc j'ai rechargé ma manette pro pour rien, c'est ça? Oui, okay. Oui, c'est ça. Bah si, tu pourras l'utiliser pour un petit Smash après si tu veux. Ouais, carrément. Vas-y, go. Pas jouer à Smash depuis 6 mois. Hein. Vraiment, c'est oui, allez, ta gueule, on va jouer. Je suis invitable. Ouais, je suis invitable. Vous voulez que aussi, je crée là. Le lobby alors? Bah mais pourquoi pas? Et bah, je vais créer le lobby. Attends, je me connecte à internet là? Pourquoi pas? Ouais, ok. Vous moi, j'ai découvert Internet hier, c'est hyper sympa, franchement. Je pense que c'est l'avenir pour le coup. Ils se plier à ça, genre ils ont mis des ranked, je suis vraiment mort. Ils ont mis des ranked, tout à fait. On est où le mode pro? Après, techniquement, sur la plupart même des jeux. Parce que j'ai pas fait de game encore. Mais dans leurs jeux casu, il y a des ranked en vrai. Mario Kart, techniquement, il y a un système de points et c'est un peu des ranked. Non, mais oui, c'est vrai. Mario Tennis, full ranked. Et rappelez-vous aussi à Mario Golf. Mario Golf, il y avait déclassé, je me rappelais pas ça. Ah, j'ai fait full ranked sur En vrai, Mario Golf, jeu sous-côté, je trouve. En vrai, ouais. Ah, c'est pas le pire jeu, c'est pas le meilleur, mais c'est pas le pire. On dit que je suis nul parce que je suis classé E. Bah, parce que. C'est parce que t'as pas démarré le truc, quoi. Écoute, ça arrive, hein. Tu es donc nul. Mais tout le monde démarre, non? Ah oui, bravo d'être commencé quand même. Attends, quoi? Attends, je viens de capter un truc. Le premier joueur au monde, il a 55 heures de jeu, ce connard.
C'est pas mais moi. C'est simple, c'est... Alors, ça te donne exactement la date de sortie du jeu. Est-ce que pour, ça, est-ce que pour savoir, est-ce qu'il est japonais? Sûrement. Yamoi. Attends, le deuxième, il a 62 heures. Oh, le nul! Oh, il a joué plus, il est deuxième. Non, parce que c'est forcément des japonais, hein. Je veux pas croire que ce soit... Autre jeu de vrai. Putain, 7 heures de plus pour être deuxième, c'est le démon en vrai. Je pense que c'est... Non, lui c'est pas un japonais. Je pense pas lui. Si je peux me permettre. Donc ça, c'est tous les gens qui ont atteint le rang S. Et une fois que t'es rang S, t'as un vrai classement un peu comme sur Hearthstone. Tu sais, tu grindes et après t'as le rang légende où là, t'as ton vrai classement. Le rang légende? Ils ont fait un rang légende? Bah, c'est ça. En fait, c'est vraiment ça. T'as vraiment le début, c'est juste tu grindes et après... Frère... Et après, il y a les vrais ranked. Mais quand est-ce qu'il y aura des compètes du coup? Bon, bientôt, je pense. Hein. Je vais organiser les championnats. Ils vont ouvrir l'e-sport avec ce jeu? Ah bah, c'est le début de l'e-sport Nintendo, ça, c'est sûr. Ah, ouais. Ah bah, attends. Mais en même temps, ils avaient pas d'autres jeux pour le faire, donc... Splatoon, il y a des ranked. C'est totalement logique. Mais tu sais qu'ils ont zéro jeu Nintendo pour faire l'e-sport. Ah bah non, il y a aucun jeu pour faire de l'e-sport, donc Mario Party était le seul. Un party game de Mario Party le best, quoi, finalement. Alors, je vais vous inviter. Normalement, vous pourrez joindre avec le code, mais je pense que je peux tous vous inviter directement. Ça marchera très bien aussi. Ouais, écoute, là, je suis en train de chercher mon salon, là. J'avais pas vu, je viens de capter l'image. Ouais, on m'a invité. Ouais. Oui, je vous ai invité. J'ai rejoint la partie. Oui. Oh, j'ai rejoint aussi, c'est bon. Oui. Oh, c'est fou. Oui. Rejoindre le salon créé par Onutrem. Entrez le cadre. Oui. Le cadre. Le cadre. Entrez les 4 chiffres du code. Rentrez la corde. Après, si vous voulez rentrer le code, il est dans le channel blabla. Le code est ok, mec. Après, si vous le leakez, bon, au pire, si vous le mettez tous en même temps, j'ai totalement leak. Allez, très vite alors, rejoignez vite. Mais. Plus vite. Ouais. Vitel, bien joué. Oui. Wingo, le bien joué. Le code est tellement chaud par contre. C'est bon, je suis là. Ouais. Moi, j'ai galéré avec le code. Hein. Ouais, le code est compliqué. Non, mais c'est pas facile en vrai. On en pense qu'il va se faire piquer sa place par quelqu'un. Vous pensez, genre, Ponce, il est. Rejoignez. Rejoignez pour me protéger. Non mais attendez, c'est la première fois que je joue à Nintendo. Comment on rejoint les games? Bah tu vas dans... En fait, faut pas que t'ailles à la montgolfière, faut que t'ailles à la place centrale. Place centrale, puis bouton en ligne. Place centrale. Oui, c'est le code de carte bleue de Nutrem. Oui, c'est ça, il faut rentrer ça. Rejoignez, c'est une visa si jamais, si ça vous demande. C'est quoi le code? On demande le code dans le chat. Bah le code c'est... C'est une visa première, hein. C'est 2, 5, 8, 2... C'est l'embourgeoisement de cette homme, par contre. C'est 11, 11, le code. C'est ça. Ah, ah mais tant qu'on y est, code. Montgolfière, pardon. 11, oui, 11. Rejoignez. Non, la personne chat, qui rejoint, je lui offre une villa à Los Angeles. Ah oui. Ah, putain, stylé. Ouais, voilà. Bah, techniquement, j'ai rejoint en premier le lobby, hein. J'y vais même pas. Habiter là-bas. Même pas, flemme. Même pas. Non, juste je prends le bien mais j'y vais pas. Texas peut-être, Ponce, ça te parle plus? Non, je préfère rester Non mais t'as... Viens, tu sais, genre, viens, on reste en France, genre. T'as plus eu l'occasion d'aller au Texas, donc j'imagine que tu préfères. T'es un vrai Texan, quoi. Un vrai Texan, quoi. Putain. Après, on peut aller au Japon, si vous voulez. D'ailleurs, c'est Japon, pour quand c'est ton... Ouais. Comme toi aussi, t'es joueur de MMO, c'est quand que tu pètes un plomb et que tu dis des trucs random sur les réseaux comme un bon Texan qui joue à World of Warcraft. Ouais, mais Asmongold, ça fait des années qu'il dit de la dingue, c'est un casse. Oui, oui, j'allais dire, il vient enfin de tomber, mais le truc, ça fait genre vraiment des années qu'il dit des singeries, quoi. Toujours, mec, c'est une dinguerie, hein. Ça dit des dingueries, mais pas... Pas loin quand c'est comme celle-ci en vrai. Ouais, c'est un incel et raciste depuis toujours. Hein. En j'allais vrai, dire, il a quand même des propos bien à chier depuis des années. Ouais, quoi. Ouais, si. En vrai, c'est un fan d'Andrew Tate et c'est un vote oui, Trump oui, depuis toujours. Des bonnes relations, bonne fréquentation. Un fan d'Andrew Tate? Ah, mais c'est forcément une super bonne personne là du coup. Bah attends, mais tout le monde, qui ne l'est pas en fait? Je comprends pas. Ah, t'es fan d'Andrew Tate? Ah, bah attends, je le follow sur tous ses réseaux. On reste sur le podcast le plus écouté au monde. Hein, pardon? Oui. Le podcast d'Andrew Tate était en 2000. Mais attends, mais il dit la vérité en fait. Ah oui. Oh. Non, attends, vraiment? Oui. Mais moi, c'est mon réveil, Andrew Tate. Hein. Ah. Attends, mais tu l'as moi d'ailleurs, j'ai ma coupe de cheveux. En fait, je me suis devenu chaud, c'était pour faire comme lui. Hein. Je voulais lui ressembler. Hein. Ah ouais, ok. Ah ouais. Moi, je fais tout pour essayer de lui ressembler. Bah, attends, moi, j'y suis pas loin, franchement. C'est vraiment stylé quand même, les oui, c'est vrai que déjà, t'es chauve. Donc bah, déjà, mais ça, c'est voulu et c'est fait exprès. J'espère juste que bon, tu pense vas... Ah, c'est bon. Deux secondes, je fais la fête. La fête. Faut aller juste un peu plus à la salle, Onu, mais sinon c'est bon. En vrai, moi, je pense quoi, hein, je pense que t'es pareil. Tu vas à la salle et tu fumes des cigares, t'es Andrew Tate, je pense. Les cigares, c'est très important. Ah, mais c'est nous quatre, ça.
Oui, c'est nous qui avons fait ça. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux dire par là ? On est moche ? Hein ? Non, c'est parce que ça laguait pas et du coup je. Ah oui, okay. Après, tu peux le dire si t'aimes pas nos persos, mec. Hein. Mais en même temps, pense, c'est ranked friendly hein, ce jeu. Hein, donc, Est-ce qu'on joue en mode classique ou pro ? Moi, je pense classique quand même parce que. Voilà, mode pro, c'est. Il y a moins d'aléatoire dans mode pro. Moi, je souhaiterais me détendre parce que. C'est une flex ou quoi ? C'est quoi ça ? On va en flexio là ? Non, les détails, donc ça c'est le jeu de base. Voilà. Pour les viewers qui connaîtraient pas Mario Party, on sait jamais. Les cases bleues, c'est des bonus, les cases rouges, des malus, les cases vertes, des droits d'action. Le retour du DNT. Allez, il y aura des mini-jeux à chaque fin de tour. Dans ta gueule, le DNT. Qui permet de gagner des pièces. Mec, tu sais que genre vraiment, je suis si heureux de ressortir chaque étoile, cousin pièce. Et oui. Et pour remporter la partie, gagner le titre de superstar, obtenir le plus d'étoiles. Tout à fait. Ouais, bah c'est forcément Ponce qui va gagner. Attendez, se passe un truc là. J'ai jamais gagné, je crois. Bah si, t'es une superstar. En full time, j'ai jamais gagné, je crois. C'est mais pas bien vrai. Sûr que si. Quelqu'un pourrait se joindre à vous. Attends, pour vous donner un coup de main. Ah, on a le droit à un appel à un les ami. Camarades de Jean Boris. Quelqu'un veut être mon ami dans le chat. Okay. Chaque camarade a un effet différent qui peut influer sur le cours de la partie. Et oui, par exemple, Yoshi ici va copier des adversaires qu'on dépasse. Et en plus, truc de fou, tout est doublé. C'est-à-dire les cases. Si vous allez sur une case bleue, vous allez la prendre deux fois. Si vous allez dans une boutique, vous allez deux fois faire la boutique. Si vous allez devant une étoile, vous achetez deux étoiles. Etc, etc. Et hop. Tant qu'on a le jambori. Mais attention, le jambori reste pas longtemps et on peut se le faire voler si quelqu'un passe dessus. C'est quoi le jambori ? C'est le camarade. Exactement. Oui, le camarade. Et pour l'obtenir, il faut gagner le mini-jeu défi du jambori en question. Oh. Et celui qui passe devant a un petit avantage dans le mini-jeu. Voilà. Et hop dans le cul. Et c'est tout. Et hop. C'est la fête de mon côté. Alors j'ai tous les plateaux. Quel plateau voulez-vous faire ? J'avoue que. Vous voulez commencer par une base ou t'as peut-être déjà fait une map et t'as pas envie de la refaire ? Y'a un plateau jambon. En vrai. Je crois pas. Oh le. Bah je suis là donc faut faire le circuit de course non ? En vrai. Oh non, j'en peux plus être map. Les galeries arc-en-ciel c'est un super map je trouve. Bah la map est bien, elle est bien, elle est un peu complexe mais elle est bien. C'est les galeries farfouillettes ou quoi ? On a pas relevé ce qu'a dit Onu. Nous on a jamais joué au jeu, lui il te dit j'en ai déjà plein le cul d'une map. Oui, non mais. Oui, mais. C'est quoi cette dinguerie ? Non mais mec, je ne calcule même pas. Il faut même pas calculer en fait. Laissez-moi faire le PVM RPG du jeu là. Hein ? Bah ouais, mais il veut pas parce qu'il. Ah vous voulez encore cette map ? Est-ce que les gens en plus, je trouve qu'elle est gaze. J'ai fait une tier list des maps et elle est septième. On l'a jamais faite gros. Elle est septième cette map. Mais au pire, on tire de manière au sort random. Après, en vrai, honnêtement, les galeries incroyables. Après, les galeries farfouillettes. Galeries très cool, mais. Après, apparemment, à droite, c'est deux nouvelles maps, c'est ça ? Alors ça, c'est deux maps effectivement. C'est deux nouvelles maps, ouais. Et celle à gauche aussi. Attends, pourquoi les autres elles existaient déjà dans d'autres Mario Party ? Alors, c'est un peu des remakes, ils ont été refaites. Ouais, donc 60 balles pour des remakes, ok, très bien. Mais c'est ça, ouais. Mais alors, c'est même pas des vrais remakes, c'est-à-dire qu'ils ont réduit la taille du plateau, ils ont enlevé des trucs par rapport à avant. Ah, cool. Comment ça, ils ont réduit un ? Bah, par exemple, cette map-là, on s'en souvient, Mario Party 5, normalement, tu vois, tu dis map incroyable. Et là, non, c'est genre une mini-map minuscule. Ou alors, je confonds les maps, mais. Nintendo. Cool. Bon, on sait toujours pas ce qu'on fait. On sera jamais payé puisque t'as critiqué le jeu, non, c'est ça ? Bah, de toute façon, moi c'est trop tard, j'ai give up tout à l'heure avec les Joy-Con. Ok, d'accord, ok. Ouais, moi j'ai pas la dragon donc je peux pas être payé pour le coup. Mais j'allais dire que j'ai pas la dragon non plus donc je pense qu'on est pas payé, putain, fais chier. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait ? Moi je serais tenté. À droite, c'est quoi les noms ? Genre, tu peux aller à droite ? Pays Western. Pays Western est très cool. Avec le train, c'est sympa. Il a l'air bien lui. Bowser, j'ai jamais fait. Voilà, je connais pas la map. Après, Bowser, elle est très dure, 5 étoiles direct. Ah, mais j'ai jamais joué à cette map. Ouais, Go Western on a jamais fait. Sad Cowboy. Allez, vous êtes chaud pour Western ? Yeah, c'est un bon dans ma boîte. Ok, combien de tours ? 40 ah, 50 ? 50 ? 100, 100 et bah, c'est maintenant 100 tours. Alors, c'est beaucoup plus long que l'ancien Mario Party par rapport au nombre de tours avec le jambon. Combien de tours max, juste pour voir ? Combien max, juste pour voir ? C'est 30 et c'est 210 minutes. 30 ? 210 bah, minutes. En vrai, moi, je pense qu'on part sur 210 minutes là. Ah, 210 pas minutes trop, de plaisir, genre. Mais 210 minutes le problème, c'est connu, il est déjà lassé du jeu. Ah, j'en c'est vrai. Non, mais... c'est ça qui... ah, 20 en tours, fait, j'ai fait ça hier. 20 tours, c'est déjà 2-3 heures. Ah ouais ? Ouais. Et alors, non, on peut partir sur 20 tours. 20 tours, ouais. 20 tours, c'est 2h30. Ouais, ouais c'est déjà bien. 2h30, bah c'est bien 2h30. Bah ça tombe bien, il y a écrit 150 minutes. Après, moi, je sais pas vous, mais moi, je dois déco genre max à 20h. C'est-à-dire. Ok, mais c'est pas sûr, hein. Pas sûr là. Ok. Alors, question pour les mini-jeux. Moi, je dois déco à 19 max. Okay. Donc, en vrai, 19 peut... max. Oh, c'est tight. Ok. Ouais, je suis désolé, putain, les gars. J'avais pas prévu qu'on allait jouer 9h sur le même jeu, quoi. C'est. Question. Moi, j'ai prévu plusieurs pique-niques pour la game, donc. Ouais. Quoi, très important. Tu viens ce soir, Wingo, ou pas ? Hein ?
Hein, sur la deuxième game de Mario Party? Ouais, sur la deuxième game. Je vais choisir moi-même. Sur la game nocturne, quand on démarre à 23h. C'est quoi la règle? Il y a une option importante. Est-ce que vous voulez qu'on vote pour les mini-jeux? Parce qu'en gros, ça en propose 3 et on vote pour celui qu'on préfère. Ou alors, c'est complètement random. Et oui, oui, on a le droit de se voir. Des fois, on se fait des restos avec Wingo. C'est quoi le problème? Non, mais faites ce que vous voulez. C'est un peu abusé de pas inviter quand même, tu vois. Même si c'est loin, inviter quand même. Voilà, merci. Merci. C'est ça, c'est ça. Inviter quand même. On peut pas, on va refuser, tu vois, mais inviter quand même. Loin des yeux, près du cœur. Les gars, on va pas vous inviter pour manger un vent derrière. Imagine. On a l'habitude maintenant. Mais après, on pourrait manger ensemble en FaceTime quand même, tu vois. On peut s'appeler Discord, on peut se faire un apéro Discord. On est au Covid ou quoi là? Bah oui, mais en même temps. La distance, c'est pas loin. Hein, en fait, le truc, c'est que genre, tu dis on t'invite pas, mais tu viens pas. Donc, bon, j'ai mis hasard. Il y a tellement de jours. Ouais, vous m'avez les paramètres de game impossible. Tu nous as envoyé un message, mec? Non, j'avais pas une minute à moi. Voilà. Jean-Boury! Attends, t'as mis quoi? J'ai mis des mini-jeux aléatoires, on vote pas. Oh non, j'aurais adoré le vote en vrai. Bah oui, mais personne ne répondait. Je vais te poser la question propre. Non, mais tant mieux, c'est bien le random, au moins ça permet de tout tester sans choisir. On se régale, attendez, l'ambiance cowboy là. Bah oui, elle est trop belle cette map, Elle est trop belle cette map, j'adore. Et du coup, là, comme on est au Texas, on peut dire des dingues ou. Oh oui. Non, tu ne deviens pas Spongold, Wingo, toujours pas. Ah, fais chier. Non, tu peux pas. Je joue à WoW. Nous sommes ici pour déterminer qui sera une superstar. Première fois, oui. Écoutons Toad, très important. Donc là, il fait chaud, il fait beau, voilà. Cette ville de l'Ouest sauvage. Une locomotive à vapeur chemine le long de la voie ferrée. Ça arrive même pas. Si Loco se trouve déjà à quai à votre arrivée, vous pouvez directement monter à son bord. Loco. Vous trouverez également un guide. Bien passé. Vous offre la possibilité de discuter avec vos concurrents autour d'un bon verre de vin. De Loco. De lait, pas d'alcool. Hein. Un bon verre de Sky, tu vois. De lait. Un conseil, si vous marchez sur la voie ferrée, un accident est vite arrivé. Oh oh. Pardon, je pensais pas que ça allait skip pour tout le monde, j'ai appuyé sans faire exprès. Tu pètes les couilles, Beatle. Oh oui. Oh putain, mais. Il y a pas besoin de la dragonne, je vous le dis. Ça commence déjà! Let's go! Super, Ponce, en tout cas. Ouais, merci. C'est-à-dire que dès le début de la game, t'as pas essayé quoi. C'est vraiment... J'ai fait un, la mif. Oui, bah, c'était très bien. Mmh. Où est l'étoile? Ça commence déjà, l'autre il fait 10. Oh, elle est là. Allez, et commencer en premier, c'est toujours nul. Hein. Je sais pas. Vous pouvez parier vos points évidemment. Ok, commencer pas, en premier, c'est hyper bien du coup. Oh, j'ai pas fait. Vous avez fait une prédiction? Évidemment. Non, on a pas fait de prédiction, c'est vrai. Vous pouvez prédire, vous pouvez. J'ai pas de modérateur donc je peux pas faire de prédiction. Je sais pas si c'est combien. Troisième, bah c'est super. Attendez, je lance une prêt. Avant que je tape le dé. La prête est partie. Tu sais que je pense que ça va influer là. Si je fais 10, direct, les gens ils vont voter pour moi. Hein. Oh non, c'est trop grave. Mais putain, c'est une folie. Allez hop là, c'est parti, on y va directement dans cette game. Ultrem réfléchit. C'est moi ou il y a plus de lag sur les résultats des. Des ah non, c'est instant, mec. Je crois qu'il y a plus de lag, ouais, c'est plutôt bien fait. Dédé le loco. Est-ce que je prends le train? Qui va gagner cette partie de Mario Party? Vous avez 15 minutes, messieurs dames, au niveau de mon live. Si jamais vous souhaitez perdre vos points de chaîne, allez-y. Et moi, vous avez encore 10 minutes au niveau de mon live. Voilà, je sais pas pourquoi. Moi, je suis en mode fête, hein. Je suis en mode fête. Moi, il y a pas de sondage. N'hésitez pas à aller sur tous les streams là. Oh, c'est à moi. Vous êtes partout. C'est à moi de jouer. Comme ça, vous êtes bien et vous gagnez des points partout. Ah, toi aussi. Non. C'est quoi le concept là? Onu, tu peux m'expliquer pourquoi t'es allé à gauche? Parce qu'il y a l'étoile. Ok. Alors, vas-y, je suis sympa, Beatle, ou je alors, te Wingo. Hais après le live. Mais du coup, donc c'est, va, c'est. En fait, c'est, Mario Party, c'est un, c'est un jeu de plateau FPS, c'est ça? Oui. Ou en gros, c'est du team deathmatch et la team qui a le plus de kills gagne. En gros, c'est ça. Oui. Ok. Vas-y, c'est là. Bah, je vais. Moi, je vais aller à gauche en vrai, parce que j'ai aucune personnalité. 63% des points de chaîne sur la gueule de Nutrem pour le moment. Après, tu peux prendre le train pour te casser de là, si t'as envie. Hein. Salut Yoshi, j'aimerais bien ne genre, pas monter. Genre, tout le monde veut que Onu perde, genre. Ah non. Oui. Non, gagne. Loco. Ah, gagne. Ah oui, d'accord, oui, ok. Ah, il y a quelque chose que je trouve vraiment pas mal aussi. C'était comme ça avant, là, le fait qu'en bas, il y ait les joueurs et que ça switch. Non, c'est pas comme ça et c'est très bien qu'ils aient fait ça. Et c'est très bien, ouais. Et même, il y a écrit un mini-jeu. Et s'il y a des événements un peu particuliers sur les maps, on le sait aussi quand est-ce que ça proc. C'est tellement frère, bien. Je suis... En vrai, le jeu est mille fois plus fluide qu'avant. Ah oui, mais en fait, ils ont appris de leurs erreurs, des derniers Mario Party. Oui, c'est un mélange des deux un peu. Ouais, enfin, c'est pourtant, ça, c'est la ça. Console n'a pas changé, c'est fou quand même.
Attends. Mais le jeu est en 60 FPS, il me semble. Le jeu a l'air fou. Oui, 60 FPS. Et ben, ouais. Le jeu, il est un poil moins beau que Superstars, il est plus fluide. C'est vraiment les deux connards. Oui, il est en 60 FPS, oui, tout à fait. Attends, mais c'est dégueulasse. Genre, tous les deux qu'on fait 10 là, c'est un peu de la triche. Ah, c'est de la triche. Ouah, mais t'inquiète, c'est classique, on a l'habitude. Heureusement que j'ai une chance infinie au niveau des dés et que moi aussi, regardez, ça va être un 10. Là encore. Divisé par 2. Voilà. Ce qui est bien au moins, c'est qu'on est tous ensemble, quoi. Vraiment, c'est 10. Bah non, pense, il va aller sur la case rouge là. C'est top. Non. Ok. Bravo pour ces 3 pièces, pense. Vraiment. Mini-jeu. Mini-jeu. Je déteste le narrateur du jeu, par contre. Là, moi, je veux profiter du training, par contre. En déconstruction. Déconstruction. Le pont cuck. Le pont quoi? Le pont cuck. Le pont cuck. Donc, tu peux te déplacer. Et c'est tout, tu peux rien faire de plus quoi. Bah, il y a des trous et il y a des bûches. Ils doivent te tuer. Des trous, il y a des bûches, voilà, c'est fin de fin. Des grosses bûches. Quoi, genre... Le pont walk. Ok. Et le but, c'est d'aller à la fin de la map. Sans tomber, de préférence. Ah ouais. Bah, c'est préférable quand même. Donc, c'est pas Let's go. Préférable. C'est littéralement le but, I guess. Let's go, bah. Ça dépend, après, si t'as pas envie de finir, tu peux tomber. C'est littéralement Fall Guys. C'est littéralement Fall Guys, aucune inspi. C'est vrai que ça fait très Fall Guys, c'est pas faux. Et la musique fait très Fall Guys aussi. C'est une belle partie en fait. N'hésitez pas à pousser Peach. Hein. Vous voulez que je vous pousse? Oui, moi oui. Je voulais pousser personne à la base. Hein. Ouais, mais on peut pousser? Oui. Ouais, il y a un body. Oui, on peut. Non, bon bah, on va pas. Oh le bait! Ah, il y a du bait hein. Moi je pense j'ai cru que. J'ai cru. Non, mais il pousse? Il non, pousse. Mais c'est vous qui poussez. Non. Oh là là, oh là là. Ah oh bah c'est bon, ok. Oh là là. Attends mais ça allait tellement vite d'un coup là. Le stress. Attends mais ils mettent la presse. Oh non mais. Ok alors c'est peut-être, c'est pas gagné encore hein, parce qu'il reste pourquoi encore la P2. Pourquoi c'est encore lui qui a envie? Mais il reste la P2. Il a envie parce qu'il a 30 heures de jeu en non, mais ce sera le cas pour la très grande majorité. Ce sera le cas pour la très grande majorité des mini-jeux Beatle. Oui c'est vrai ça. Non mais pardon, j'oublie à chaque fois. Oui. Mais j'ai voulu jouer un poil trop safe. Mais il faut pas que les 15 premières minutes de jeu modifient votre prédiction parce qu'en soi. Ça veut rien dire. Il y a les casques ou du sort ou du destin, il y a les vols, il y a les boules. Il y a au moins 2h30 de jeu. Hein, donc globalement, il peut y avoir. Après, il y a quand même un problème, c'est que là, au prochain lancer de dé, il achète l'étoile. Ça dépend, il faut que je fasse 2. Oui, mais après, je peux faire 1. Voler 7 étoiles. C'est vrai. Non, mais après, il a pas de. Non, il faut que je fasse 3. C'est quoi la particularité de la. Enfin, il y a un bout pour sur la main pour pouvoir voler. Oui, il y en a, il y en a, il y en a. J'imagine. Oui, attends, j'imagine. Tu veux. Là, ah. Oh. Et bah, FF. OMG. Alors peut-être. Et non, il manquait la chance. Il faut que moi aussi je fasse un du coup. Fais un. Mec, fais. Un. Quelqu'un a un déhanté? Un. 6. 6. Pardon. 6. Tu fais 0. Tiens, bonjour, je vends des objets uniques. T'as, je sais pas, une coiffe bouffe tout ou un truc comme ça? Je regarde vite fait. Oh le dé doré, il est très bien. Oh le dé doré. Les nouveaux items, donc tu les connais peut-être pas. Le coupon, c'est le dé hanté. Pas le dé tronqué de l'époque, évidemment. Le dé hanté. Le dé hanté, bien sûr. Des pièges piques à placer jusqu'à 2 cases de vous. Voler une étoile au joueur qui s'y arrête. Ah ouais. Oui, oui. Oh bon, moi, je prends ça direct à ta place. Non, j'aurais pris. Ah, il prend rien. Non. Oh non. Mais tu oh non prendre. Mec, t'as pas assez de pièces. Soit case luck. Attends, luck, ça m'amène luck, où luck tous les jours. Il y a même pas de débat. On peut se regagner un petit cheval. Où ça? Ah oui. Ouais, en train de brouter, on sait pas quoi. Ouh. D'ailleurs. Mais... Ah bah, du là, sable. Un cheval ou un... Là, il se régale. Hyper là, sable. Vraiment, c'est oh, la clé sésame. Je sais même pas ce que c'est. Et si, c'est la clé. Ah, mais c'est la clé hantée. Oh, la clé skull, pardon. 15 pièces. En fait, ça voulait rien dire la clé skull. Mais oui, c'est vrai. Mais comme le dé hanté, finalement. Ils ont enfin il était... traduit le truc, quoi. Allez. Oh, bien, j'ai fait un plus. Et vraiment, je suis trop heureux. Mais c'est quoi ton perso, Bitel? Je suis une merde. Bah, je prends le train. Spike. Ah, il prend le train, c'est parti. Merde, pourquoi j'ai fait ça? Bah, je sais pas, t'as envie. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le train. Ah. Après. Ah, t'avances. Ah, mais du coup, ça va me pousser. Oh non. Ah, bah, bisous, les copains. Ah, bah, moi, je suis mort. Ah ouais, il m'a tué. Loco. Mais en vrai, du coup, c'est très bien parce que du coup, il peut pas récupérer les toiles. Déjà le focus sans faire exprès quoi. Ah, sans faire exprès. Masterclass, Pitel.
Ah, je suis si heureux. Mais c'est le move le plus random que j'ai vu sur le jeu là. Non, 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 c'était pas random, c'était pas random, c'était pas random. C'était complètement calculé. 12 pièces. En plus, il est remboursé des pièces. Mais oui, mais attends, mais. Tu joues c'était bien, totalement Beatle, calculé, tout va bien. Vous eh, franchement, Beatle, bravo hein, pour quelqu'un qui débute. Oh putain, on est là. Hein. Ok, vous êtes bouillant là. Regardez. Bah, vraiment pas. 4. Oh la chance. Alors peut-être. Le sac à objets, ça te mettrait très bien. Oh le tuyau. Ouais, bof hein. C'est pas le meilleur item. Hein, je... Ah non, c'est peut-être même le pire. Moi, hier soir, j'en ai eu 3 d'affilée, hein, les tuyaux, c'était super. Mini-jeu. Ça va, c'est mini-jeu. Bien. Mini-jeu. Ah ouais. Et hop! Ouais! Allez, bye bye! Allez, ouais! Oh non! Ouais. Jeu le du jeu cirque. Du cirque! Qu'est-ce que c'est que cette merde? j'espère que vous adorez la mémoire immédiate parce que. C'est... Oh, c'est ça! Oh ouais. Putain! En fait, faut observer et après, il y a des questions. J'ai l'impression de retourner à l'école, ça me saoule. Et hop! Là, parce que là, il y a que des décas. Ah non, il y a une taupe aussi sur le bleu. Il y a aussi une taupe. Attends, là, par exemple, il va dire. Quelle était l'image en double? Et là, c'est DK. Il faut bouger pour aller sélectionner DK. Ah, je pense qu'on va se régaler. Attends, et comment tu sélectionnes DK? Bah, vous bougez le curseur ah, oui. vers DK. Confirmé. Mais non, mais il y avait des images sur des ballons. Allez, let's go, c'est parti. Ça a très bien se passer, pense. Ne vous inquiétez pas. Alors, ça va super bien se passer du côté de Ponce. Ce qu'on ne dit pas, c'est que les premiers qui répondent gagnent plus de points. Oui. Oui, tout à fait. C'est vrai. Oui, c'est un jeu de vitesse. Mais moi, par contre, j'ai voulu confirmer, ça n'a pas marché. Mais t'as sûr, t'as cliqué dessus. Bah, j'ai appuyé sur. Mais ça peut être quoi comme question? Bah, par exemple, Toad qui salue, c'était quoi? Moi, je pense, je sais pas, ça peut-être. Oh ok, c'est bon, ça a marché. Oui, ce mini-jeu, il est immonde, il donne mal au crâne. Oh, c'est perdu là. Ouais, il est un peu chiant ce jeu. Attends, mais c'est la même. Ok. Hein. Ok. Quel banger. Oh le dit. Oh, mais la chance aussi, t'as pré-shot en évidemment. Étant à gauche, ça a abusé. Ah ouais, Wingo, il a pré-shot. Évidemment. Il a pré-shot. J'ai appuyé alors qu'on savait pas que c'était où était Didi, donc j'ai appuyé avant. Oui, oui, non, c'est un peu nimble. Deuxième manche. Ok. Je déteste le narrateur, vraiment. C'est... Je l'aime pas non plus, je vais changer la langue de ma console juste pour ça, je pense. Mec, c'est une dinguerie. Attends, mais... Par contre, dur, hein. C'est quoi le concept, là? Mais attends, mais c'est perdu, je sais même plus où... Non, en fait, je sais même pas. Ok, bah, FF. Ah non. Oh non! Attends. Je serai jamais. Mais putain, mais Onu! Non, c'est insupportable. C'est insupportable de timing! En fait, faut juste pas bouger, faut juste attendre au milieu. Comme troisième manche! Et voilà quoi. Dernière manche! Last round! Ouvrez l'œil! Ok. Y a un gros bill, attention, y a une différence, hein, c'est pas les mêmes. Et pourquoi tu dis? Je sais pas, parce que je suis pas méchant. Bah, un peu quand même. Ah t'es bon un peu l'antagoniste de cette game, mec. Ok. Hein. Alors, je te jure, si c'est le gros Bill, je suis abattu. Non, c'est Bill, vrai. Gros Bill et. Ouais. Wow. Bill, gros Bill. Alors là, je l'avais pas là. Oh là 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 là, rapide et furieux, quoi. Hein. Pour quelqu'un qui a pas compris les règles à la base, pas mal. pas dégueu. Clean. Bah, c'était énorme. Bravo clean à tous. Shit. Vraiment, c'était un super jeu. J'aurais rien envie de ça. Pas du tout envie de canner, pas c'est bien. Pas là. En tête da da da. On a fait un escalier parfait. Faut le oui, savoir. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Boury. Déjà Jean-Boury. Ouais, c'est vrai qu'il a spawn très vite. En arrivant sur une case. Mais il est derrière nous, là. Non, bah du coup, moi, j'ai la case départ. Bah après, c'est pas pour autant que je l'aurai. Il y aura un mini-jeu. Ah oui, du coup, t'es bien au nu, là, oui, du coup, là. Oui, enfin... Enfin, oui, encore, attends. Parce qu'en vrai, non, c'est pas fait, c'est pas 10, fait. Hein. Il va refaire 10, je vais péter mon crâne. Oui, je vais refaire 10. Je pense pas, hein. Bon, ça va, 6. Ah, ça va. Mais attends, mais il a le jambonry, là. Non, même pas. Non, pas encore. Jambonry. Oh, le dé sur RM. Waouh, le dé sur Meuse, direct. Il est bien, celui-là. Il est joli, en vrai, hein. À moi de jouer. Il est très beau. Allez, Yoshi.
En vrai, c'est vraiment bien fait l'ordre en bas. Ah, c'est trop bien, mec, c'est trop bien. Le fait que maintenant t'aies une vraie timeline avec les événements qui arrivent, c'est le meilleur truc. Alors peut-être. Ok, non, faut appuyer sur le bouton, faut pas faire vers le haut. Il a juste crié, il s'est rien passé. Oh, le tuyau! OMG, je suis Spike! Il est tellement confiant, Spike, ça se voit. Il a pas de problème dans la vie. Waouh! 4, je suis un boss. Oula! Oh! Oulala! Oh! Oh, tous les jours! Oh, le lait! Attends, c'est quoi le lait? Je ne sais pas, pour le coup, je sais vraiment pas. Personne n'a jamais fait. Tu peux faire venir des gens. Allez, régale-nous, mec! Régale-nous! Bah ouais! Attends, ça veut dire que tu peux. Pour 20 balles, tu peux faire venir. Mais je sais pas si ça TP les gens ou est-ce que ça fait quoi en fait? Oh, si ça TP, c'est une masterclass par contre. Franchement, fais-le, mec. Je vous assure, je sais pas ce que ça fait. Pour le content, ça change rien, c'est le début de la game, tu vois. Est-ce que. Franchement, cramer toutes tes pièces pour faire un truc, on sait pas ce qui se passe. Bah, en vrai, je te dis ça parce qu'il est extrêmement bien placé. Hein. J'ai mis une personne. Je peux me faire. C'est Daisy. Est-ce que c'est vraiment un TP ou est-ce que c'est un duel? Mais pourquoi? Mais j'ai rien fait, je veux pas voir, j'aime pas mais le lait, c'est je suis intolérant au lactose. Je suis intolérant au lactose. Non, tu adores le lait maintenant, tu la fermes. Oh mec, glou et glou. Non mais attends, la cinématique est incroyable. Non, top, glou. Glou. On s'est pas bien marré, je vais avoir la chiasse. Mais du coup, c'est vraiment une TP. Ah oui, c'est vraiment une TP. C'est vraiment une TP. Let's go, Daisy. Oh la lourde. Tu es à l'exact opposé de l'étoile. Let's attends, go. Tu sais quoi? Non. Tuyau. Hop là, regarde le tuyau. Mon rêve, c'est que ça te TP une case juste derrière. Attends, mais c'est random le TP? Oui, complètement. Oui, c'est random. Le tuyau, c'est random. Clutch. Ah, oh non. Ah, oh, le VS. Oh, le VS. Mais non, je joue. Oui, ah, mais tu joues. Bah, oui. Oh, faites un effort. Putain, j'en peux plus. Ouais, pardon. Mais super, en tout cas, ton utilisation. Après, tu peux prendre le train. C'est trop bien, du coup, tu reviens exactement là où t'étais. Oh, le train. Payer le train. Attends. Loco. Oh. Loco. Attends. Une gare. Donc, une gare, j'arrive là. En vrai, tu fais deux, non? Oh, deux gares et je gagne tu le mini-jeu. Tu fais deux gares, ouais, je pense. Hein. Deux gares, je gagne le mini-jeu. Oh, MG. Le plan de fou. En plus, tu rebutes ton utrep, du coup. Ah, merde, ça dépend s'il va en arrière ou en avant. S'il va en avant, il me bute pas. S'il va en arrière. Oui. Attends, mais ça prend en compte mon 8 après? Enfin, les 6 Je crois que oui. Oui, tout à fait. Oui. Ouais, mais du coup, je pourrais pas acheter l'étoile. Non, mais c'est FF. Ça sert à rien. Non, mais en fait, t'as une chance sur deux de me renvoyer à la case départ. Moi, mec, tu sais que là, tu peux renvoyer Peach dans les barres. Oui, mais moi, je vais revenir quasiment au même endroit. Oui, mais. Du coup, tu te rapproches de la. Écoutez, et en plus, j'ai pas les thunes. Non, je fais une gare. Histoire de quand même avancer. Ah, juste histoire de me casser la gueule ou quoi. Ouais, après, ça dépend si tu avances ou recules. D'accord, ok. Tu avances. Ouais, je comprends. Chouchou. Ouais, oui. C'est nickel. Allez, Spike. Dégage. Allez Spike, au trou. Oui. Loco. Oh, on a peur de quelque chose. Oh, pardon, je suis sûrement moi qui suis un peu bourré. Le mec, il se vomit dessus quand il parle. Bienvenue à la boutique. Oh, c'est quoi le troisième truc là qui coûte 7? Ça se TP au hasard sur un joueur. C'est pas un échange, c'est une TP au hasard sur un joueur. D'accord, ok. Bah t'as un double D à 5, c'est double donné. Dice, après t'as le D sur M. Le double D, le D sur M, pour moi, il y a le bloc de TP aussi qui est pas mal. Hein. Mais genre, le piège, il reste donc deux fois, il a deux utilisations. Donc tant que c'est pas utilisé deux fois, il est là. C'est ça? Non, tu peux en placer deux. Ah. T'as deux items, mais après, tu peux en placer que un par tour, par contre. Ad vitam aeternam? Tant que quelqu'un a pas marché dessus, ouais, je crois, c'est ça. Il reste deux jours. Alors, il est pas mal parce que c'est la moitié des pièces pour toi, du coup, si quelqu'un tombe dessus. Eh, parce que moi, t'as l'air que. Attends, moi tout à l'heure c'était une étoile, je crois, non? Ça dépend, il y a aussi les étoiles. Mais ouais, le truc, c'est que les étoiles, si t'en as pas et que tu vas dessus, bah ça donne rien. Alors que ça, tu vas toujours récupérer quelque chose. C'est bien vu de ta part. C'est bien vu de ta part là-dessus. Okay. Oh là là, le déhante. Oh le déhante. Oh le déhante. Le déhante qui vient de tomber, messieurs dames. Le minigame, c'est maintenant. On sait pour qui il est, ce déhante. Non, on spike, bien sûr. Et hop. Manège survolté. Manège survolté. C'est quoi cette. Oh les bah, y a un manège, il faut survivre. J'ai hâte, hein. J'ai déjà fait. Ça c'est cauchemar. Qu'est-ce que c'est que ce truc, putain? Comment on jump? A. Avec le bouton A. Allez. Oh là là. Ok, bon, on a compris. Hop. Et ça va évidemment accélérer. Et A. R. Oh. Non.
C'est Zelda. Le manège de fou. Le manège hanté. Il est un peu stressant ce mini-jeu. Oui. Ça fait un peu penser aux portes de Fall Guys. En fait, ce qui fait peur, c'est la musique et l'ambiance aussi qui fait que... Genre, oui, je vois ce que tu veux dire au niveau de l'ambiance. Bien stressé quand même. C'est vrai que ça fait tellement flipper, c'est une folie. En termes d'ambiance pure, c'est... Et regarde, je me mets là pour vous réceptionner, pour vous me sauter dessus. Pour vous amener dans les éclairs, regarde. Tac, maintenant. Ok. Ok. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a des strats, hein. Absolument pas, mec. Regarde, bah regarde, saute-moi dessus. Voilà, et bam. Ok. Ouais. Bah, c'était close en vrai. Hein. Mais c'est impassé. Oula. Ça s'accélère. Tu es bloqué. Aïe. Non, non. Comment ça allait un brin vite là quand même là. Je suis bloqué. Oh bah, je suis bloqué. Ça va vite quand même là. Très bien. Hein. J'ai failli me faire bloquer. Ah. J'ai fini full stuck. J'ai rien pu faire. Énorme. Je sais même plus qui je suis. Mort. Oh, j'ai failli mourir. Je crois que je mourrai juste après. Je sais pas comment t'es pas dead. Je sais pas non plus. Parce que j'ai fini bloqué comme toi, mais par contre, moi j'ai pas pu ressortir. Hein. Wow, c'était trois tendu. 3 mini-jeux, 3 victoires d'ONU pour le moment. Tout va bien. Masterclass là. Nickel, ah, moi je me régale. Hop, pas de pièces, je vais aller me faire foutre. Non, mais, alors par contre, en vrai, je trouve la répartition à chier. Genre, le premier il prend 10 pièces, le deuxième 3. Et le dernier c'est. Jambori, il a combien? Ah, 7. Oh, ouais, ça me choque. Attends. Ça me choque pas tant que ça. Hein. Non, ah ouais, je sais pas, je trouve que bah, c'est. Des fois, il y a beaucoup de mini-jeux où le gagnant il gagne et les autres gagnent 0, quoi, donc ça me choque pas. Ouais, ok, ouais, je sais pas. C'est voulu que le gagnant gagne beaucoup plus, tu vois. Mmh. Ouais. Mmh. 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 Donc toi, tu es pour le fait que Onutrem se gave, ok. Ouais. Bah non, je suis pour que. Non, mais tranquille, mec. Tu vas décider de faire combien? Genre 10 par exemple? 9. Et hop! Jean Bourru! Yala, et là c'est mini-jeu! Là c'est mini-jeu! Ah oui, mais du coup tu pars avec un avantage dans le mini-jeu. Oui, ça. Exactement. Ah bah déjà que tu gagnes sans avantage, non mais frérot. Alors je t'avoue que celui-là je le trouve extrêmement difficile. Il y a des jeux qui sont hardcore. Hein. Oui. Vive le Jean Bourru! Il y en a un qu'on a fait pendant la nuit des Nintendo Bros, c'était Yoshi. On devait faire course, tout un niveau ouais. complet, c'était tellement long, mec. Oui, la course est très longue, mais les jamboris sont longs. Celui qui gagne repart avec l'ami, le camarade. C'est ça, j'aurai Bowser Jr. en ami. Pendant 3 tours, c'est ça? 3 tours, après vous pouvez me le voler en passant devant. Ouais, t'inquiète. Mais faut faire quoi là? Là, bah en fait, ouais, il va y avoir des rounds et il y aura des épreuves avec des trucs très durs à éviter et il faut survivre. Et à chaque fois qu'on survit, on gagne un point. On le fait, hein. On peut se frapper. Hein, ah, on peut se casser la gueule, d'accord. Voilà c'est la baston. Okay. Voilà. Ah oui, c'est... Et action, c'est quoi, du coup? C'est sauter? Oui. Non, c'est... Attends, si? Non? Ah non. Non, des fois, il y a des trucs où faut, par exemple, attraper quelque chose ou... Ok. Des fois, faut attraper une poule. Hein? Et c'est Microworks, en fait. Une poule. Microworks, ouais. En vrai, c'est Microworks, hein. C'est un peu ça. Hein. En vrai de vrai, c'est un peu ça. Ok. Okay, let's go! Qui connaissent déjà tous les jeux du monde là. Merci. 3 points d'avance, c'est pour moi. 3 points d'avance! J'ai l'impression de faire la Z-Land, c'est beaucoup, mais je suis pas train en gros. Je trouve que c'est beaucoup pour ce jeu là. Ah bah, c'est comme moi tout le temps. Débattez-vous, comment ça? Ok. Mais. Ah, ça va, folie! Ça va, on a tous gagné. So calm. On va être pas touché. Oh non, j'ai très peur là. Ça va être. Ah, mais il me focus du coup! Ah ouais, je pense qu'il focus par rapport au point. Super! Non, mais c'est vrai, en fait, les trucs. S'il y a un truc. Target, ça prend le premier en point. Non! Oh. Bon, attends, c'est chaud ça! Oh. Ouais, c'était un peu. Comment on est censé deviner? Non! Il m'a poussé, ouais. Mike! Arrête! Je vais vous pousser, hein! Approchez-vous, je vais vous pousser! Le prend hyper personnel! Oh, le haut du trem, il a pris un truc dans la gueule! Arrête! Les gens, ils me poussent! Mais! Quoi? Non, c'est une folie! Mais quoi? Mais regarde le harcèlement autour de moi! C'est trop grave! Mais il m'a spawn dessus! Ok. Ils sont misogynes, hein! Vous faites pas toucher! Arrêtez de me pousser! Mais! Et comment? La violence à la fin! Putain. Mais c'est chaud en vrai, hein. Ah mais ONU il démarre avec plus 3. Oui. Oh, ouais, mais là les marteaux... Je me suis fait 3 dead, les gens, d'une violence. Ok. On se fait full 3 dead. Faites pas prendre. Ça tourne en sens.
Oh mais bâtard. Oui. Oh oui, il me frappe. Ok, je te détruis maintenant, terminé. T'as le chien. Attraper une poule. T'en es où? Oh, t'es nul. Oh oui, j'ai une poule. Ah bâtard. Elle m'a feinté la poule. Non, mais si t'avais pas eu le plus 3 de base, au nu, il y avait égalité. Je suis pas tué. Ouais, mais il l'a gagné quand même, du coup. Non, là, ça fait plus 3, là. Ah, c'est plus 3. Go. Focus au nu, focus au nu. Non, mais... En faisant un... Et attends, mais il vise, là, regardez. Non, c'est trop. Non, c'est pas vrai. Mais quoi? T'étais devant moi. Qu'est-ce que je peux faire? Oui. Bah, non, alors, par contre, faut mourir, hein, frère. Attends, mais nous, non, c'est trop grave, c'est trop grave. Jean mourit. Ça se voit, la hitbox est pétée. Non, ponce. Désolé. Trop grave. Bah, trop grave. J'ai voulu aller à l'encontre. On se fait éjecter frame 1 et derrière l'autre, il se fait prendre 33 pendant le boule et il y a rien. Non. Ah bah les 3 points ils ont été utiles. Il fallait que je tente un truc parce que sinon en fait en gros si je tentais pas bah en fait on gagnait tous les deux 3 points et gagnait quand même, c'est pareil. Mais se passe quoi quand t'as égalité? On a rien gagné là? Non. Ok, c'est normal. En fait y'a que Onu qui gagne. Bah je récupère le Bowser Jr pendant 3 tours. Son jamboree. Ok, c'est normal. Et grâce à lui, c'est trop grave. Je vais pouvoir acheter 2 étoiles. Hein? Oui, c'est vrai. Ah mais oui, je savais que j'aurais dû host la game. Tu peux acheter 2 étoiles, c'est vrai. C'est vrai. Je vais quand même prendre le dé doré, je pense. Ah dommage. Non mais je pense que j'ai bien fait de tenter le coup de poing parce que s'il passait tu mourrais pas moi je pense. Et du coup En vrai j'ai peut-être... Attendez les gars, j'ai peut-être un truc. C'est marrant. J'ai peut-être un truc. T'as un truc là? Je vais peut-être pouvoir te coiffer sur le poteau mon pote. Non je vais pas faire deuxième machin, non c'est grave. Ah ouais c'est... Oh là, violent quand même ce que tu dis. D'un coup quoi. Oh putain mais non mais il est... Deux étoiles. Oh. Bon bah c'est GG hein, bravo à tous, merci beaucoup, c'était une super game. Ça va, c'est le début, Castro. Étoile obtenue. Je suis une superstar. Allez bon là-haut. Bon, on est en 3v1 pour de vrai maintenant, c'est officiel. Ouais déjà. Non mais attendez. Bug déjà. T'as 2 étoiles mon ref. Cache chance. Ça existe les blocs ou pas encore là? Oui, ça existe les blocs cachés, oui. Imagine il a un bloc là. Non ça va. Ah mais quand tu t'arrêtes sur une case, il... Oui. Met ça... Hein? Oui, c'est le passif. Non mais attends, c'est le camarade of all time. Viens, oh, un piège, pique 10 pièces, allez, on va en mettre partout. Bah toujours, vas-y gros, piège la map. Retrigger. Frérot, t'es un SRAM, c'est pas Dofus, hein. T'es un SRAM, c'est pas Dofus. Ah, j'ai un champ plus. Oui, t'as pas la ref, oui, mais... Moi non plus. Mais vivement Unity, hein. Ah, on attend fort. Non, bravo. Je vais jouer à Dofus en vrai, sous Unity. Ouais. Comment ça? Et je vais mettre à Dofus quand ce sera sur Unity. En même temps, il y a une voix hein, dans le jeu, hein. Je crois que tu prêtes une voix à un monstre. T'es en train de me dire qu'il y a un arc Dofus qui est en train de se préparer là? Oui. Un arc? Oui, je vais jouer à Dofus, je vais découvrir Dofus sur Unity. Et je vais devenir le meilleur Kra du cerf. Non, je rigole, je dis n'importe quoi. D'accord, ok. Ah non, pas Kra. Moi, il a utilisé les bons termes. T'as été Wingo là. Une case à côté, ça sert bien à rien. Du coup, ça veut dire qu'on va pouvoir faire une guilde et tout, genre. Par contre, je vais jouer vraiment en solo sur le jeu. Ah bah, d'accord. D'ailleurs, je me mettrai pas online, je crois. Ah, ça va commencer à être compliqué, mec. Ah oui. Il va juste sur des serveurs privés, quoi. En vrai, grave chaud de jouer, bien sûr. Il va jouer 4 heures puis stop. Bah, en vrai, si le jeu me plaît, c'est un type que je joue que 4 heures et que je stop. S'il te plaît. Si ça me plaît. Voilà, merci. 4 heures, si ça te plaît, mais si ça te plaît pas, c'est. Parfait. 4h04. Ah non mais en vrai si ça me... Jambon riz, oh c'est bien ça. Bien ça. Impec. À chat. Dinguerie ça. À toi Ponce. Daisy. Y'a quelqu'un dans mon chat qui te demande si t'as parlé de ta défaite humiliante face à JDG hier soir. Voilà, je... Bah écoutez, il s'est passé ce qui s'est passé. J'ai fait des erreurs, c'est vrai mais... J'ai fait des erreurs. J'ai fait des erreurs dans la partie. Des erreurs ont été commises. Mais le fait de toujours me target quand j'étais devant et même quand j'étais quatrième, c'était un peu assassin. Oh. Mais bon, bah voilà. C'est... Je les comprends. Le mec se plaint. Ah ouais, quatrième, il vote hasard et ça me tombe dessus. Et ah oui, j'ai eu 4 Bowser également dans la partie. J'aime beaucoup 4 Bowser. Oui, c'est vrai que à Lyon, j'avais dit que j'allais y jouer après une OP et au final, j'ai joué une dizaine d'heures max et j'ai arrêté, c'est vrai.
c'est vrai. Ouais, mais en même temps, j'avais pas de potes qui jouaient non plus, tu vois. J'allais genre, dire, là pour le coup, tu vas avoir Nao, tu vas avoir Wam, tu vas avoir plein d'autres gens. En vrai, si on te motive bien et qu'on t'emmène faire les bons donjons et tout, je pense que tu peux vraiment kiffer vite. Hein. J'ai trop peur. En vrai, c'était plus malchance que Target, faut que je sois honnête. Il y a eu un tout petit peu sur certains mini-jeux, mais c'était full RNG négatif. Les gars, j'ai un problème. C'est que là, j'avoue que objectivement, je devrais voler Wingo. Bah, c'est vrai que là, t'as un peu un dilemme. Oui. Pas ouf. Il faut spam X quand tu Après, si voler, tu veux prendre ma pièce, je te la donne. Bah, c'est de la merde, quoi. Faut spam X quand on se fait voler ou pas? Ouais. Oui, tu peux ici. Ouais. En ranked, tu peux pas et c'est 15 pièces quoi qu'il arrive en ranked. Ah, ok. Oui. Allez, envoie là, tu m'as pété les couilles là. Ok, ok. L'ambiance. Hasard. Allez, excuse-moi hasard. D'hésiter, mon ami. Excuse-moi d'hésiter. Hein? En vrai, Wingo, on est. Faut pas le prendre comme ça, Wingo. Hein. C'est que moi j'avais plus d'argent. C'est de la merde! Mais m'aurait bien pris moins 16! Comment ça, moins 16? Mais t'as pas appuyé, mais tu t'es trompé de bouton! Mais si, non, mais c'est, sur les Joy-Con, c'est de la grosse merde pour appuyer, mec. Moins 16! Attends, mais quoi, j'ai pris 16? Ah, tu t'es régalé là. Ah ouais! Ah bah là, fin de game pour moi, dommage. Ah non, Wingo, je vais t'aider. Mais jeu bonus! Regarde, dans le cul, hop! Ça va pas? Oh, bon, les princesses contre les verts. J'ai gagné le mini-jeu, trop chiant! Dory Pédalo. Rouage de la fortune, tout le monde gagne de l'argent. Une occasion de refaire. Fortune. Est-ce que c'est un jeu que j'ai déjà... Allez, t'es prêt, oui. Oh, c'est le jeu du brain. Alors, ce jeu en gros, est exceptionnel. Pour chaque bouton appuyé, ça va faire une rotation de 90 degrés. Et ensuite, on obtiendra ce qu'il y a en face de nous. Donc là, par exemple, il y a une seule case de pressé, donc une rotation. C'est du brain jusqu'à la dernière seconde. Oh, ça va être fou. Et on est en team. Et on est en team. La team. Ouais, tout à fait. Bon, Beatle, la team, frère. La Beatle, team. On se capte. On fait une dinguerie, mec. Ok. Qu'est-ce que je veux exactement, moi? Oh non. Merci, les frères. Parfait. Oh non, on s'est embrouillé, je crois. Oui, mon Beatle. Oh non. Waouh. Après, il y a quand même beaucoup de rounds. Waouh. Comme les crêpes. Ok. Ok, go. Okay. Ok. On veut surtout pas un. Donc faut soit au moins deux. Pas mal. Mais non, mais moi j'étais resté, mais c'est pas une merde. En fait, j'ai spammé comme un con et du coup ça m'a fait descendre, je suis abattu. Attends, mais je comprends pas, j'ai fait une rotation de plus et il s'est rien passé. Qu'est-ce qu'on veut là? Ok, oui, je. Oh, merci non. Les bros! Oh non, les gars! Ah ouais, mais frère! C'est trop dur, en vrai, c'est trop dur ce jeu. Je fais au mieux pour. Mais vraiment, pour mon mate, mais là. Ah quoi? Je calcule les rotations et ça fait pas du tout ce que je calcule. Bah, mec, si! Bah, non. Là, bah, ça fait avancer une flèche. Si oui. Tu te mets, ça fait avancer deux flèches. Si tu veux. Enfin. Je sais pas. Deux. Bon, on se fait tous baise. C'est ceux présents à la fin qui compte. Non, mais c'est la quantité de fois que tu le fais. Non, c'est non. Le nombre à la fin. Non, c'est le nombre de personnes qui sont sur le bouton. Ah, oui, d'accord, c'est pour ça qu'on se comprend pas depuis tout. Oui, bah oui. Oui. Trop mieux. Voilà. Oh, ils ont bien joué là-dessus. Let's go. Ok. Masterclass. Non, mais du coup, oui, j'ai compris maintenant. C'est pas un compteur. Et c'est dommage en vrai. Non. Non. Putain. Les gars. Comment ça, mais. Ah, mais c'est en 3v1 dans le mode 2v2. Okay. Ah ouais, re-au. Non, trop bas. D'accord. Je me disais que c'était compliqué de récupérer les pièces là. Mets-toi aussi, Vital. Je pense qu'on y va tous. Oh, vas-y, mec. Mais les gars, mais je fais le call. Mais qu'est-ce que tu comprends pas dans ce que j'ai dit? Terminé. Non, c'est une folie. Mec. Mais j'ai fait le call. Mais vas-y,
J'ai dit ou j'ai pas dit? Non, Onuponce, j'ai dit ou j'ai pas dit? Il a dit. Bah voilà. D'accord, mais c'est une folie. Et ça se brain dans la même équipe, c'est très grave. Mais tu te rends compte, même en voulant Onu. Mais moi j'ai cru premier degré que tu disais ça juste pour. Ah, c'est pièce fois deux. Oh. Aïe. Donc je me fais in par Ponce, in par Vitel. Ah oui. En plus, c'était à voler tes pièces autour d'avant, c'est abusé. Non mais ouais, on est à chier. Moi, Hugo, dès que je peux te sauver, je le fais instant. Ouais, je vais retourner faire mon marathon de con plutôt que de faire ça là. Sur Trackmania là, plutôt que jouer fou. Sympa. Allez, faut que je fasse combien là pour l'avoir? Je ferai jamais 18. Ah. Pas mal. Ok. Ok, il y a une justice. Ouais, en plus, je vais même pas rembourser le dé. C'est bien là en vrai, c'est grave clé. Ah, le dé du coup. Ça, c'est du move, ça. Je suis très, bien, très content pour Watt, mec. Ouais, j'aurais deux items. Grâce à Bosé. Qu'est-ce que c'est pété en vrai, les trucs jambon riz? Ah oui, il y a ça aussi. Ça, c'est incroyable. Jambon, c'est incroyable. Du riz. Oh, attends, oui. C'est quoi, ça bien. Le riz au jambon. Double dé sur buzz. Non, ouais. Après, je rejoue le truc. Là, j'aurai un autre item. Ah, ok. Un champlard. C'est trop. Un champlard. Tu peux remplacer. Vraiment, hein. C'est trop fort. C'est trop ton fort. Champi par ton champi, je pense. Ça, j'enlève, je pense. Ça sert à rien. La merde. C'est de la merde. Oh, la merde. Des économies pour acheter ça au début de la game. Non, mais toi, c'est divisé par deux. Ça, c'est 10 pièces. Pas la même intensité. Ah. Wigo qui commence à nous hyper et non. Non. Ouais. Il place son piège, attention. Je sais jouer avec les émotions. Il passe en mode enflure. C'est la alors, fête. En vrai. Oui. À la case malchance. T'es winner pauvre. Aujourd'hui ça a l'air. Bon, hein, les stickers sont vrais, je les adore. Les stickers sont exceptionnels. Ouais, dessinés comme ça, ils sont super beaux. Moi, genre, vraiment mon préféré, c'est lui. Et hop. Oh. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une la clé Skull. Sésame. La game part vraiment dans le bon sens. Oh, t'inquiète, moi, hier j'ai vécu 20 tours horribles hier soir. Wingo, Beetle et Ponce, plus nul que les retraités d'hier, bref. Non, ils ont eu une chatte incroyable. Non, mais par contre, ça me saoule. On dit Mintos, enfin ça me saoule, non, en vrai, c'est plutôt flatteur. Mais on dit Mintos, Antoine, les retraités, j'ai littéralement un an d'écart avec eux, et c'est bon. C'est vrai. Et un truc qu'il faut savoir, c'est que par exemple, Antoine, sur les jeux de spam, il est très 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 fort. Ça se joue à deux. Sur les jitter clicks, il faut appuyer très vite, ça se joue à chaque fois à deux. À deux points. Ça m'étonne pas de lui. Ouais, je sais pas comment il se débrouille. C'est un branleur. C'est un gros branleur, hein. Quelques minutes d'XP. Ok. Mais ouais. Tuyau. Oh, il y a une case pour voler une étoile. Oh, dis donc là. C'est vrai que. Ouah, non, je peux pas lire ce message. Oh, des tripes. Sinon, ça. Attends. OMG. Mais c'est un jackpot là. Alors peut-être. Ok. Divisé par deux. Faut les placer de façon. Si tu la mets sur Bowser, la personne est vraiment contente comme ça. Si elle tombe sur Bowser là, pas du tout le seum. Oh mec, ouais. Sur la Chaos Bowser là. Non, je pense que le mieux c'est mettre sur l'allée centrale. Hein. Genre sur la. Tu veux pas aller sur la Chaos Bowser, Onu? Bah moi j'ai hâte d'y aller. Hein. Juste que tu te mettes bien là. Ah mais attends, c'est malin, qu'est-ce qui trigger avant? Je crois que c'est le piège qui trigger avant. Après on n'en sait rien, on n'y connaît rien. Tu sais que tu peux charger ton dé au max, pompon aussi. C'est-à-dire? Bah en fait c'est un effet placebo et... uniquement, mais tu peux effectivement laisser appuyer pour que ton dé y brille. Tu peux rester appuyé? Ouais, reste appuyé sur A et ça fait briller ton dé. Ouais, ça fait briller ton dé. Du coup ça donne l'impression que... Et tu lâches, ouais. Ouais. Ok. C'est un peu satisfaisant. C'est que du plaisir. Mais merci pour le petit tip, tu vois, je le ferai, je pense. Ouais, bah ça, hésite pas, c'est juste pas. Ça rajoute un petit côté vivant au jeu, quoi. Moi j'aime bien. Hein. Non, mais j'aime bien aussi, merci pour le tip, les amis. Y'a aucun problème. Ouais, c'est un mec, ça fait plaisir. Puis en plus, c'est cool, ça fait perdre du temps un peu à tout le monde, donc c'est quoi qu'il arrive. Ouais, ça, bah ça en vrai, comme ça, les parties en fait durent genre 200 ans. C'est la fête, le but c'est que ça dure un max. Bah, moi, tu sais que moi je suis en fête, hein. Moi j'ai le chapeau, j'ai le drapeau, j'ai mis derrière moi la guirlande. Moi, ils m'ont pas envoyé le press kit cette fois, donc. Voilà, je suis en réseau là. Moi aussi j'ai pas eu le kit, tous les autres Nintendo l'ont eu sauf moi. Tout le monde l'a eu mais moi je l'ai pas. Ah. Et c'était génial. Moi j'avoue je m'en fous un peu. C'est vrai qu'après bon il y avait quoi dedans? Oui. Bon, après bon, voilà. En vrai il y a un super plaid, le plaid est gars, top. Vous avez raté, bah j'ai le plaid juste derrière. Non mais moi je suis en réseau. Moi vous avez raté le drapeau, la guirlande, le chapeau, le plaid. MG. Et surtout le dé
Incroyable. Ah, il y a un dé. Le dé, par contre, je pense qu'il est bien. Non, alors par contre, le dé, vraiment, le dé du pré-kit presse, il était exceptionnel. Aïe, aïe, aïe. Non, vraiment pas. Non, vraiment. C'est ça le mec qui a envoyé le truc. Dans la conf d'Unité de Bro, elle fait je viens de recevoir le kit Jamboree. On fait oui. Pareil. Et c'est genre lettre avec un dé. On était en mode. J'ai eu pareil. Alors là, oui, on peut faire sauter, c'est ça. Hein. Oui, on peut sauter. Vous pouvez faire vibrer la manette pour sauter. Par exemple, là, le sauterne. Voilà. Ah ouais. Je suis chaud, hein. Jump. C'est dingue. C'est du golf. C'est parti! C'est du golfou. Oh, c'est dur. Pardon. Oh putain. Wingo qui fait 5 points déjà. Franchement, hein. C'est vraiment les jeux de course, de toute façon, Wingo. Pour m'assurer un joystick à la base, mais bref. C'est dingue. Vas-y, ça me saoule. J'adore. Oh! Si, j'adore. J'adore le golf. Ah, Vital, il a envoyé la balle dehors. Attends, mais t'as fait le jump ah. Allez, Vittel, c'est top. Oui, Vittel, oui. C'est un spike jump, c'est ça? Ok. C'est, je déteste les gens motion gaming, c'est exceptionnel. Oh merde, pardon, j'ai mis une pause. Je me suis... on laisse le temps de respirer, comme ça, on respire un petit peu. Je sens une envie de souder notre gueule, là, on respire un petit peu. Mec, c'est top. Je compte dans 3. Je ferai pas de feinte. Non, mais je ferai pas de feinte, parce que là, c'est abusé, sinon. 3, 2, 1, go. Il se fout de notre gueule. Mais je suis tombé de toute façon. Ça, oh, putain. Bien joué, pour. Merci. Pas mal. C'est dur. Mais... Un tel acte de gaming pour toi, c'est... Non, mais frère. Ouais. Mais moi, gagner un truc de motion gaming, vous vous rendez pas compte à quel point c'est une masterclass. Ça va, je déteste ça. Ça va. Je pense que Vittel est d'accord avec toi. Ça va. Moi, je pense qu'il kiffe là. Je déteste ça, mec. Je pense qu'il est en kiff. Je déteste ces jeux. J'ai gagné un mini-jeu. J'en reviens. Bien joué. Let's go. Bah, t'es le motion control god, hein. Et je voudrais dédier cette victoire à mes parents et mes sœurs qui ont toujours. Bah non, c'est pas vrai, ils ont pas toujours. Oh, attends, fais vraiment ça trop. Dépendait des moments. Ça dépend des périodes. En ce moment, oui, ça va. Qui croyait en moi au moins une fois par mois. Ça, c'est vrai. Ça dépendait. Ils sont toujours rapides, ça dépend en vrai. C'est assez variable. Voilà, le pauvre nul. Début du tout. Oh là là, pauvre nul, je suis au jeu vidéo. Ok, c'est à moi de jouer ici. Fais deux. Ah oui, en vrai, pourquoi pas. Deux, oh, si, fais deux, deux, mec. Fais. Mais non, mais il faut que tu utilises un champignon, donc tu vas pas faire deux, mais... On va aller sur la case Bowser. Elle est où, là, l'étoile? Ah oui, elle est là-bas, l'étoile. Loin, quand même. Hein. Je vais tenter... Elle est loin. Je vais tenter, sous vos yeux ébahis, ou pas du tout, d'ailleurs, ce champi... Les yeux ébahis. Il va me procurer un maximum de vitesse. Attention. Swing. Oh, c'est 9 ici, quand même. On aurait pu être plus rapide. Véloce. Ah mais moi mon outfit là ce sera toujours le même à chaque partie de ma repartie. Bon alors là le truc c'est que Wingo va récupérer le Jamboree. Et je te le laisse. Mais non, mais il est fini, c'est 3 tours. Ah c'est des derniers tours là. Non, il peut le récupérer encore, juste maintenant. Sur ce tour là. D'accord, il reste jusqu'à là. Il se barre pas là. Non, il se barre à la fin de ce tour. Et s'il le récupère, ça, il l'a pendant 3 tours ou... Oui. Non, il le récupère. Non, pas 3 tours. Je peux peut-être utiliser ma clé skull pour me déplacer plus rapidement. Peut-être. Mais je trouve que vous critiquez souvent les clés, alors que c'est quand même... C'est pas mal, hein, c'est un bon raccourci. Ouais, ouais. Là, c'est une clé sésame, d'ailleurs, c'est pas Skull, ce serait cool de respecter la sémantique. Hop là, tu vois, tu me l'as volé. Contre, tu vois, ça va, oui. Et donc là, tu vas placer une case. La thune que t'as, frère. 60 et... Oui, bon, oui. Bon, il est oui, complètement riche, hein. Ah ouais, En même temps, j'ai volé un ami, un Wingo. C'est vrai. Ouais, et pas qu'un peu, si je puis me permettre. Je t'ai pris 16 balles. Tu me dois 16 balles, hein, ce jour. Je te dois littéralement... Je peux faire un pay lib. Bah, si possible, ce serait cool. Fais un pay lib. La moitié de la carte est piégée. Non, attendez, d'ailleurs, Vitaly va peut-être rajouter une case en plus, là. Ouais, oh. Ah, ok, ça tente. Oula. J'y crois à mort. Oula, total. Oula. C'est exclu, pay lib. Oui, maintenant, c'est... Oula. Wero. Attendez une minute de silence, s'il vous plaît. Il va le faire. Oh non. Ah, oh là 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 là. Vitel, ça se joue à rien. Aïe aïe aïe. Il faudrait que quelqu'un... J'ai envie de caner. Il a envie de caner. Oh. Il a envie de caner. Après, il y a le coupon. Le coupon, c'est vraiment bien. Le coupon, c'est pratique aussi, en vrai. Mais ça va pas forcément. C'est quoi le bien. Coupon En fait, c'est des champignons réactivables. En fait, tu gardes l'item de 2 à 4 fois. C'est vraiment bien. Bah pour le coup, c'est vraiment bien, oui. Bah attends, mais ça veut dire que pour 6. Ah, c'est giga rentable. Oui. La. Je trouve que c'est un des meilleurs items du jeu.
La la la. Quoi? Moi aussi au début j'avais entendu le coupongle. J'étais en mode attends. Le coupongle. Et c'est hyper pratique un coupongle hein, pour le coup. Je sais pas si vous avez déjà utilisé. Bitoul, 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 bitoul. Non, non, moi j'ai jamais vol. Coupé mes ongles depuis ma naissance mec. Ah ouais, mais normal si tu bah si tu les manges comme moi, t'as pas besoin. Donc pour le coup. Bon après les ongles de pied c'est plus chiant mais tranquille. Non mais pourquoi pas moi? Hein? J'ai fait quoi? Bro, what the fuck? Bah mec, attends, t'as 71 pièces. Bah, tu moi j'ai deux étoiles, tu peux me voler, c'est très gentil Vitel. La raison pour laquelle j'avais focus Wingo, c'est parce que au lieu de une pièce. C'est tout hein. C'est ok, je te focus, hein. Jamais Vitel, t'es vraiment le centre d'Aven. La dinguerie d'avoir fait ça, je suis choqué. La dinguerie, donc on croit. Mais pourquoi t'as pas volé ONU? Mais il a deux étoiles. Non mais les gars, les gars. Ça aucun sens. Il sait se faire des alliés, il ne va absolument pas passer. Ah putain, mais du coup j'ai pris le jambon. C'est vrai donc que tu vas mettre cette case là plus deux cachants. Ah, tu nous emmerdes, Bitel en fait. Mais Bitel c'est une déclaration de guerre, c'est quoi là? Oui. Visiblement. Le gars sur dessus. C'est une dinguerie. Hein. Bien joué mon pote. C'est une dinguerie. Je suis choqué Bitel. Je pense que je t'enlève le VIP de mon chat en vrai. Bah d'accord. Slash unVIP. Ok. Bitel. Bitel. Hein. Hop, c'est fait. D'accord. Ah, attends, c'est un truc de fou. Et t'as pas l'étoile, mais ton tour il est pas si mal non plus. Bah il est pas si mal, oui, t'as pas volé toi, donc il est top pour toi, tu mets ton... Ah non mais le sien, Vitel. Non, vas-y, j'attends un move de ta part. Ok Daisy, qui va faire un... Maintenant, laisse appuyer sur le bouton. Oh, ah, deux. Mais ouais, tu l'as pas fait. Tout, sur un. Mais tout si, ça pour me faire mentir. On a pas vu nous l'animation. Il faut vraiment que tu restes le bloc caché, le bloc caché. Non, ok. Mini-jeu. Le bloc. Mini-jeu. Oh non, mon chapeau. Les copains, on va faire un mini-jeu. Un truc caché. Un truc caché. Allez, je vais saboter encore le jeu. Hop. Un truc je suis caché. Nul. Mini-jeu. Ah, c'est encore un jeu d'observation. Identifier l'image oh qui non, apparaît. Non, non, il faut toujours prendre celle qui n'apparaît qu'une fois. Oh non. Donc là, par exemple, si c'est une orange, bah faut mettre le raisin et c'est inversement. Tu vois. Ah, là, c'était trollé, le par raisin. Exemple. C'était le raisin. Là, fallait mettre raisin. Un truc caché. Ah, et chacun des... oui, chacun, c'est une touche. Ok. Oui. Et en gros... Ouais, ok. Mais pourquoi on a les pires jeux de cette édition? Ouais, c'est vraiment des jeux mais de quoi, hein. Ils sont trop bien, les jeux. Alors, avis honnête, moi, je préfère les mini-jeux de Superstar. Mais après, voilà, il y en a qui sont bien aussi dans celui-là. Ah si, moi, j'en ai vu des bons. Il y en a des bons. Ok. Ok. Ah, t'es sûr? Ça tente. Hein. Ah. Tentative de clutch. Oh. Attends, le clutch. Bien essayé. Joué, c'est un beau clutch. Et franchement. Ah, il y a quand même le temps qui compte. Ça, ça pète les couilles, ça, faut le dire. Deuxième manche. C'est un truc de vitesse. Oh là là. Oh non, il a tenté. Oh. Bah. Ah, c'est possible. Que... Mais quoi? Oh non, c'est attends. Possible. Mais on pouvait pas le savoir. Non. Bah, c'est le. Là, il y a trois bananes. Est-ce qu'elles sont pas exactement pareilles? Non, là, il y a. Oh non. Oh c'est non. De la grosse c'est merde. Le plus. Ah ouais, le jeu a claqué sa mère. Oh, c'est trop grave. Ok, pom-pom. Oh non. Ah, j'ai... Oh non, j'ai... Oh, j'ai... Non, je me suis précipité. Oh putain. Ok. Non, je me suis précipité. Ok, je focus là-dessus. Tu m'as pété les couilles. J'ai un vieux réflexe. Banane 3. Oula. Banane 3. Oh là là, ça va jouer sur les dernières bananes. Oh là, oh, c'était risqué sa ponce hein. C'est un banane 4, c'est un banane 4, c'est un banane 4. Un banane 4, il est... Ok. très bien, désolé. Ok. Ouais. Okay. Ça me met pas bon, il est bien là, là il est bien, il est bien là. Orange. 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 Attends, yes. Je tente. Oh non. Oh non, 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 non. Attends, mais c'est quoi la différence? Merde! C'est quoi la différence? Oh la chatte! Oh non! Non! Oh la chatte! Non! Non, c'est trop! Oh là 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 là! C'est trop! Oh l'insolence! Non, 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 non! Non, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas, j'y crois pas! Non, c'est une dinguerie, non, vraiment! Il y a une méta et il fait genre. Non, 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 il y a vraiment pas de méta pour le coup. En fait, je pensais que j'étais en mode, ok, ça va pas être une orange et j'y vais. Et c'était comme une orange. Non, mais gros, c'est une dinguerie! C'est peut-être la dernière fois qu'on joue ensemble. Mais pas non mais ce jeu c'est marrant, j'ai l'impression qu'on dit ça à chaque fois. Oui. C'est l'explication même. Et de finalement la le matin, ce jeu, c'est vraiment. Si tu sais pas comment définir la dépression, bah en fait tu joues à Mario Party. Avec déjà pour les 43. C'est important. Connu, non tout court, tout court. Après ils sont super bien amusés hier soir les autres là. Ouais. Le bully là. Ah mais j'ai l'étoile là. D'accord, j'ai pas fini.
Oui, du coup, ouais, j'étais. En vrai, je le trouve un peu dommage ce jeu-là. Ça va, moi j'ai trouvé ça ok au final. Pourquoi En fait, le truc, c'est que genre. Du coup, je suis pas trop sûr de l'intérêt du jeu. Tu peux tenter des votes rapides, tu peux aussi attendre. Bah, il y a quand même le clutch, tu vois, il y a le clutch random si jamais tu peux repasser devant. Ah, mais attends, tu parlais du mini-jeu. Je croyais qu'il parlait du jeu dans sa totalité. Et non, du coup, je trouvais ça peut-être. Oui, c'est ce qu'on est en train de faire. Oui, j'avoue, et puis surtout, après 7 tours, il a joué 20 minutes. Honnêtement, c'est raté du début à la fin. Et le jeu ne. En fait, ils auraient pu faire une mise à jour de Superstars, quoi. En fait, c'est. Attends, elle est où? Non. Elle est. Après, bon, mon avis compte pas. Je pue la merde. Non, attendez. Je comprends pas le jeu, donc non, c'est abusé. Non, c'est abusé. Ah, c'est l'opposé de la game d'hier, hein. C'est l'opposé. Et du coup, Beatle, t'as décidé de me voler moi, bien sûr. Bah, mec, gros, qu'est-ce que je pouvais savoir ça? On rappelle. Tu pouvais savoir que ONU avait 2 étoiles, mec. Mais je pouvais pas savoir qu'il avait en avoir 4. Mais c'est évident, c'est le plus chaleur du monde. Mais c'est pas vrai, hier, vraiment, j'ai eu 4 Bowser, j'ai rien pu faire. Hier, t'étais avec des retraités. Bah, ouais, bah, ils ont eu des. J'ai pas eu de chance hier. What? Oui, mais c'est toi qui payes leur retraite, donc c'est normal. Ouais, c'est vrai, Mais attends, c'est une folie. Un peu. Et petit bloc caché là. Non mais c'est cool. En plus il y a pas le train donc c'est parfait. Je vais avancer à 2 à l'heure là juste pour vous. Hop, je vais faire 1. Ok. C'est pas mal 5 en vrai. Enfin c'est 4 de plus quand même que 1. Mais 4 étoiles. Ouais là j'avoue que c'est très scandaleux. Je viens de gagner moins de pièces qu'il a d'étoiles là. Oh la stat. La stat de fou. Non mais après c'est une info random hein. Le coupon, du coup t'as... c'est cool. Je suis atterré frère. Quoi? Tiens regarde, tu vois, est-ce que vous voyez le lancement de mon dé ou pas du tout? Bah non, ça brille pas là. Tu vois, regarde. Non, ah non c'est que pour nous l'animation en fait. Ah c'est que pour la personne. Oh, ouais. Ils auraient pu quand même. Ça te donne un plus 5 natif, ok, pendant longtemps? De quoi donc? Oh, bien! Encore! Le champi? 4 tours, mais c'est pas mal en vrai. Attends, tu jettes ça? T'aurais pu vendre ton coupon? Oui, oui, oui. Malade! Le fou? Il a jeté le dé sur Rem! Monnaie over. Ok. Alors peut-être. Je suis de l'autre côté. Alors! C'est trop bien, putain! Un petit déhante, cool. En VDV, tu sais quoi? Je me prends un petit ticket TGV Inouï. Ah bah non, je fais pas assez. Putain, c'est cool, c'est merde. Mais il est pas là le train. Il est pas là en plus. Bah ouais. Oh merde. Non, il est pas là. Oh, le bloc caché peut-être. Ok. J'y crois à chaque fois. Par exemple, juste comme ça, JDG hier, il était à 4 étoiles. Il a eu un bloc caché, il a eu une autre étoile. Ah ok. Bien sûr. Bon. Ah ouais, évidemment. Coup sur clou. À chaque fois. C'est genre le jeu de Fort Boyard avec le clou. Ah, vertical, mettez la vertical, dragon. Mettez la dragon, s'il vous plaît. Je vais vous dire, ce jeu, j'ai le trouve trop bien. J'ai la dragon. Il est vraiment aussi, chouette. Hein. En fait, on peut laisser le marteau le plus longtemps possible derrière pour taper plus fort, mais ça sert à rien de taper fort sur un clou qui est déjà enfoncé et inversement. Vous avez compris ce que je voulais dire ou pas? Oui. En gros, il y a des clous qui sont déjà enfoncés, donc il n'y a pas besoin de laisser charger à fond pour les petits clous. Alors que les gros, oui. En fait, faut doser. Faut doser pour one shot, aller vite, pas trop vite non plus, parce que sinon faut s'y prendre à deux fois. Donc attendez, on est d'accord que vous maintenez les deux boutons là? Non, faut en maintenir. Non, un seul des deux. Ah, un seul des deux. Mais en fait, t'as même pas besoin de le maintenir. Enfin, si. Si, t'es obligé de le maintenir. T'es obligé de le maintenir. En sorte de le maintenir, ça sert à rien. Je sais pas ce que ça ajoute. Ok. Max le sert pour les 11 mois, merci beaucoup. Ok, je focus. Je viens de gagner moins de pièces qu'il a d'étoiles. Je comprends pas ça. Je comprends pas. Moi j'ai l'impression que ça marche pas chez moi, mais. Mais il faut. Ah si, regarde, t'y arrives là. Ah si, ça marche, regarde. Il faut jamais relâcher le bouton, juste tu donnes un coup avec la manette. Non mais c'est quand j'abaisse, ça donne un coup. Ça marche une fois sur deux. Un coup de manette. Mais laisse appuyer sur ZL ou ZR. Et coup de manette. Moi je le maintiens enfoncé en perma, hein, comme ça au moins. Ouais, pareil. Allez, Wingo, tape. Bah justement. T'arrives pas à taper là. Remets ta manette vraiment droite. Ouais, mets la droite avant d'appuyer sur ZR. Vraiment droite avant d'appuyer sur ZR et là tu retapes. Parce que vraiment sinon en fait ça te baise la capta. Bon, écoute, oh, Rigo, il faut faire ça, un mouvement. Je pense que ça a pas marché pour moi. Bah, c'est bizarre mec. 3, ah non. 2, 1, partez.
Ah, je crois que ça marche pas très bien pour Wingo. Non. Cool pour toi, mon bro. C'est cool. À tout à l'heure, Wingo. Manette parallèle à la console, vous dites? Ça change rien, je pense. Non. Et je sais pas pourquoi ça a marché tout à l'heure. Et là, ça marche plus, genre. Tellement serré. On s'est planté sur le même clou. Oh bah là, ça n'a pas marché une seule mais fois. Qu'est-ce genre. Que c'est, wow, c'est une... Mais attends, mais mec, c'est impossible. Mais ton Joy-Con, il est bizarre, non? Mais... Non, mais surtout que j'ai fait exactement la même chose à l'entraînement bizarre, et là. Est-ce que t'as mis la dragonne? Non. Ah, on sait pas. Hein. C'est la dragonne, là, je pense. C'est la dragonne. Non, mais c'est très bizarre que ça n'ait pas du tout marché à ce point. Ça me paraît très bizarre, quand même. Mais c'était déjà random... Joy-Con Drift, peut-être? À l'entraînement. Mais non, bah non, 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 non. Ah là pour le coup c'est les mouvements. T'as peut-être des interférences. C'est la fête. C'est la fête. Il y a des... Oh mais il y a tellement de casse-coups du destin en vrai sur la map. En vrai la game est pas gagnée. Hein. Et là il fait 1. Bye bye. Allez fais 1, fais 1 au nu. Franchement ça un. Serait mérité d'aller sur le Bowser. Fais 1. La fête. Putain. 100% c'est moi qui me mange le 1 derrière hein, je vous le dis. Hein. Je peux acheter un ticket non. 100% c'est moi hein, qui le prends. L'étoile ouais, est où? Tu peux prendre une gare et avoir la pièce. Là... Ouais, où est l'étoile? Cool. Bah justement, je crois que c'est ça. Mais attends. Oh, non, 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 non. Non, mais ça coûte trop cher, je peux pas, j'aurais plus l'argent. Ah oui, c'est vrai. Pile poil. Wouhou! Là par contre, tu peux clutch Beetle. Oui. 7 pièces, allez, je prends. Je me donne. Et je te dis, hein, je vais faire 1, je vais tomber sur la case Bowser, c'est sûr. Je pense, ouais. Genre, je connais le jeu. Après, tu peux tous nous inviter à boire du lait là, je pense. Ah non. Oh non, non, non. Si, si, non, si, 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 si. Nous invite pas. Moi, j'aime pas trop le lait en plus, je le digère pas très bien. Non, mais moi, pareil, intolérant au lactose. Oui, pareil. S'il te plaît. Les mecs, on voit du fromage à longueur de journée, mais. Ah, c'est pas la même chose, hein, je crois. Enfin, c'est du lait, je veux dire, mais le fait que ça soit fermenté, il me semble que. Ah oui, ok, parce que j'étais sur le au niveau du lactose, je crois que du coup, le lactose. Ça sert à quoi les tickets? Non, ça dépend le fromage, non? Ça dépend le fromage, ouais, tout à fait, mais il y a des. Parce que quand t'es à pas de pressé, quand t'es à pas de pressé ou ça un truc très quoi, ouais, les c'est compliqué, moi je connais rien. Le ticket, les refs. Le ticket, ça permet de. Bah, en fait, de prendre le train quand t'arrives dans une gare, même si le train est pas là. Voilà. Genre, okay. Par exemple, tout à l'heure, ça m'aurait mis trop bien. En fait, oui, t'aurais invoqué le train avec le ticket. Et tu le payes en avance, donc tu repayes pas deux fois. Mais là, Wingo, c'est bon, là, il va à une gare. Attention, ça peut aller en arrière! Ah ouais? Oui. Oui, c'est vrai. Oh non, mais ça, ça me stresse. Les gars, ce jeu me stresse, putain. Oh, si tu vas en arrière. Ah oui, faut appuyer. Ah, Vitaly. Ah bah là, c'est la vie nulle de bout en bout. Hein. Ah non. Votre train en direction de l'étoile a été retardé de 2h30. Oh oh oh, oh, oh. Le fait que je fasse ce move, c'est logique, tu vois. Y'a oui. Pas de. T'es dans la continuité logique, pour l'instant. J'ai même pas à remettre ce. En cause ton move. En non, cause mon move, je pense. J'aurais fait pareil. Ouais, à ta ouais, place. Ouais, ouais, ouais. En vrai. Bon. Je suis bien là. Non, c'est cool. Bien. C'est cool. Bien de ouf là. 38 j'ai fou, là. J'ai fou, carré, j'ai hein. Est-ce que c'est le move coupon? Le coupon là? Allez, 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 allez. Oh putain, j'en avais que deux. Quel jeu de. Aïe, aïe, ouais, mais quand même, hein. Mais quand même, la musique est bonne. Je pourrais aller. Aller. Non, mais vraiment, le jeu me dit juste ta gueule en fait. On joue plus jamais à ces jeux, hein, vraiment. Hein. Mais si, ouais. Mais c'est la première game qu'on fait ensemble à ma repartie. On peut pas dire on joue plus jamais. Never again. Alors que. Never again. Tu vas te récupérer un petit sac d'objets maintenant. 10 pièces. 10 pièces. Tu disais que t'avais faim pour. Ah, j'ai les crèves la dalle. C'est j'ai très vie. Faim. Moi. Mec, j'ai déjà ah ouais. La dalle aussi là. C'est ah, vous voulez, bon, quand on arrête, on va manger. Un moment de 2 minutes où on va chercher tout le monde à bouffer. J'ai hein. Absolument rien à manger chez moi, mec. Je sais ah. Pas ce que j'ai qui traîne. Oh, j'ai plus rien, j'ai pas fait les courses parce qu'il pleuvait ah, hier. Non, mais moi, faut que je cuisine en plus. Terrible. FF. Le cuire des pâtes, vite fait. Hein. Et c'est ma game est FF en fait. Non mais la game est FF, il a 4 étoiles, c'est FF. C'est... Mais c'est pas terminé, il y a les vols de...
Non mais ONU, arrête. Arrête de faire genre c'est pas terminé. Non mais en vrai c'est pas terminé, il a raison. Ah bah sinon on peut aller sur LoL et se faire une flex hein. Enfin, allez, la game n'est pas terminée. Ouais, non, en vrai. La première place, je pense que yes, c'est quand même pas mal. Tu t'es mis le déhanté sur toi mec, fais gaffe. J'ai pas envie de prendre justement, j'ai pas envie. Je vais aller boire de l'eau, je pense, ça serait très bien. C'est vrai que c'est pas terminé, il a le temps d'en récupérer d'autres. Donc, allez, on le fume. Allez, tous contre Windows. Donc c'est exactement ce que t'avais prédit tout à l'heure, du coup. Ah bah match de boxe en plus, super. Ah bah super, top. Allez, vous allez vous faire ban de Twitch pour... Match de boxe. Alors, je suis censé faire quoi avec cette merde? Tu pivotes et tu tapes et tu avances. Oula. Il se vénère. Oula. Et comment je pivote? Je pense à un. L et R. Comme ça. Oula. Ouais. Voilà, je suis pas là. À la pression. En vrai, arrête-toi, hein, c'est bon. Hein. Ok, c'est bon, j'ai capté. Il va nous fumer. 20 pièces en jeu. 20 genre, tu Wingo et fin. Tu ONU et fin. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Mais quoi, voilà. Bah, il peut s'arrêter. Il peut s'arrêter. Bah, arrête-toi maintenant, c'est fini. Il a tué ONU. Ouais, mais ONU, il a gagné, sinon on gagne, hein, je crois. Non? Oui. Voilà, est-ce qu'on fait on fait quoi? On se suicide gagner. On se suicide. Vas-y go. Ah mais attends. Ok, bah j'avais pas besoin de ces 20 pièces de toute façon. Je n'avais pas autant besoin que vous. Ouais. Putain. Ce sera ma seule victoire de la journée et. Et quelle victoire une réflexion passée, je bourdis quel... pas, c'est genre. Quel clutch de ma part, franchement c'est propre. Oh le delay instant. Oh, comme une impression d'avoir gagné alors que j'ai perdu, putain. Oh, je suis mort. Vraiment, le... Bah, de toute façon, bon, allez, je vais aller chercher la prochaine étoile, ça m'a saoulé, là. C'est oh, quel bonheur, j'adore. Il faut que ça se passe comme ça pour que je gagne un truc. Non, mais y'a quoi, j'adore après cette non, du coup, autour 10, on va se faire un truc à manger, vite fait. Vous voulez qu'on fasse 2 minutes de pause bouffe? Moi, je me fais une tartine de fromage. Autour 10, ouais, je pense, c'est pas mal. Est-ce que pour vous, j'ai une question, est-ce que pour vous, une vache qui rit, qui était censée, la date limite de consommation, c'était le 23 septembre, est-ce qu'aujourd'hui c'est mangeable? Attends, 23 septembre, c'est un peu risqué là maintenant, ouais. Un mois quand même. C'est quoi, c'est quoi? Étant donné, 23 septembre, c'est une vache qui rit. C'est non, hyper c'est vrai, franchement, ça aurait été 2 semaines, j'aurais été en mode on s'en fout, mais un mois, ça commence à faire beaucoup quand même. Parce que tu vois, pour répondre à votre question, j'en ai mangé hier. Ah, et alors et parce que j'ai vu après coup que c'était périmé et je n'ai rien eu du tout et pourtant je suis sensible. Mais tu sais que c'est la loterie, en vrai c'est de la loterie, tu peux ne rien avoir. Hein. Après en vrai de vrai, si tu n'as pas brisé la chaîne du froid et qu'il est encore dans son emballage, je briserai jamais la chaîne du froid, c'est trop important pour moi. C'est OK en vrai de vrai. Mais mais oui, en fait je pense en que gros... c'est ça, c'est que tant que ça a été parfaitement conservé dans ton frigo et qu'il n'y a pas d'anomalie ou quoi, ça a pas bougé de du frigo, c'est OK. Hasard. Parce qu'en vrai, puis je me dis, c'est du fromage ultra. Enfin, je veux dire, il y a full. Ah, bah c'est ultra transformé. C'est giga pasteurisé. Ah, c'est plus donc, pasteurisé. Est-ce que c'est vraiment du fromage finalement? Bon, je pense que pour le fabriquer, il le met dans la javel, hein, vraiment. Enfin, c'est terrible. Hein, donc, comme le Covid. Hein? Il faut spammer. Spam. Il faut spammer. Est-ce que c'est vraiment du fromage? La question se pose, t'as raison. La question se pose. Est-ce que vraiment c'est du fromage la vache qui rit? C'est plus une. Ouais. C'est plus un petit encas laitier, je dirais. Ouais, ça c'est le fromage. Ok. C'est un encas au calcium, quoi. Un encas au calcium, exactement. C'est que sa cinquième, on en a zéro. Hein. Regarde. Ah, elle est là-haut. Oh putain de merde. T'as juste à prendre un train dans l'autre sens, je vais péter mon crâne. Il n'y a pas de train ici. Et non, on est en Ardèche. Dommage. Bah attends, mais je crois que c'est le seul département où il n'y a pas de gare publique, hein, je crois. Non. Ah ouais. C'est quoi cette stat, hein? Cette fact. Tu ne peux pas t'arrêter en Ardèche en train. Ce n'est pas possible. Ah ouais. Voilà. Ok. Alors peut-être qu'il y a un truc qui a été ajouté récemment, mais ouais, je vous jure que c'est vrai. Il n'y a pas de gare pour le public en Ardèche. Et genre si tu veux aller en Ardèche, tu t'arrêtes à Valence et après tu te démerdes, ou alors tu t'arrêtes à Avignon et tu te démerdes, ou à... Ouais, je... Mais genre ils font quoi dans la vie du coup? En Ardèche? Bah il n'y a personne, il n'y a que des animaux. Ah oui d'accord, ok. Mais je me disais bien. Il s'approvisionne comment là? Il mange comment? Vérifier parce qu'on me dit qu'il y a une gare à Aubenas apparemment.
Ouais, il y a une gare routière à Aubenas. Pas de gare, ni d'autoroute, ni d'aéroport. Attendez, c'est une gare routière. Bah, attends, mais comment on y va à pied? Non, en, oui. En bus. En bateau? En canoë? Bah, en canoë kayak, en escalade. Tu remontes le truc, c'est. Faut être un saumon en fait pour pouvoir remonter. T'es obligé d'être un monstre pour pouvoir aller là-bas, c'est, oui. C'est automatique. C'est une épreuve. Wingo ne veut plus jouer. Excusez-moi, je regarde la gare de Aubenas. Aubenas qui est la plus grande ville d'Ardèche, hein, je le rappelle. En 2008, le bâtiment voyageurs devenu propriété de la commune a été réaffecté et réaménagé pour devenir la maison des associations de la ville. Voilà, c'est vraiment pas une. Ils n'ont rien à foutre. Vraiment, c'est, ils ont arrêté là. Ils sont juste là en mode non, mais on reste entre nous en fait, on est bien. Non, mais c'est très bien là. Pas besoin d'autres gens là. Il y a une ligne qui va réouvrir le long du Rhône, ok. Ouais, mais okay. Le long du Rhône, du coup, c'est la Drôme. Enfin, non, à gauche, c'est. J'avoue, c'est l'Ardèche, je me trompe. Bref. Ville la plus grande d'Ardèche. Alors, vous rigolez avec ville mais la plus grande d'Ardèche, il y a combien d'habitants? Mais la ville la plus grande d'Ardèche, c'est peur, donc Aubenas avec 12 000 habitants, bien. Effectivement. Comment ça se prononce? Apparemment, le S se dit pas si. Ouais, Aubenas, c'est vrai qu'on dit Aubenas, c'est vrai. Aubenas. Mais on rappelle que l'Ardèche est un des plus beaux départements de France, je le rappelle quand même. Est-ce que ça serait pas, justement, il y aurait pas une corrélation avec le fait qu'il n'y ait pas d'autoroute, pas de ces trucs-là hein. C'est-à-dire, moi. Attends, on me dit dans l'aide que c'est peut-être Priva qui serait la plus grande. Priva, c'est combien d'habitants? Ah, mais non, frère, c'est 1500 Priva. Attends, mais tu avais ton dédouble doré. C'est vrai? Et t'aurais pu utiliser. Putain, Annonay, c'est 16 000 habitants. Wouah, j'ai rien dit, la métropole. Métro mégalopole. Ah, j'ai rien dit, non, t'as raison. Dingue, hein. Bah 12 pièces, voilà, c'est bien, oui, c'est bien. Super, honnête, oui. C'est super. À toi Daisy. À toi Daisy, mais je pense Daisy, de toute façon elle est out, hein, là c'est fini. Hein. Elle est terminée là. Oh non, si je fais genre, avec un seul dé, si j'arrive à faire 14. Avec un seul dé. Ah en vrai ouais. Ah ouais, t'es chaud je là. Je peux ouais. Prendre le train pour une gare et après étoile. En vrai vas-y, c'est... Tente, allez, vas-y, on t'observe, on te regarde. Je pense que c'est faisable. La France te regarde. Mais Montélimar, c'est la Drôme, c'est pas l'Ardèche. Pardon, excusez-moi. Non, mais bah, ça... Il est en géoguesseur là. Oh, bien. Let's go. Bah, pas loin en vrai. Bah, 14 mec, hein. Comme d'hab, 14. C'est cool. Attends, mais tu ressembles à la case départ en plus. C'est marrant ça, tiens. Eh oui. Attends, y'a le miroir. Miroir qui permet d'inverser random avec l'étoile, mec. Ok. En vrai, je pense ça tous les jours. Ah, bah, mec, oui, tous les jours. Bah, qui vous allez voler ça? Juste prier que Nutrem tombe dessus. Ah quoi. Voilà, c'est-à-dire que... C'est moi mais qui... T'inquiète, je vais prier. Oh! Mais non, on qu'est-ce sort les que se passe? Oh non, mais... Quoi? C'est pas vrai. Non... Mort. Attends. Ah non, elle s'arrête à la prochaine gare. Mais du coup, je me suis fait démonter. Oh non, Wingo! Vraiment, Wingo, t'as vu que j'étais pas. Il est contre ouais, toi, non, ça se voit maintenant. C'est bon, là, tu l'as mangé, moi, je vous le dis. C'est vraiment très très grave, hein, quand même. C'est mini abusé. Moi, je dirais qu'il y a trahison. Disgrâce! Conquête spatiale! C'est quoi ce jeu déjà? C'est les drapeaux, c'est ça? Je sais c'est pas. C'est Elon Musk. Ah oui. On est Elon Musk et en gros, faut. Il faut ramasser des drapeaux. Sa fille trans. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est le jeu. Hein. C'est ça. C'est la conquête spatiale. Exact. Attends, c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'on fait en fait? On ramasse des drapeaux. À quoi ça sert? Ah oui, non, c'est. Ah d'accord, c'est les drapeaux qui ont été pris par chaque personne, ok. Oui. On a fou, okay. Moi, de ramasser des drapeaux. Bah, c'est super. Mais c'est pas une conquête spatiale, là. Bah, si, regarde, je suis en train de conquérir l'espace, là. Et... Si, parce que la personne qui a le plus de drapeaux. Conquérir l'espace. Bon. Encore un drapeau. Ouais, on peut lancer aussi, sinon, le vrai jeu. J'ai le dernier. Je pense que les règles sont assez simples. Bon, c'est complexe en vrai. Hein. Non, mais on zoome toujours sur Onu dès le début, ça me stresse parce que ça fait un peu genre en mode c'est le personnage principal. Alors qu'en vrai, oui. Voilà. Non, mais Spike là, t'es en train de tout me dérober. Masterclass. J'ai mal démarré là. Non, que chien. Oh, 3 d'un coup. Ouais, je suis parti de mauvais côté. Fef. Il en reste 11 encore. Je sais pas où ils sont, hein, vraiment, je cherche partout. Il y a Ponce qui est en train de tout rafler là, ouais. Ah ouais, moi c'est terminé, il en a 22. Ouais, là, franchement, Elon Musk Simulator. Ah, moi je n'ai rien là, eu. Oh ya ya. Mais. Le dernier. Ah. T'inquiète, j'ai trouvé. Oh là là, quand je suis chaud. Alors là.
Attends, en vrai pensez-moi, il fait 22, je fais 18. on a tout. Vous avez un aimant à drapeau ou... Vraiment, on a pris la moitié de la map à 2. Putain, let's go. Bravo. Bon, j'ai pas d'étoiles, mais propre. Ah, mais clean, mec. Il a 5 étoiles, genre. 5 étoiles, putain, mec. C'est pas Antoine Daniel le personnage principal? Non. Genre 5 étoiles, je pense que dans 2 semaines j'aurais jamais eu 5 étoiles en plus. Jean-Maurice! Oh, moi je veux. TP, une case aléatoire ou pas? T'es pas obligé d'accepter. Moi je veux aller là-bas, go! T'es mon pote! Mais certains d'entre vous, vous êtes pas loin. J'ai du mal et marqué sur sa face. Vous avez pas fait un 3v1, c'est vrai. Attends, quoi? Il y a beaucoup de cases divisées par 2 quand même, c'est un peu inquiétant. C'est quand qu'on va chercher à manger? Bah c'était là normalement. Ah. Ou à la fin de c'était autour 10. Ah ouais. Moi je sais même pas si j'ai à manger, j'ai rien moi. Hein, ouais mais t'as peut-être un petit bout de pain peut-être sous la... Ah peut-être. Non, non, ah non mais même pas de pain. Un petit bout de pain rassis. Hier j'ai mangé un petit bout de pain rassis en live là. Mec tu te mets... Et toi tu te mets bien, toi tu sais te moi, faire plaisir. Moi franchement je sais te faire plaisir quand il le faut. Hein. Ça fait... Mais mec tu sais que je suis trop content que t'arrives à faire ça mec, vraiment. C'est... Merci, bah merci Mitano. C'est important mec, t'as bien raison de te mettre bien. La vida loca, tu connais là. De quoi? La vida loco même pour aller avec le train. Ah bah c'est la vida loco, ouais clairement là c'est vide crazy. Le train il s'appelle loco, je dis ça parce que le train il s'appelle loco en gros. La vie de cray cray. Crazy, c'est crazy. 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 Crazy guys. Oh le deux sur un. Yo. What's up you guys. Et damn. What's up everybody. Je vais jouer comme ça. C'est les abeilles. Ça bzz ou quoi dans le chat là? Bah j'hésite, une case bleue ou une case rouge? Oh franchement mec, on se pose la question. Alors effectivement le choix est plus compliqué qu'il en a l'air. C'est la boutique de Zarek. Le choix est sûr, ça me termine. Du coup, oui, non, mais je comprends. Ah, je ne voulais pas aller là. Hein. Ah, d'accord, bon bah voilà. Ça, oh, si, tu aurais dû y aller. Oh non. La première étoile. Non, c'est pas vrai. Alors peut-être. 3. Ok, je vous fais un compte à rebours, vous êtes prêts? Une étoile. 3. Mec, je t'en supplie, dis-moi que c'est une étoile. Oh, dommage. Oh, ça aurait été une masterclass. Oh, ça aurait été, mais stratosphérique. Oh, j'ai le seum. Oh, le mec. Bon, dans mon malheur, ça va, mais vas-y. Oui, parce qu'au final, tu gagnes quand même 9. Mais sauf qu'on va te baiser au prochain mini-jeu. Tout ça pour me refaire tout voler par un bout, je pense. 3, 2, 5, 8. Ah. Oh, ça va, 11, c'est ok. Tu rentabilises. Oh, 11 pesos. 11 pièces, du coup. 11 pesos. Mais tu l'avais même pas acheté, en plus. Oh là, oh, t'as une clé. Oh la master clé. Ah, il a une clé. Oui. Oh, mais qui va l'arrêter? Personne ici, je pense. Menteur. Il prend Jean-Maurice. Oh, la masterclass. Quand Spike rencontre en pleine prise de masse, il prend du Jean-Maurice. Et Spike est shock bar. Spike est shock bar. Il en revient pas, c'est son fan. Et je suis sûr qu'il est fan. Waouh, le grand Donkey Kong devant moi. Et c'est de la merde son truc. C'est pas le meilleur. Attends, je vais bien le truc. Mais c'est de la merde. C'est pas le meilleur. Après, c'est deux. T'as quand même des trucs en x2. Bongo rythmique de DK. C'est un jeu de rythme. J'espère que vous aimez les jeux de rythme. Je déteste les jeux de rythme parce que j'ai trop de rythme pour pouvoir m'adapter à de la merde. T'es pas un batteur? Ah ouais, ok. Justement, les jeux de rythme sont nuls pour un batteur. Ah ouais, ok. C'est une histoire de calibration. C'est que de la calibre. T'es tellement mal calibré, mec, c'est ça le truc en fait. Attends, mais faut faire quoi? On a même pas lu. Attends, non, mais si, c'est là. Oh. Ok, merci, putain. C'est quoi R? Mais c'est trop bien, ça va être un jeu de fou. Et ça marche pas. Attends, mais mec, pourquoi ça? What? Mais pourquoi c'est si. Attends, mais c'est en retard de ouf, non? Mais what? Oui, c'est un peu. Ah, mais c'est pas en fonction du retard, pardon. Ok, c'est bon. J'ai compris. Mais vous, vos boutons, ils sont ultra. Comment dire. Moi, c'est décalé de ouf, mec. Ils sont un peu durs, mes boutons. Je sais pas comment expliquer. J'en sens pas le clic, tu vois. Mais c'est archi décalé. Moi, non, mais. Mais je dois. En fait, je dois avoir un décalage sur ma carte de capture. C'est pas possible, hein. C'est pas possible. Tu joues pas direct dessus, rassure-moi. Si. Ah, merde. Allez, je quitte le plateau.
Comment ça tu joues sur ta carte de suite? Bah, j'ai toujours joué avec mon truc sur le PC. Ah. Mais c'est pour ça que je suis pas sûr de comprendre. C'est peut-être pour ça que je suis à chier en fait. Ah mais c'est sûr. Ah mais oui. Enfin pas que t'es à chier. Ah mais c'est sûr que tu pues la Mais voilà, mais enfin, c'est pour vraiment, ça. C'est non mais je comprends pas ce que enfin c'est quoi la différence avec le setup de Bitel et quoi? Bah moi je joue sur mon écran parce qu'en fait ma carte de capture est branchée à mon écran. Mais pareil, en fait tu renvoies vers l'écran et tu changes le périphérique. Voilà. Pas toujours le périphérique, tu changes l'entrée, je sais plus comment ça s'appelle. Il y a trois personnes qui font ça sur Terre, Bitel, Angle Droit et mon daron de 67 ans. Oui. Mais attends, mais du coup tu joues via le retour OBS, tu vois? Non, via le logiciel. Ah mais tu joues via le logiciel, il a du lag aussi, non? C'est horrible. Je précise d'ailleurs que ce fameux logiciel n'est absolument pas obligatoire hein, pour en faire plus. Marcher une carte de capture. Non, c'est oui, absolument. Oui. On peut y aller aussi. J'attaque quand vous voulez. Si t'es chaud. Mais pardon, excusez-moi. Mais par contre, moi, j'ai pas de clic. Genre, c'est très. Les sensas de boutons sont nuls. Ouais, les sensas de boutons sont horribles, mais tranquille. Mais Wingo, on te setupera ça. La chance Bitel, pardon. C'est Bitel, c'est Bitel. Est-ce que je confonds les hommes? Vous êtes tous les mêmes, putain. T'as pas de soucis, exactement. Pas de soucis, t'inquiète, mec. Tous mais là, du coup, mêmes. C'est exceptionnel. Je vais être trop bien, là, du coup. Vraiment, là, je suis. Après, pour ta défense, il t'a agrandi ton cercle quand même, parce que tu l'as trouvé. Certes. Oh, je fais trop tôt et tout. Ok. Vous savez pourquoi les jeux de rythme sont nuls pour les batteurs? Parce que c'est pas bien synchronisé? Bah, en fait, tu joues pas ça à la batterie, ça ne marche pas comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, dans un jeu comme Guitar Hero, tu vas jouer en rythme de la guitare, mais pas en rythme de la batterie. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Ça n'a aucun rapport. En fait, c'est nul. Et du coup, à l'inverse, tu te fais brain. Moi, je me fais brain de fou. Oui, oui, du coup. Sur des jeux de rythme, je me fais brain. Oh là là, en plus c'est un lag un peu, non? Ah! Peut-être le retour des Donkey Konga un jour, du coup? Ça c'est incroyable. Oh, le solo! My Dream! Le solo! Voilà. Mais je pense que le mode spec est décalé, je pense vraiment. Oui, aussi, oui. Ah oui! Solo, Wingo! Oh, Wingo, il fait tout parfait! Oh là, trop fort. C'est le boss. Ah oui, vraiment. Oh là. Non. Oh, la fin un peu moins bien. La fin. Bitel. Ah ouais, le mode spec est décalé. Ah ouais. Oh, rien du tout. C'était pas loin, ça va en vrai. Non, il va me battre. C'est pas fini. Oh, c'est pas fini. Non! Yes! C'est tellement long? Non! Je pense qu'il y a tellement de points. Non! Mais le jeu est tellement long, frère! Oh, j'ai pris un screen! OMG! Oh, c'est close! Mais comment c'est possible? Du coup, j'arrive à trouver le rythme au bout d'un moment. Parce le batteur il gagne, le batteur il gagne. Oh. Wow. Évidemment, le batteur gagne. Oh, ma vie pue aujourd'hui. Le jeu interminable. Ouais, mais moi je préfère des jeux longs que courts hein, sur ça en vrai. C'est nul des jeux courts. Ah oui, je suis d'accord. Ah, mais putain, c'est moi qui ai gagné, c'était pour Donkey. Mais oui, Jean Bourri. Oh mon ref. Ah oui, ok, oui. Oh. Et je suis dépité. Mais cache chance. Tout de même. Il va te donner une boîte de TP, je pense. Camarade DK. Oh le piège. T'as toujours pas posé ton piège étoile. Hein. Plus tu le poseras tôt, mieux ce sera, je pense. Toujours pas. C'est vrai que le pourcentage de chance que quelqu'un tombe dessus est quand même assez faible. Bah, plus tu le mets tôt et plus t'as droit de chance, techniquement. Attends, est-ce que tu veux me lancer dans un endroit au hasard? C'est ça la question, on est d'accord? Oui, c'est ça. En vrai, oui. Oh mec, vu là où ça te lance devant moi et genre t'es une légende. Et il te le récupère. Et tu voles l'étoile, mec. Oh, Don B. Don B. Oh my god, c'est là. Est-ce que la direction. Oh bah bien. Attends, mais c'est pas littéralement où tu es là. Mais si, mais c'est nul. Si, tu peux repasser par la boutique, c'est super. Ah oui, reboutique. Et tu peux poser
ton truc à étoile. Mais pourquoi j'ai cette chance? Oh putain, le message dans le chat. Vraiment négatif, genre, c'est un truc ça arrive, mais y a que, c'est que pour ONU. Mais non, mais il y a. La chance. Alors aujourd'hui, oui, effectivement. Très grand. Bon, alors attends, comment, mais comment, du coup, comment je vais setup mon truc du coup? Ok. Ok, fit. Raison. Non, sur ta carte de capture, t'as une entrée et une sortie. Ouais, ouais, ouais. In et je suppose que tu utilises que l'entrée. Oh, le jet de fou. Parfait. Et bah tu rajoutes un câble, un câble ouais, il faut que j'achète un câble HDMI pour le... Exactement. Sur le HDMI sur mon écran. Ça va te changer la vie, mon oui. Vraiment. Tu vas devenir un joueur professionnel de Smash aussi, notamment si tu voulais jouer à Smash en ligne. Mais parce que j'ai toujours, du coup, j'ai toujours joué à Smash comme ça. Hein, du mais du coup, tu serais 100 fois plus fort. Non mais mec, tu vas être beaucoup plus fort. Parce que c'est vraiment, Smash c'est vraiment du frame perfect pour le coup. En vrai, premier degré, Elden Ring, je l'ai fini comme ça du coup. Mais tu jouais sur Play? Ouais. Mais... What the fuck? Mais mec, mais c'est un cauchemar. Ah, après, du coup, c'est... si les ennemis mettent beaucoup de temps à taper, tu vois, du coup, ça prend. Ok, tu vois. Non, même pas non, forcément. Mais tu t'habitues, mais ça reste un cauchemar. Après, attention, on parle d'un décalage de... Le décalage, c'est une... Deux non, secondes. Mais c'est un quart c'est de seconde, quoi. Secondes, c'est comme ça, oui, tu vois. Oui, c'est ça. Peut-être un peu moins qu'une demi, ouais. Non, mais tu le ressens au niveau des inputs. Non, mais en fait, c'est sûr, en fait, c'est sûr que quand tu es en phase de joueur, tu le ressens de suite. Parce que tu vois, par exemple, tout à l'heure, quand on était sur, sur les tompes, tu vois. Et en fait, genre, je pensais que. En fait, genre, j'avais vraiment l'impression d'être le premier à appuyer et j'étais toujours troisième. Et du coup, j'étais en mode. Et c'est bizarre parce que j'ai vraiment l'impression d'être le premier, tu vois. Mini-jeu en versus. Putain, on aura fait 3 mini-jeux dans ce tour. Et bah, c'est pas fini, c'est vrai qu'on en fait beaucoup, hein, putain. Alors combien on va miser combien on va miser 20, on va 20, miser 20, 20, 20, 20, 20, 20. Bah il peut pas, y a pas, y a pas 20, 20. C'était 15 max. Ah, d'accord. Mais pourquoi y a pas 20? En ranked y a 20. Okay, pourquoi je suis pas allé en haut pour voler au nu bah parce que je suis jamais allé au milieu, je voulais tenter. Voilà, en vrai. Ouais, t'aurais pu me voler une étoile. Pierre qui roule, Pierre qui roule, pioche au trésor. Pioche au trésor. Je voulais prendre ce petit versus. Oui, visite la map. Vertical, la dragon. Non. Oh, vertical, dragon, s'il attends, vous plaît. C'est quoi le jeu là? C'est pioche au trésor. Pas. Oh. Encore. Oh les dingus. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh les dingus. Bon, je suis chaud. Et ça, c'est ça le but du jeu, c'est qu'il faut faire le. Encore une fois, batteur avantagé. Ah là, par contre, oui, c'est... oui, ah bah là. Là, si ça capte bien mes mouvements, c'est un perdant pour moi. Ça capte mal mes mouvements. Allez, 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 allez. Oh la vache. Elle s'arrête, elle s'est arrêtée. Oh. T'as vu, j'ai t'as vu tout ou donné, pas, 6 secondes, c'est nul. Elle était en mode aïe, aïe. J'ai hâte de l'arc d'Ophus. Oui, non mais calmez-vous. J'ai fait la même chose qu'en entraînement. En entraînement, je vous ai pulvérisé sans rien faire. C'est trop grave. Non mais c'est parce qu'on jouait pas, bro. Bah oui, on a fait semblant. C'était cool Minecraft. Non mais je veux en dire, mon personnage a avancé sans s'arrêter, tu vois ce que je veux dire. Imperdable. Oh, mais en plus du coup c'est l'autre qui se gâte. Let's go. On peut plus de ce jeu de con. C'est trop grave. C'est comme si j'étais pas dans la partie. Mini-jeu. Du coup, après ce mini-jeu, on va chercher un truc à grignoter, ça vous va? Ok. J'ai complètement commandé. Oh mais c'est bon. On a compris. Panique boursière, alors, tout le monde gagne. Tu peux jouer avec une manette pro dans le jeu, mais du coup t'as certains mini-jeux que tu ne peux pas oui, faire. Oui c'est ça exactement. Mais tu peux tout à fait. Aïe. Allez. Ah oui d'accord. Ça va Beatle? Ouais ça va et toi? Oh, oh non, c'est quoi ce jeu là? Aïe. Bon ceci mais, dit ouais, les fois où j'ai été seul. Qu'est-ce qui se passe? En vrai focus ONU non? Mais en fait c'est notre argent, c'est commun. Non. Si, c'est vraiment commun là. Non, t'inquiète mec. C'est un mini-jeu 1v3 donc c'est commun. C'est commun. C'est commun. Et il démarre à 0 hein, en plus. Aïe, arrête. Huge. Aïe, aïe. Il y a une frame d'invincibilité, ouais. Une mauvaise. Aïe, je suis coincé. Oh. Oh tu le brimes tellement what the fuck. C'est marrant. Ouais, ouais. Il a eu quand même des pièces. Ouais. Eh quand même tu t'es mis bien hein. C'est super comme jeu. un jour ça viendra Dofus. Un jour. On y croit à mort. On est encore sur ça? Quand Dofus? Ah bah ça.
Ok. BRB. Ah, quand même, hein. BRB, grignotage. Ce qui est bien, c'est que j'ai 91 pièces, quoi, et que je m'en sers absolument pas. C'est bah, si, tu pourrais nous inviter à boire un peu de lait quand même. J'ai un message dans mon chat, c'est une dinguerie par contre. Je vous le lis parce que c'est rigolo. Perso, on a fait le jeu de la mine à 4, 3 garçons et une fille, et je perdais tout le temps à ce genre de jeu. Et on a dit qu'en fait, finalement, t'étais forcément avantagé quand t'étais un mec parce que tu touches la nouille souvent. Voilà. Je suis vraiment pas sûr. Je sais pas. Je bah, sais en tout cas, pas. Si on a ce mouvement là, c'est un peu bizarre. Mais. Non, mais t'as développé, quoi qu'il arrive, des muscles que tu développes pas si tu te touches pas la nouille en vrai. Oui, mais les meufs peuvent, je sais pas, planter plein de clous et. Planter plein de clous. Ouais, ça, ce, ça sera ce sera toujours moins que oui, on arrête qu'une personne avec, là, avec genre, sa propre top, si je peux me permettre. Bah, on arrête la discu, peut-être On arrête la discu, on arrête la discu. Ouais, enfin, ouais, dire, ouais, en soi, ouais. Les gens... Enfin, bon. Non, mais en vrai, on... En vrai, regardez mais... le Nutrem, là, en train d'avancer, là. Eh oui, tu avances petit à petit. Hop, mais on avait pas à dit toi, qu'on Yoshi. Allait chercher à manger si, moi, j'ai rien à manger. Bah, go, là, go, maintenant. Ok, je vais me chercher vite fait quelque chose à manger, moi, d'accord. Vas-y. Ouais. Ah, je pense qu'on s'alterne. Là, tu et peux. Céline qui vient d'écrire dans mon chat, perso, je serai forte au jeu, je pense, du coup. Super, merci Céline. Ah, ok. Et non, c'est bon, pas que je suis choqué, Jouez pas trop, hein, sans nous, attention. On sait jamais, ça peut dériver, ça peut glisser d'un coup. Et ouais, faut que je fasse cuire du riz, faut que je fasse cuire du poisson. Moi là-bas, je voulais manger poisson ce midi, voilà. Donc, peut-être pas aller cuisiner le poisson maintenant, là. En vrai, un petit poisson, là. Bah, il faut quand même que je le cuise et j'ai envie de le faire à la poêle. Un bon petit poisson, là. C'est un petit saumon cuisson peau, évidemment. Ah, mais j'ai Yatai Ramen. J'ai Yatai Ramen qui arrive, là. J'ai un Yatai Ramen, je peux commander, là. Parfait. Un petit Yatai Ramen, là. On s'envoie ça dans la gueule. Toujours pas manger de ramen de ma vie, voilà, je te le dis. Oui, je sais, mais j'arrive jamais qu'on se voit donc. Bah, j'étais passé la dernière fois, hein, mais. Ouais, t'as envoyé un message? Non, enfin. Bah, j'ai pas. Bah, en fait, je pensais que j'aurais pas le temps. Non, mais honnêtement, je pensais que j'aurais pas le temps, et c'est vrai que j'aurais pas eu le temps de toute façon, quoi qu'il arrive, mais. Mais c'est vrai. J'adore comment vous. J'aime trop vos arguments avec Pompon. Oui, vous êtes. On aurait pu se voir et tout. T'as envoyé un message? Non, bah voilà. C'est. Ah, bah bon, on peut pas savoir, hein, que vous êtes là, les gars, hein. Ah, la dernière fois qu'on avait mangé, je crois que c'était dans un resto, c'est un indien, je crois que c'était il y a très longtemps. Oui. C'était à l'époque de Webedia. Ouais, oh là là, c'est quand il y avait encore c'était, le stream. Juste après les amis bros, si je me trompe pas. Tout à Ou fait. Juste ouais. Avant. Non, attends, le lendemain matin. Enfin, midi. Et on était allé. En vrai, c'est un très bon indien, ouais, à Levallois, pour le coup. Il était très bien. Ah, j'aime bien, je pense que c'est une de mes cuisines préférées. C'est quoi? C'est les délices de Cachemire, je crois, si vous voulez y aller, c'est très bon. C'est incroyable. Putain, en fait, vraiment, moi j'adore les plats en sauce. Et ouais. Là, pour le coup, indien, c'est. C'est de la sauce, quoi. Hein. Ah, les plats en sauce indien, oui, clairement, tu peux te mettre. Tu peux te mettre bien, quoi. Hein. La bonne viande en plus. Moi j'avoue que. Après, moi je suis. Après, en vrai, c'est horrible parce qu'on a des palais d'européens. Donc, ce qu'on aime, c'est le poulet. C'est le butter chicken, quoi. Ouais. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres plats qui sont extraordinaires dans la cuisine indienne, genre tout ce qui est dal et tout. Et ils cuisinent très bien leurs légumes aussi, hein, les épices c'est et tout, c'est dingue. Bah, le dal, c'est à la base de lentilles et c'est excellent. Ouais, j'adore. Bah, d'ailleurs, j'ai essayé de goûter des gâteaux apéro à base de lentilles et ça passe très très bien. Je suis moins fan, j'avoue. Mais... Moi j'aime bien. J'avoue avoir été moins fan, mais par contre, okay. C'est très bon, hein, effectivement. Bajan Bhurta, c'est incroyable. C'est trop bon. Les streamers qui ont faim, bah ils sont. Tout ce qui est à l'aubergine et, ou alors les palates panir et tout le bazar, c'est. Genre les épinards avec du chèvre, c'est. Après, si t'aimes pas les épinards, c'est chiant. Ah, mais... surtout le chèvre. Les épinards, ça va. Ah ouais? Ouais. Bon, ouais. Parce que mec, je te jure. Et que le fromage est un peu le fort. Le palate panir, gros, c'est. C'est vraiment très bon. Peut-être manger un bon fait avec des lentilles de corail maintenant, c'est vraiment pas mal. Ah ouais? Okay. Chicken masala plus 3-4 nan. 3-4 nan carrément? Ah ouais? Mais attends, mais tu te coupes l'appétit là. Enfin, moi en tout cas, avec mon gabarit, si je mange du pain nan, c'est fini. Après, derrière, j'ai plus faim quoi. Corey a tombé par terre. Arrêtez de vous me donner la dalle, évidemment. Et oui. Le basique biryani aux légumes. Ouais, biryani, il y a des. Ah, mais après, je vais pas mentir. Mon petit péché mignon.
Là-bas, c'est clairement le nano fromage. C'est une dinguerie. Si, en plus, si ton indien est bon, tu as. Il te met toujours ce petit morceau de beurre sur le nan qui va fondre. Oh oui. Sur le. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, ouais, et là, ouais. Mec, c'est. Et là, puis même le riz, la cuisson du riz, avec la bonne sauce que tu mets par-dessus, une sauce. Comment ça s'appelle, une sauce orangée rouge là? Oui, tout à fait. Oui. Comment ça s'appelle déjà? Mais en tout cas, elle est exceptionnelle celle-là, c'est une dinguerie. Et ça. Bah là, maintenant, j'attends juste qu'ils reviennent pour jouer, pour finir cette game et vraiment manger du coup. Là, c'est... En vrai, le nanalai, je suis d'accord que c'est très bon. Mais ce côté fromager me fait trop plaisir sur le nan fromage, j'avoue. En plus, en fait, ça dépend. C'est soit ils mettent du kiri, soit ils mettent de la vache kiri, tu vois. Donc du coup, ça dépend tes goûts. Moi, je préfère quand c'est du kiri. Allô. 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 Ah, ouais, je suis désolé. J'en ai profité pour faire un semi-marathon et sur le retour, j'ai fait le Mont Blanc. C'est pour ça que c'était un petit peu plus long. T'aurais pu faire l'Everest, hein. C'est parce que Inox l'a fait. Hein. Non, non, je suis pas un copieur. T'es pas un copieur. Ouais, mais c'est quand même le plus haut sommet du monde, en fait. Enfin. Je suis pas un copieur. Ambiance Kaizen. Kaizen. Bon, pour moi, le nano fromage est supérieur au nana l'ail. Après, c'est vous qui. Après, ouais, l'ail, faut être du sud, je pense, pour vraiment aimer l'ail. Non, mais l'ail, c'est excellent aussi. Je suis l'ail cru, l'ail cuit, l'ail confit, l'ail soupe. Ouais, moi, je suis vraiment team oignon et chalotte. En vrai, Ponce, tu aimes bien manger indien ou pas du tout? Ouais. C'est incroyable. Et tu préfères quoi? Nan à l'ail ou nano fromage? Ah, lui, il va dire ail. Alors, je crois que je préfère juste le nano fromage pour le coup. Ah, ouais. Je crois. Alors, je préfère nana l'ail. Mais c'est vrai que le. Je sais pas. Putain, j'aurais dû mettre de l'ail sur ces tartines Kiri Périmé là. Ah, mais tu en remanges là? Ouais. Ok, bah. Ce que je me suis préparé là. En mettant aussi poivre et huile d'olive, hein, évidemment, pour me rappeler mes années. D'où tu viens, hein. Bien sûr. Les tickets loco. Non, merci. Pourquoi pas, t'es ruche. Rien à foutre. Après, tu pourrais manipuler la RNG du train. Allez, un petit dé sur Meuse là. 15 bas, tu vois, t'aurais pu l'acheter ce ticket. Non, mais c'est n'importe quoi, mec, j'ai 106 pièces. Pas Daisy. Non, ah, mais c'est vrai que t'as le singe avec toi. Ah, tu vas te faire TP. Oh, et là, ça va. Et là, mec, imagine, ça te TP devant. En vrai, je vais le demander le TP, non? Bah, ou alors tu tentes de donner la moitié de tes pièces à quelqu'un parce que c'est un peu miné, mais. À toi de voir. En vrai, lance-moi. Non, tu pouvais tenter le nage. Don't be. C'est vrai que c'est la même animation. OMG. Oh, si, t'es trop bien. T'es trop bien, mec. Au niveau du la. Oh, à 11 cases. T'es trop bien. 11 cases. Ouh, attends, il faut juste faire 6. Il faut juste faire 6 et c'est terminé. C'est totalement doable. Il va complètement me voler l'étoile devant moi. Il va même en prendre 2 d'ailleurs. C'est sûr. C'est sûr et certain. Allez, il va faire 7. Il va faire 7. Oh, j'en ai plein le cul. C'est tout le temps la même chose. J'ai fait 1, putain. C'est un truc de fou. Non, c'est exceptionnel. Je peux prendre 2 tickets. Mais je m'en fous de tes tickets. Bah, franchement, Donkey Kong, il te permet d'en avoir 2 là. Ah, mais ça se met dans l'inventaire. Alors, ça, très bonne question, j'en ai jamais acheté. T'as fait 6 GG. Alors non, il fallait que je fasse 6 en compte. Enfin, sans. Mais justement, t'as call le mauvais truc. Si t'avais call, faut que je fasse 11. T'aurais fait 11. Et oui, c'est ça. Bah oui, t'as eu ce que tu voulais, voilà. Bah. Est-ce que c'est bien équilibré ce jeu? Ça va. Hein. Avec mon déco, j'ai rien commandé chez Yatai. Team Nan Nature avec la sauce du plat. Ouais. En vrai, je vais prendre un ticket clutch. Il y a des garlic cheese Nan aussi. Oui, c'est vrai. Ah, ça se met dans l'inventaire. Merde, ok. Bon, t'as bien fait d'en prendre un. Je suis sur une discussion Nan. Tranquille. Mais ça c'est vrai, un butter chicken avec un nan nature. Non mais butter juste chicken, de toute façon juste le but. Déjà t'as dit butter chicken, je suis un homme heureux. Enfin, tu sais que si tu t'étais arrêté sur la case Bowser, tu l'aurais trigger 2 fois. Attends mais tu m'as vraiment enlevé de VIP. Oui, je t'ai enlevé VIP, pourquoi? Ah oui. Ah parce qu'il t'a volé de 15 pièces quand même. Pardon, ok. Bah j'ai dit j'attends un move pour te remettre VIP. Pardon. Tranquille. Bah. Ouais, vous l'avez fait ce move déjà, vous l'avez fait plusieurs fois, je pense, il peut récupérer. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Après, moi, il y a un truc que j'aime beaucoup trop commander aussi là-bas, c'est les lassis à la rose. Et alors, ça.
Et là, c'est on à a, la rose. On a bien fait de manger avant ce jeu, avouez. Ah, mais oui, 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 j'ai faim, là. Le lassi à la rose. Le lassi à la rose, mec, c'est un. C'est une boisson au yaourt avec un. Du coup, un sirop de rose à l'intérieur ici. Arrête, arrête. C'est exceptionnel. Arrête. Mais regarde, il me saute dessus. C'est parti. Arrête. C'est toujours la cible de vos moqueries. Arrête. Tiens, t'as failli me tuer, bro. Oh. Il s'est fait écraser là. Attends quoi? Attends, je comprends pas. Ok. C'est vital. Focus les ombres. Focus les ombres. Mais il est raciste ce pain. Il est raciste ou il est raciste? Mec. C'est du pain complet. Il est raciste. Du okay. Pain raciste. Bah c'est. Du pain raciste, ah ouais, oui. Et de nos jours, tu sais. Hein. Oh. Et j'avoue qu'il donne faim. Le sandwich à l'œuf là. Oh maman. Moi je dis, c'est toujours risqué. Sandwich à l'œuf, c'est toujours un peu une prise de. Oh non. Oh, ça va. Oh, le... Toujours une prise de risque. Je suis mort. J'ai bien compris. Je me suis fait. Non, mais ça va vite là. Même rapide. Oh non, je suis bête. Jean-Marie Lepin. Victoire. Comment ça, mais Jean-Marie Lepin, genre raciste, Jean-Marie, what the fuck? Oui. Cette tête que je tiens. Début du tout. Fait du bien de manger. Tu manges quoi, toi, Wingo? Moi, je mange des. Des orecchiette au grana padano avec une cuisse de poulet et une tomate à la provençale. Oh, ça sent vraiment ça. Oh, ça se met, ouais. Ça se met doux, quoi. Mais moi, je me fais un vrai repas. Quoi. Oh, non. Moi, je me fais et toi, tu te détruis, quoi. Oh, non. Oh, God, please, oui. Oh, merci. Oh, non, God, please, non. Non. Ah, bah là, c'est sûr, là, c'est l'étoile, allez. Salut. Oh, non. Ça va jamais être la perte de l'étoile. Si. C'est scripté parce qu'on est 5. Non, rends-moi ça, bâtard. Honnêtement, mérité. Est-ce qu'il la donne à quelqu'un ensuite? Non. Mais mec, c'est tellement fucking mérité, quoi. On étoile. Ça a abusé, ça y est, ça va être les tours de malchance maintenant. Oh, bravo, Bowser. Je savais que j'aurais dû utiliser ce dé. C'est à moi de jouer. Mais là, y a rien à faire d'intéressant, quoi, c'est ça le truc. Bah là, non, là, tu. Et hop! Bah, t'as une clé! Non, mais t'as une clé! Avec le détruit plus clé. T'as la clé, tu peux faire ton petit. Et tu voles le jambouri, donc tu pourras acheter deux étoiles d'un coup. Et tu voles le jambouri, oui, c'est vrai. Ouais, détruit. Je me suis servi deux fois. Détruit plus clé, c'est ça que vous dites? Bah, ouais, tu fais détruit. Plus, si tu fais 19, tu voles le jambouri de fonce. Il faut que tu fasses des bons. Un bon bail là. Il va le faire, je le sens, je sais pas pourquoi. Allez. 3. Ok. Tu vas le faire. Bah non, c'est ah, mort. C'est mort. Ah ouais. Ah ouais. Oh mec. Oh, t'as fait. Bah, dis donc, ça va super vite tout ça. Hein. Ah, ouais, j'ai fait. Mais sauf que t'en as claqué 3, mec. Ouais, c'est ça. Pas mal. Donc, j'avoue, ouais. C'est. Non, c'est bon. Je vais quand même open. Le savais-tu, tu pouvais faire ce résultat avec un seul. Ouais, c'est. Non, c'est bien. C'est ouf. Et du coup, pourquoi t'as claqué alors que t'aurais pu faire. Bah, c'est. Un dé, quoi, je comprends pas. C'est mal joué. Mais après, ils vont peut-être te le redonner. Par contre, j'ai un tilté, c'est une dinguerie. Genre, Bowser il a plus d'étoiles que nous. Eh oui, il s'est régalé. Moi, petit reste de tartiflette. Wouah, ah ouais. Ah ouais, c'est. Votre seule façon de gagner, c'est de swat au nu. Ah oui, carrément. Oh. Ah ouais, c'est radical. Oh, sur la case Bowser comme ça, là, vraiment. Ah ouais, la double peine de la casse Bowser. Ah, la double peine. Bonne idée, ça. Oh, attends, mais je suis juste. Oh non, si je fais 1, je vais faire 1. Mais non, t'as pas d'étoile. Beetle. Ah oui. Beetle. Attention, Beetle, te trompe pas. Joy-Con Drift, boum. Oh, arrête. J'ai tellement PLS là. Attention, tu peux encore misclick ici. Salut. Oui, je veux bien une étoile, merci. Oh, bravo, mec, en vrai, ça fait plaisir. Oh, je suis trop bien. Voilà, mais attends, mais la game est avancée. J'en perds une, t'en gagnes une. Vous allez me voler avec les bouts. Wow. Première personne autre que ONU à avoir une étoile de la game. C'est vrai, c'est horrible. C'est la stat, elle est. Et pourtant, il joue sur le. Il joue sur le retour de sa carte de capture. Mais bon. Attends, mais quoi? Mais c'est pas. C'est un.
C'est une plus loin, frère. Le sifflet ? Voilà. Petit sifflet. Ah ouais ? Petit sifflet. Bah pour déplacer une étoile. Oh ! Oh ! Oh, ça me va. C'est le train. C'est le train. Oh, moi. Ça me va. Il va t'écraser là ou pas ? Non. Oui. Ah, si. Wouhou ! Ça me va parfaitement. Ah, t'avances quoi ? Bah oui. Oui, oh, oui, non, oui, oui. Ah, j'ai. Oh, je suis mal là, j'ai mal au crâne, gros. Oh, mal, il a mal, il a mal. Oh, j'ai mal au crâne, gros. Est-ce que ça TP l'étoile au milieu de la map? Mec, là, t'imagines, tu TP, ça te devant met la carcasse de l'étoile. Mais ça fait deux fois qu'on dit t'imagines, tu TP. Non, mais, bah, oui, mais bon, on sait jamais, voilà, faut y croire, c'est tout. Tu te projettes pas assez, tu te projettes pas assez, c'est ça le problème. Je me projette, Donby. Projette-toi. Merde. Projette-toi, bro, projette-toi. Regarde là, regarde, là tu. Regarde. Attends, c'est la direction, non, c'est la bonne attends, direction. C'est la direction, mec. Ah. Oh, oh non, dommage. Attends, t'es dans le bout, tu vas pouvoir me voler. C'est dur. Tu veux me voler une étoile là. Quand même. Attends, par contre, mec, tu coudes, là tu peux passer. Non. C'est de la merde. Non. Mais non, si, c'est bien, tu me voles une étoile, c'est bien. Non, c'est gaze. T'es à 53 cases, ça va. Non, c'est vraiment, c'est gaze, genre, c'est terrible, mec. Après, moi je me vengerai, je volerai l'étoile de Vitel. Après, t'as un coupon train. Mais ça va pas l'appeler le train, il faut qu'il soit en gare, je crois, non ? Ah, peut-être pas. Hein. Bah, il est en gare. Je suis pas sûr, justement. Il est en gare. Non, mais je veux dire, il faut que tu passes à une gare pour. Parce que, genre train, là, si tu utilises ton. Oui. Ah oui, tu dois être à la gare, ok. Ouais, en fait, dès que tu vas passer devant le conduit. Le. Comment il s'appelle le mec des trains là. Ouais. Est-ce que tu poserais pas la case étoile du coup ? Ouais, bah oui. Hein. Ah, mais oui, je vais voler une étoile. Parce qu'en fait, pas évidemment, il y a le. Il va la voler à Vitel. J'ai vu. Ça mec des trains. Je réfléchis juste. Non, tu sais quoi ? Ah, je peux pas. Je peux pas cancel. Ah, si, tu peux cancel. Ah non. Ah, bah FF. Je vous jure, je peux pas cancel. Je voulais juste voir où est-ce que je voulais. Je vous jure, je peux pas cancel, je suis abattu. Bah, pose d'abord. Bon, c'est pas très grave autant que tu le poses. Oui, c'est avant oui, la oui. Case boue, c'est pas si mal. Oui, mais en fait, quitte à faire ça, j'aurais. Parce que là, je me connais. Je suis à deux cases d'un bout, je vais faire un. Regardez. Voilà, je te le souhaite, hein, vraiment. Je regardez. Te le souhaite. Un. Oh là là. Allez, il a fait un. Bien joué. Alors, tu peux aussi voler des pièces. Bah, non. Non, mais tu veux dire. Non, mais ce que. Oh, regarde, en fait, après ça, tu vas pouvoir voler des pièces. Moi, je dirais hasard, mec. Non, il va pas oser. Il va mettre moi. Et... Allez, vas-y. Ça va pas la tête, quand même. Ouais. Et comme quoi, ça se resserre déjà la partie là. Hein. Ouais. Bah, en même temps, mec, faut bien que nos pièces elles servent. On a stacké 95 pièces et 100 pièces. C'est bon. Et une étoile. C'est pas mal quand même, je trouve. Bravo. Bien joué. Bravo. Et là tu revoles. Donc il est refait aussi. Ah ouais, tu peux. Ah ouais, c'est trop ouais, bien. C'est, ah bah oui. C'est fort. Oh mince alors. En fait, il y a le ouais, il y a du drift sur le bouton, c'est toujours au même endroit que ça. Mec, c'est automatique. J'ai pas fait, j'ai appuyé un peu vite, my bad là-dessus. Automatique. Non, mais merde, shifter pense. 10 balles, bah franchement, je ne pas de franchement, écoute, mec. Je te les donne, je te les donne. C'est étoilé, c'est 10 en balles, fait, ça, c'est ça, pour ça toi. Ça rembourse ah, pas mal, quoi. Attends, j'ai cru voir un truc pour ce surpike là. Loco. Parce que tu vois, genre, elle est où l'étoile ? Et non, elle est encore. Elle est. Eh oui. Elle est au milieu de la map. En vrai. Genre, si je reviens en arrière. Là, tu peux utiliser ton ticket et du coup, ça t'évite de passer sur le truc trap. Attends. Oui. Oui. Attends, tu payes quand même. Deux, ça vous dirait un petit tour en train. Une gare, mais en arrière. Une gare. Et là, c'est masterclass. Pas quoi. Non. Est-ce que je choisis un peu ou pas trop ? Non. Oui, je pense. Hein. C'est bien random. Hein. Allez devant, c'est parti. Ah, dommage. Ouais. Top. Chou. Top. Après, ce qui est bien, c'est que ça t'avance vraiment bien, quoi. Donc. Top. Ouais, t'es devant, quoi. Bravo. Ouais. Eh, c'est bien, t'es devant, en vrai, c'est cool. Fallait faire deux. Bah non, pourquoi deux ? Si je reculais, deux, ça aurait été trop loin. Non, parce que sinon, tu perdais des pièces en plus. Ouais, je sais pas. Ouais. En vrai, non, c'est worse, hein. En vrai, c'est worse, je crois. Mini-jeu ! Mini-jeu. C'est exactement la case où j'étais au début du tour, oui. Putain, mais oui. Après, t'as fait un tour quand même sympa. Oh, c'est le meilleur moment de cette game. Le meilleur moment. On est pas sur une. Si on gagne cette game, Vital, je te remets VIP. D'accord. Ah oui. Comme ça, on gagne. C'est-à-dire que.
Tu finis pas premier. Attends, je vais jouer sur ma Switch en version portable, je pense que ce sera mieux du coup. Honnêtement, je conseille. Attends. T'es tombé. Attends, oui, j'allais dire, mais il existe plus. Ah, c'est pas gagné ou perdre du coup, c'est vraiment. Putain. Regarde, mec, je suis tellement devant. je suis front-run. Ouais, je suis en train de front-run là. Mais si tu front, faut prendre les pièces, frérot, par contre. Non, je prends pas, non. Mais c'est le même tu. Non, oui, non. Oui, en fait, c'est le même. Je suis le harceleur là. La lourdeur. Mais c'est celui qui est devant. Non, mais le front-run est bien, mais. Putain, c'est pas. Oh, je suis trop la, bien, mec. La. Ok. Non mais je pense qu'il faut un 2 3 bien distancé. Après vraiment on s'est donné de ouf. Allez continue genre à front-run, Il faut vas-y. Vas-y. Oh, passe. Je tourne. Ça tourne pas. Mais ça tourne pas. Oh merci. Je suis là. Non. OK. Je vas-y récupère, c'est bien. C'est beaucoup trop loin. C'est oula, ça pop derrière. Ah ouais mais. Aïe, oh bâtard. Non, ça pop tout derrière. Nickel, c'est bien, nickel, c'est bien. J'arrive, je réaccélère, je remets un coup là. On réaccélère. Je prends la partie droite devant, c'est terminé, je tombe à mort. mort. Ouais. Ok. Je vais jamais retrouver mon VIP sur la chaîne de Ponce. Et non, on a perdu hein. Oui, on a perdu en plus. Mais non, mais c'est. Tout le monde y a des pièces. On a perdu. Non, mais si, tu retrouveras ton VIP ONU, je pense, un jour quand même. Un jour ONU. Ah bah si, c'est ONU alors. Et par contre, l'écran okay, 100% hein, blanc là, ça vous pète pas les yeux à chaque fois qu'on se le prend dans la gueule? Si. C'est quoi cette idée de merde? Statu quo? Oui. Statu quo. Début du tour. Au revoir Donkey Kong. Au revoir Donkey Kong qui tourne dans le film là-haut. Salut Jabouri! Donkey Kong dans là-haut 3. Bon, par contre, le plateau là, c'est quoi cette. L'étoile est deux cases derrière toi, bon. Moi, je pense que je convoque tout le monde à boire un petit lait. Oh non. Oh, c'est une belle idée, ça. Non, mais de toute façon, I'm throwing a flashbang. Mais quoi? I'm throwing a flashbang, il a dit. Non, mais je te jure, il faudrait que je mette le son. What a flashbang! Ah, pas de petit lait. I'm throwing a flashbang. Un petit bloc caché, quand même. Non, c'est une étoile. Bah j'en ai plus que 3, j'en ai eu 5 à une époque. J'en ai plus que 3. Bah écoute. Mais tu sais qu'à nous tous ajouter sauf toi, on en a même pas 3. Mais... Bah ouais, bah vous allez me les voler, c'est pas grave. Ah, c'est à moi de jouer. Alors, à toi de jouer. 40. Et le truc, c'est que vous êtes où, vous? Yu-Gi-Oh! Spike est bien placé pour l'étoile. Ouais, je pense qu'il faut. Il faut quoi? Gagne pas, non, ça. Wingo, il faut là. Ouais, il faut, hein. Oh. Bah, ce serait bien que je commence à jouer en fait, c'est cool. C'est pas mal ça. C'est une masterclass. Mec. C'est pas mal ce que tu me produis là. Pouah. Attends, c'est pas la case Bowser là en plus? Ah. Merde. Oh. Non, jamais. Non, mais attends, c'est vraiment une case Bowser là? Bon, en vrai, je dépenserai les pièces, hein, il va t'en piquer, je pense. Oh non, Wingo. Après, il a pas d'étoile pour sa défense. Vous vous souvenez ce que j'ai dit au début du tour ou pas? Quoi? Tu dis, ce serait cool que je commence à jouer quand même. Bah, attends, tour 15. Attends un peu. J'espère que tu as très envie de t'amuser avec moi. C'est quoi, perdre la moitié de vos pièces? Oh, une révolution Bowser, dans Dispersion Bowser, ça serait. Gain de 100 étoiles, bien évidemment. Mec, gain de 100 pièces, de 100 étoiles, j'y crois à la mort. Oh non! Révolution? Oh, ça équilibre l'argent de tout le monde. Ah bon, c'est les comptes en du coup. En vrai, ça me met bien. Quoi, ça te met bien? Vital un peu moins. Ah, ça m'emmerde, moi. Nous, ça nous emmerde un peu. Je pense que t'auras la même chose sensiblement. Bowser communiste. On va avoir quoi, 72 chacun, je pense. Non, mais enfin, pourquoi on fait ça? Et là, il les garde. Allez, vous faire foutre, Isma. On peut me rendre mes pièces? On en 75 chacun. Oh, ça va. Ouais. En vrai, je m'attendais à pire, ça va. C'est ok. C'est ok, tiers. C'est ok, tiers. En gros, je fais un tour qui vous met bien, quoi. Oui. Voilà, parfait. Oh oui, toi, ça te met pas si mal. Toi, ça te met bien aussi, ouais. Toi, t'as eu plus de pièces, bon. Il faut que je fasse un truc. Moi, je sifflerai, hein. Ah. Oh, deux. Top. Oh, je suis bien, là. Non, mais là, déjà, tu vas récupérer un des triples. Ou un champi. 12 pièces. 12 pièces. Bah, je reviens à ce que j'étais, c'est ok, hein. Oh, normal. Et là, et maintenant. C'est à ton tour, Daisy.
C'est maintenant, now, on va le faire. And right now, Daisy, right for now, the clutch. Right fucking now. Tu sais qu'en vrai, là avec ton dé, tu peux aller chercher encore une étoile à voler. Hein, ah bah oui, après on sera à égalité. Laissez-en sas. OMG le coupon. Il vaut le coup ce coupon. Il te met bien ce coupon, il te met bien. Très très bien, par contre là, je... Là, faut que je fasse... Là... Oh, bien, tu l'as. Got it. Tu l'as, mec, tu l'as. Il l'a. Je vais quand même checker ce qui se passe ici. Le D triple. Oh, le D triple. Petit D triple, là, je pense. Petit D triple. Le D. Ouais, allez, petit D triple, allez. De toute façon, t'as encore assez derrière, donc. Ouais, bien sûr. D triple, c'est carré. Oh, la masse! Aïe aïe aïe, mes étoiles! Il hésite pas du tout. Allez! Allez! Ok. Et voilà! À nouveau deux étoiles! Chacun! Comme quoi? Chrome 5 tout au jeu! Chacun, la dinguerie! Après, t'as pas mal de thunes, mais pas mal! Là, c'est... Ça a l'air trop bien de jouer au jeu en tout cas! T'inquiète, tu vas aussi m'en prendre une, tout le monde va m'en... Après maintenant! Il pense passe à 3. Ça se discute. C'est vrai. Ça se discute. Et là, ça va être le mini-jeu. Là, ça va être le mini-jeu. Ça déjà, ouais. Peut-être. T'as chance, non? En vrai. Attends, mais tu peux retourner au bout à l'infini, non? Ah non. Non, ça serait abusé. Autant te refaire en pièces, hein, je pense. Bon. Ma question est, est-ce que si on utilise la clé Skull, on peut retourner au bout? Bah ça. Oui. Au bout de quoi? Ah ouais. Là, attends, bah, mais du coup, là, mec, tu vas pouvoir faire un tour. Où tu vas pouvoir te rajouter 5 sur un D trip. Ah putain, j'avoue, oui. Ah oui, pas mal. Largage de puntos. Largage de pointe. Ah, est-ce qu'on donne tout à Wingo? T'inquiète. Est-ce qu'on donne tout à Wingo? Oh non, c'est quoi ça? Oh, je sais pas par où je dois aller. Oh non. Oh là là. Ah mais je suis encore solo. Oui. Oh, oui. Je sais solo pas bolo. Quoi faire. Ah oui, d'accord, ok, tu lâches des pas. Oh, je sais pas quoi faire. Oh là là. Voilà. Oh non. Mort. Allez, c'est parti. Ok, c'est bon, j'ai capté. Oh j'ai non. Capté. C'est parti. Oh non. Here we go. Okay. Here we go. C'est parti. C'est pretty. Vas-y, viens, on bloque. Oh, arrêtez. Oh, je bloque. Et mort. Et comment ça, monsieur? Mort. Double mort. Là, c'est bien, tu bloques. Oh, mort, mais what? Ça me tue, ça. Ouais, c'est scandaleux. On passe à autre chose. J'ai même pas vu comment buter les morts. Je crois qu'il est mort très vite. Non, je suis mort parce qu'il m'a envoyé une plaque. Okay. Oui. Oui, mais. Bah, c'est souvent le but du jeu en vrai. Envoyer une plaque, je suis mort, enfin. Début du tour. Il reste 6 tours et la game n'est plus autant garantie. Non, c'est bien vrai. Mais là, Wingo, t'as assez pour voler, hein, si jamais. Bon, bah, en fait, faut que je fasse plus de 2 pour avancer. C'est vrai. Et pour le moment, c'est pas évident parce que j'ai testé avec un D-trip, j'ai testé avec un D-double. Oui, c'est vrai réussi, que sur un D-trip, t'as fait 9 quoi, donc c'est chiant. Oh, mais j'avance pas. Je fais 10, sur un D-double, j'ai fait 4, donc. Oh. Non, mais c'est vrai. Donc c'est pas évident en vrai. Oh, le Big Train. Le jeu est un peu aliasé, ouais. Mais ça fait rien du tout ça. Ah, là, je vais repartir au début du coup. Ah non, non. Non. À toi Yoshi. Attends, mais il s'est rien passé là, j'ai pas capté ce. Non, il s'est rien passé. Allez le Yosh. J'utilise un dé. Je sais pas, je. Mais t'aurais dû faire un dé double. Bam. Non, ça passe. Oh. Ah. Oh putain. Mais là tu sais qu'avec un dé double t'aurais pu aller au bout peut-être. Mais j'irai après au bout. Bien sûr. Mais là on va tout jouer. C'est, la vie c'est une question de patience. Bon, sauf après le tour 20, mais... 6-6. Et c'est quelle touche pour commencer à jouer? Parce que j'ai pas vu là en 14. Attends, on est pas encore tour 15 là. Attends, tour 15. Tell et Wingo qui vont être ensemble. À moins que tu les rejoignes. En vrai, rejoins-nous en vrai. Non, pardon, j'ai mis clic. Merci. Oh, le D-triple. Le D-trip, non, c'est 5. Mort, ça passera pas à D-trip. Ah non, t'as pas les thunes. Il a pas de thunes, il a préféré voler une étoile. Il n'a pas d'argent. T'as pas les thunes, donc rejoins-nous en vrai.
Mais pourquoi je vous rejoindrais? Rejoins-nous. On est 3 contre 1. Et oui. Parce que là, moi je suis... Rejoins-nous. Je suis là moi, tu... Je suis là d'ailleurs. Rejoins-nous. Ah non, je vais descendre, pardon. Là tu vas descendre et tu peux... En fait, tu peux et je remonte et je tourne. Ouais, mais je vais quand même dans le doute utiliser ce champot quand même. Reviens, viens, bon. Ici, viens. Minière. Complètement. Et là, on va sortir un 10. Paf. Ouais, 7, pas mal, 12, pas mal, pas mal, 12, pas mal. Bête de 4, gros. 4. Est-ce que ça part en gare? Est-ce que ça part middle map? Pas mal, quand même. Il y a la bien le sun. Tu n'as pas assez, tu n'as pas assez. En vrai, après, t'as pas de thune. Lâche cette boutique. Là, t'y arrêtes. Tu poses la carte bleue. Là, t'es hors saison. Lâche cette boutique. Oh, trop mignon le petit poney dans l'enclos là. Il y en a deux même, il y a un mascasse aussi. Trop mignon le mascasse. D'ailleurs, en fait, derrière mascasse, on. Et pourquoi là? En fait, c'est une légende, mais en fait, c'est Epona et Link en plein milieu là. Et pourquoi l'abreuvoir est totalement vide? Enfin, juste pour ça. De quoi? Moi, j'avoue. Hein, bah, l'abreuvoir est vide quoi, c'est la canicule. Oui, et ouais, il y a rien. C'est ils vont pas tarder à mourir globalement. Attends, c'est un bloc caché, c'est pour ça que je suis allé là. 3, 2, ok. Oui. Mini-jeu! Un mini-jeu! Encore un jeu que je vais perdre, ça va être top. Oh, je suis hors seul contre vous. Ah, top! On sait jamais, je suis le premier maintenant. Et là, vous êtes prêts? Oh non! Mais du coup, vous avez rien. Oh, c'est random. Ah, mon sample est pas passé sur Discord? Non. Vous l'avez pas entendu? Rien entendu. Oh, fais chier. On est désolé. Parce que là, le timing était fantastique. Ah! Il est parti en haut, il est parti tout en haut. Oh! Ah oui, faut choisir une zone, c'est ça? Je savais que t'allais aller en haut, je le savais. En gros, faut concorder nos choix. Non, on va pas dire, on va pas, pour éviter de tricher, on va pas dire, on va taper. Parce que sinon, c'est broken pour nous. Pense, je fais toujours en bas. Ah, d'accord. Première manche. Ok, je sais où t'es allé. T'es allé à gauche. Merde. Oh là là. Ouh. Ah, tu t'en sors bien. Masterclass. Ok, je sais où t'as voulu m'ouvrir une. Oh là là, tu m'auras pas. Ça c'est le mien, c'est de ma part. Bien joué. Ah là c'est compliqué là. Ok, je sais ce qu'il va faire. Il est retourné au même endroit. Oui. Ah ouais. Oh non, tout le monde a fait ça. Non, je crois qu'il y a que moi. Oh non, Wingo aussi. Oh. Il y a que moi. C'est pas vrai. Ouais. Les deux touches. Oh, mec, non, dommage. Oh. Dommage. Oh, c'est trop t'as dommage. T'as fait exprès ou pas, Vitem? Bah tu pouvais pas savoir ce que j'ai mis. Mec, j'ai littéralement appuyé non-stop sur le bas et je l'ai dit au début de la game. Vraiment, j'ai dit, je ferai toujours bas. Hein mm. Et moi, je me suis dit que c'était un petit malin et qu'il allait revenir au même endroit et c'était vrai. Je vais vraiment. Doc Sauveur, merci pour le sub, bienvenue. Tu fais ce que tu veux, mec. Ouais, je réfléchis à tout ça, je te dis plus tard. Je comprends. Ok. Ah voyons voir. J'aime bien la musique du plateau, moi. Oui, moi aussi, je l'aime bien. Elle est joviale quoi, passe un bon moment, tu veux dire, c'est un truc, ça fout le smile, les gens sont contents, ils dansent, ils s'entendent bien. C'est un peu la musique des vacances, tu vois. Sauf c'est un peu. Moi, j'ai mis les affaires dans la voiture, je suis prêt à partir en vacances, okay, et bam, il y a cette musique qui pop sur l'autoradio, tu vois. Et il part où celui-ci? Ah, il part. il part en Auvergne, je pense. Ah, il part en Auvergne, bien sûr, tu pars en Auvergne, et magnifique l'Auvergne. Ah, sublime, bien sûr. Eh. Ah, je peux acheter un ticket. Ouais, un petit ticket là. C'est vrai qu'avec toute cette moule à gars. Mais comment ça, cette balle, il est plus cher qu'avant, non? Parce que plus tu l'achètes, plus c'est cher. Ah ouais, non, c'est abusé. La moule à gars. Donnez-moi de la moule à gars. Une boîte de téléportation. Ok. Donc là, je suis à 30, mais allez, je vais quand même faire ça. T'es bien, mec. Et là, tu vas faire 3, là. Oh non, je te souhaite d'aller au moins voir le bout.
J'avoue, va voir Bou quand même, genre. Et une. Bien, bravo. Ouais, j'ai bravo, plus d'étoiles. Ah, 8-6. J'ai plus d'étoiles et j'ai pas de détrip les coupons à de côté mon côté. De la gare, petit 8-6. Tu dis non, tu prends rien, tu vas directement voir Bou, frère. Ouais, c'est vrai que le triple est quand même très fort. Le triple est à 10 balles. Taiki, ne te fais pas. Société de consommation. En train de gangréner la mentalité des gens, enfin bref. Et là, il y a un problème quand même. C'est que j'ai autant d'étoiles que c'est ça. Ça, mais... J'ai plus d'argent, mais il a plus d'items. Ouais. Enfin, je pense qu'il faut partir en full random. Hein. Ouais, mais si en random tu tombes sur Beetle. Ah, bah moi, ils ont fait exactement ça hier soir et ça tombait toujours sur moi. Ah, vas-y, hein. Vas-y, tente le hasard. Vas-y, un petit random. En vrai, c'est un moment de la game où le random passe. De toute façon, ça va tomber sur moi. Le jeu est pas vraiment random, ça va tomber sur moi. Beetle. Ouais! C'était sûr. Non, Vital, je suis désolé pour toi, bro. Et en même temps, content que ce soit pas moi. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'était sûr que c'était moi, vraiment. Let's go! Au moins, il y a une redistribution des étoiles. Première étoile de cette manière, vraiment, c'est hyper agréable. Non. Ça va, Beetle? Beetle, c'est pour le oui, oui, mini pour le content, c'est pour le content. Le pauvre, ouais, ça me fait un peu de la peine. Et il y a 5 tours pour. Il a 84 d'argent. Il peut faire exactement la même 84, chose. 84? Avignon, Vaucluse, Carpentras, Orange. Comment sur Toronto? Villeneuve. Plus Villeneuve. Tu peux nous citer les 14 villes à côté d'Avignon, s'il te plaît, frérot? Pas à côté, c'est la communauté d'agglomération d'Avignon. Oui, je peux te les citer si tu le souhaites. Allez. Les Anglais, les Avignon. Est-ce que je vais retourner en arrière, Wingo? Rochefort, Gard, Vedène, Morière, les Avignon, Sur-Durance, Avignon, Saz. Oh, le D-trip, double D-trip. Deux D-trip. Ah, t'es bien, toi. Tu l'as dit, Morière ou pas? Oui, Morière, ouais. J'ai pas entendu, je suis désolé. Ouais, t'es sûr? C'est juste pour vérifier. Vitel, je pense qu'il faut éloigner cette étoile. Saint-Saturnin, Bédarid. Pof, tu parles fou d'Avignon dans le train. Il récite toutes les communes du début à la fin du trajet. Le mec n'a fait que ça. Quand il m'a demandé ça au Culture Clash, j'ai pu briller, j'étais refait. Et tu sais que mec, gros, genre vraiment, tu sais que j'ai explosé de rire dans la salle. Genre vraiment. Mais on t'a entendu sur le mec, retour. Hein. Le moment où j'ai entendu. Alors du coup, Morière les Avignon. J'étais là, je me dis putain, mais c'est trop grave, il pose trop de questions là-dessus, ça me tue. Recommence, c'est pas dans le gars. Oui, Vitel, excellent. Villeneuve et ah, c'est moi le dernier. Ah, mais comme tu es le dernier, il donne le troisième. Ah, super. À moi. À toi, Daisy. La belle gosse ultime. It's me, Daisy, la belle gosse ultime. Ah, mais oui, du coup, tu vas voler l'étoile à Vitel qui est juste devant, c'est ça? Exactement. C'est pour ça que je me suis dit que peut-être le sifflet était pas déconnant. Belle bite. Après, c'est pas garanti. Ah, si. Ah, c'est sûr. 10. C'était quand même close. Ouf, c'était très tristement close, j'ai envie de dire. Ah ouais, il fallait faire 9, mais le coche. Ah ouais. Daisy a atteint l'étoile, bravo. Et pense qu'il passe en tête à 5 tours de la fin. Ouais, c'est un peu énervant. Hein. Vous savez quoi faire avec les prochains bouts. Ouais. Bah, surtout au nu. Hein. Étoile obtenue. Étoile obtenue. C'est nul un peu comme formulation, vous trouvez pas? Oui. Étoile obtenue. Enfin, je sais pas s'il y a mieux, mais. Oh. Étoile gagnée. Étoile achetée. Étoile. Acquise. Achetée. Étoile acquise. Oh. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la moitié de tes pièces. Oh, t'en as 8. J'ai 8 balles. Ah. Et ça, non, ça me fait. Est-ce que ça enlève le piège? Oui. Oh. Étoile le streamer. Oui, non, c'est bizarre. Ce serait bizarre qu'ils mettent ça dans le jeu. Ça serait bizarre vu que ça n'a aucun rapport pour le coup. Ah ouais. Mini-jeu. C'est vraiment une OP camouflée. Enfin bref, c'est bizarre. Mais... Oui, c'est bizarre. Ce serait une OP du jeu sur un streamer. Enfin ouais. Let's go. Oula. Je pense que Beetle, c'est la dernière personne avec qui il voulait être en team. Mais au pilotage. Allez, Beetle. Hein. Oh, c'est trop marrant ce jeu. Alors, faut faire quoi? Le joueur à l'avant se déplacer. Le joueur à l'avant. Donc, c'est toi à l'avant, Beetle. Et moi je suis à l'arrière et du coup je dois faire quoi? Ah pardon, Beetle. Excuse-moi. Beetle is not here anymore. Ou alors Beetle me hint volontairement et n'avance pas. Oh là, ça lag un peu. Oh, il est en altap de sa Switch. Ça va Beetle? Beetle? Oh là, quelqu'un a des nouvelles? Oh là, Beetle? Il a fait tomber sa Switch dans pas dans Dendouri en tout cas, ça c'est sûr. Non, ça c'est sûr. Je sais pas si on t'entend. Non mais arrête, mais Beetle, pas. Attends, il remet son casque.
Il a mis prêt, il a mis prêt. Bon, bah, il est là, je pense. Attendez. Let's go. On attend. Ah, Bitel. Oui. T'étais pas là? Non, je suis juste parti récupérer à manger. Ah, ok. Archi chiant. Ouais. Vas-y, entraîne-toi. T'es le personnage à l'avant. Non, mais je connais le jeu. Allez, c'est parti. T'es sûr, hein? Oui. Allez. Okay. Tu me hines pas, hein? Non, tu me hines pas. Il en pèse. 3, 2, 1, vas-y, Vitel. Gauche, je nous ont bloqué là, les bâtards. Gauche, je peux pas. Je suis vraiment bloqué pour le coup. Descends. Bon, allez, attends, on va passer en bas. J'appuie, mais tant que tu appuies, je peux pas appuyer. Descends. Ah, ça, je savais pas. Il faut que tu relâches. Ouais. Descends. On a tenté, j'ai tenté. Ouais, c'est pas grave, ça se tente. On va passer en bas, non, là, c'est risqué là. On va remonter. On en profite. Oh non, les bâtards, putain. Non, les gars. Ils se foutent de notre gueule. On va les avoir. C'est trop grave. Mais putain, on est bloqué. Non, mais cassez-vous, mais putain, vous voyez bien. On bougera pas. Non. Laisse-le partir, lui. Il part. J'y vais. Vas-y, descends. Vas-y, remonte. Hop, tout droit. On va descendre après. Faut attendre. Descends, maintenant. Vas-y, parfait. Oui. Hop. Droite. Hop. Gauche. Ok. On est bon normalement là. Hop. On est très bon. Oh là, 50 km/h sur le périph', on l'a ressenti. Hein. C'était complètement bouché. Plutôt 30. Quelle vie. Cauchemar. J'étais pas. À aucun moment j'étais int, hein, vraiment, par contre. Hein. Non, on a fait ce qu'on pouvait. Hein. Mais je pense qu'on aurait dû rester dans cette position soft lock et gagner mais dans le temps. Ouais, juste attendre en vrai. Pas raison. En fait, je me pose la question de est-ce que si on reste en soft lock, est-ce que c'est ceux qui sont le plus loin. Dernière ligne droite. Tu vois qui récupère le plus de. Ouais, je me pose la question. Oh, c'est la fin. Dernière ligne droite. Ah, c'est marrant, je suis quatrième comme d'hab. C'est vrai que c'est assez répétitif. Longueur du périph 35,4. Alors, c'est les mêmes trucs de fin que dans l'ancien Mario Party. Par contre, tu vas pouvoir choisir. Ah non, c'est random. Un joueur reçoit un champignon. Ah, c'est moi. J'espère que c'est moi. Hein. Enfin, c'est moi. Quoi? Le joueur en tête. Mais quoi? Bah d'accord. Mais quoi? Ok. Bah sympa le jeu là. Mais comment ça? Bah allez, hein, prends. Hein. D'accord. Abusé, mais tranquille. Bah un petit peu abusé quand même. Mais... It's me Mario. Jamboree. J'adore comment il le dit. Ajoute entre 3 et 8. Attendez. Non, par contre ça c'est bégueur. Ah Mario ça, c'est brutal. Mais pourquoi c'est moi? Pourquoi j'ai vu ça? Mario c'est quelque chose. Alright. Yeah. Allez, fucking avance, great plus, bro. Like j'achète. Oh, je veux un des triples. Shit is fucking insane. Je veux un des triples. Je suis choqué. T'es un peu choc bar. Totalement choc Barrett. Ah, je sais que je vais me faire voler bientôt hein, quelque chose là. T'es pas sûr. Alors, je sais. T'es sûr de ça? À moins que Wingo déjà récupère son étoile. Potentiellement. Ah ouais, le save vraiment avec le dé. Oh yeah. Non, oui, j'ai bah, autre ouais. chose en tête, la team. Ah c'est ouais. vrai. Moi, j'ai des goals qui sont sur le long terme. D'accord, mais il reste que 4 tours si jamais. Hein. Est-ce que tu et revois 10. Tes plans? Ok, pas mal. Ok, intéressant, ouais. 19. Est-ce que ça vise le jamboree? Ça vise le jamboree. Parce que j'adore le jambon, j'adore le riz, j'adore le jamboree. Ok, ouais, faut que j'aille à gauche. Tu tournes à gauche, non? Ouais, en vrai. Non, bah, il y a une étoile, hein. Pas obligé. Hein. Ouais, il y a quand même une étoile, quoi. C'est vraiment le but du jeu, quoi. Moi, je suis sur du long-term action, long-term objective, you know. Ouais, étoile obtenue. Étoile acquise. Les clés, ça sert à quoi? Ça sert à ouvrir certains passages dans la map. Il y a deux portes. Voilà. Attends, mais elle est loin. Oh, elle est dar loin. Elle est loin. Si, mais elle est si proche de deux ponts. Est-ce que je prends quand même le jamboree? Non. Non, tu prendras pas le jamboree. Non. I won't go up. Oh. Mais tu pourras acheter cet item avec 11 balles. Le problème, c'est qu'il y a le bout de l'autre côté. Mais j'aurai jamais l'argent. J'ai de l'argent. Peut-être bah non, prendre ça. Justement, t'en as pas.
T'en as pas. Ah, j'ai pas d'argent. Fuck. T'as pas d'argent. Mais non. J'ai pas mais t'achètes quand même. Ah oui, sans dette. Mais attends, je n'ai pas d'argent. Oui, mais ça, c'est un achat qui donne de l'argent au final. Bah oui, mais ça, sauf si tu fais genre 2 par exemple. Long term objectives. Qu'est-ce que vous comprenez pas en fait là-dedans? C'est. C'est l'humain. Ok, c'est l'humain. Mario! Mario a l'air ravi de te voir. Il a même 5 pièces pour toi en cadeau. C'est super gentil, Mario. Très bien. Ok, oui, le mini-jeu de Mario. Ah, faut que je gagne en plus, sinon je me le fais voler. Oui. Mais tu perds avec quand même un avantage. Oui, ouais, mais c'est FF. Mario vous sera très utile dans cette partie grâce à son effet. Ajoutez 3 à 8 au truc du dé. Très c'est bien. Insane, hein. Bah, c'est absolument. C'est dingue. Énorme, genre. De plus, avec votre camarade, vous pourriez faire. Oui, bon, ça aussi. Assez parlé, go game. Tellement d'accord fort, avec bravo, toi. Mario. Mix de Mario. Eh oui, yo, mix, mix de Mario. Ah oui. Oui, en fait, va y avoir 3 jeux d'affilée, donc la plante, les boules et Mascasse et les drapeaux. Et on connaît tous. Comment ça, les drapeaux? Tu sais, Mascasse et les drapeaux, c'est le jeu où il fait gauche-droite, des fois des feintes. Ah oui. Et le jeu des boules mais où c'est on se pousse. C'est quoi mon avantage, moi? Ah, on aura 3 points de plus, on aura 3 points de plus. Ah mais y'a que besoin de faire la direction, y'a même pas besoin de sauter. Et si, faut sauter. Je suis un énorme débile. Et si on peut... J'étais sur la POV de Mario en fait, je regardais Mario, je suis devenu Mario quoi. Très bien. Ça bosse hein. Moi je veux Mario, moi je veux Mario. Non non, laisse-moi Mario. Non je veux Mario. Qui contrôle Mario? Mais un bot. Personne. Il est juste là pour casser les couilles. Ok. Parce que c'est Mario. Ok. Et tu trouves qu'il casse les couilles globalement? Mais attends, par contre, le jeu est fou. C'est parti! Oh, ça a lagué, what the fuck? Ouais. Mais qui fait laguer là? Qui n'est pas câblé? Je vais péter un câble. Mais je me décale absolument pas, mais c'est une dinguerie, frère! Ouais, mais voilà. Jambouri! Un joueur professionnel, même, c'est son métier, tu Terminado Pipo, ciao! Ça me saoule, ça me saoule. Il y a les boules, il y a les boules. Mario Dedos. Mario Dedos, c'est lui! Oh la compète de fou. Après, t'es bien, t'as quand même 7 points avec tes 3 points d'avance là. Ouais, ça te met quand même bien. Hein. Ouais, bon. Ah oui, ça met très, très bien. Ah oui, si, ça met quand même très bien sur le score total. Ok. C'est vrai, faut le faire tomber. Qu'est-ce qu'on fait là? Vas-y, on peut baiser Mario si vous voulez. Ok, j'aimerais trop baiser Mario. Bah moi, ouais, qui ne voudrait pas. Ok. Arrête. Non, non, mais là c'est moi que vous êtes en train de baiser. Okay. Je veux juste retourner au centre, c'est tout ce que je veux. Je vous vois, je vous vois. Essayez de. Hein, Wingo est au milieu, hein. Wingo est au milieu si jamais. Si, laissez-moi baiser Mario. Wingo, Wingo, Wingo. Non, non, non. Wingo, non, oh, non, non, mais c'est pas sur Ponce. Non, non, non. Mes ponces là, je te vois. Je te vois, bâtard. Mais je vous ai vu les deux là, mais je suis même pas devant. Excellent, ponce. Mais excellent. Tu es Mario, bande de chiens là. Et tu es Mario. Mais bordel. Ça s'est fait de manière tellement naturelle. Mais. Mario, Mario, il est on board. Mais putain, mais c'est pas possible. Il s'est passé exactement la même chose hier sur ce mini-jeu. Mario, putain, mais. Donc là, le jambouri, il est pour Wingo Bear. Oh non! Bien joué. C'est trop! Pourquoi à la fin? Mais on m'a poussé, poussé! Ah là, c'est perdu maintenant, j'ai un point, CFF. GG. Bah là, moi, ça me met dans la merde. Hein. Quoique. Ouais, non, si, si, ça te si, met si, pas si. Dans la merde. J'aurais pu être bien et je suis pas bien du coup. Et c'est quoi le truc d'après? Oh, les mascasses. Mascasses, il faut le faire. Oui, c'est avec les boutons SL et SR ou pas? Oui. C'est les deux, ouais. Ouais. Ah non, c'est. C'est parti! Je suis où? Putain. Ok, c'est bon. Et après, il va feinter, attention. Hein, oui, il peut feinter. Il feinte, il met les deux, il met l'un puis l'autre, il. Non! Bah voilà, vraiment. Oh putain. Il part en même temps que Mario. Les golas, que voient vos yeux d'elfe? Okay. Ah, Wingo a gagné normalement là, quoi qu'il arrive. Les golas, que voient vos yeux d'elfe? Bon. I'm taking the hobbit to Isengard. Oh bâtard.
Voilà, me focus. Oh, le switch à la fin, j'étais pas prêt. Ça compte quand même que pour un. J'étais pas prêt. Oh le bob. Mais après, on s'en fiche, j'ai pas besoin de. Bah ouais, de voilà, super. Longtemps. Attends, ça peut pas foutre ça. Bah, tu gagnes quand même, du coup. Oui. Est-ce que tu gagnes grâce à tes 3 points d'avance? T'es large, hein. T'es large. Il gagne grâce à ses 3 points d'avance et le focus. Je vous mets à l'amende, les gars. Je vous mets à l'amende. De quel focus? Y'a pas eu de focus, par contre. Non, pas du tout, non. Et absolument pas. En vrai, par contre, c'était pas un focus prémédité. Bah, bon, s'il me fonçait dessus, voulait vraiment m'éjecter. Et puis, Wingo a débarqué, il a fait oh. On a juste. Mais personne voulait t'éjecter, moi j'étais sur Mario. Non, toi, non. Les deux autres, par contre, tu les as pas vus, hein. On a profité d'une occasion, d'une aubaine finalement. C'était très malveillant. J'ai passé 30 secondes à essayer d'éjecter Onutrem. Oui, oui, vraiment. Je vais pas vous mentir. Alors que Wingo était devant au point, mais bref. Alors. J'entends. Oui, mais ONU, TMTC, quand même. C'est... Mais quoi? Mais ça... j'ai même pas tout. Mais attends, mais y'a une alliance évidente là. Bah, je te vole l'étoile à toi, Wingo, tant pis. Bah, c'est. Enfin, c'est ce que tu comptais faire de base, donc. Non, y'a les ponces. Bah, non, il comptait voler à moi. Ah non, il voulait voler à ponce. En vrai, si tu voles pas Daisy, c'est Dwint. Bah, c'est pas grave, au moins je ferai deuxième. Okay. Deuxième, c'est bien et aussi. Et comme là, je peux refaire Boo grâce à Mario. Ouais, mais attends, mais c'est juste des thunes. Non, je fais ça. Et le hasard, c'est moi, forcément, ah bah oui. Vu la chance que j'ai comme d'hab. Oui, enfin, toi, t'as perdu des pièces, moi, juste une étoile, frère. Donc, C'est vrai que t'as perdu une étoile. Mais t'inquiète, tu sais que moi, je suis passé de 5 à 2 quand même. Hein. J'ai perdu 3 étoiles. Comme beaucoup. Bah, ça rapporte plus d'argent. Ma perte est 3 fois plus grave que. Tiens. Ok. En tout cas, les pièges qu'on a posés à droite à gauche qu'on servit à juste à rien. Ah, si, regarde, ça va. Ah non, il est pas là. Si, moi j'ai gagné 4 pièces sur toi. 4. C'était super. C'est insane, mec. En vrai, je suis dépité parce qu'effectivement, nos trucs n'ont servi à rien. Je suis dégueu. Oui. La clé Skull, envie de me foutre en l'air. Oh, il est énorme celui-là. Regardez qu'un mec qui chiale un peu. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Oh, bien. Et alors, et oh et un? Et oh et un? Et oh. Moi, je jette. Quoi, tu jettes la clé? Mais il est fou. Le 1, il a acheté la clé. Pardon. Je vous rappelle que j'ai un mini-jeu de retard parce que ça marchait pas. Oui. En vrai, c'est pas que ça il marchait pas, siffler. J'ai appuyé sur le mauvais bouton, je dis. C'était les gâchettes et pas les boutons de l'intérieur là. Les boutons j'avais de l'intérieur. Ah, vous savez, c'était sur le jeu du marteau avec les clous là. Le jeu Fort Boyard. Ah oui. Ouais, c'était vrai, c'est Fort Boyard. En fait, c'était. Moi, j'ai. Et parce que j'appuyais sur les boutons de l'intérieur parce que en vrai. La manière dont c'était écrit sur les consignes de ah jeu, non, mais c'était pas les boutons de l'intérieur. Oh non, mais sale chien. Ah, tu peux tous nous inviter là. Mon jambon riz. Il t'a volé ton repas. Mon jambon riz. Et en plus, il peut tous faim, nous inviter. Oh non. Ah ouais, invite-nous tous. Allez, un verre. Allez. Sans façon, directement. Mais sans façon, vraiment. C'est la fin de la game. Mais comment ça j'avais soif. Il reste quasiment. Il reste un tour. Ah ouais. Non, pas du tout. Je suis streamer, je peux pas faire de calcul. Ah mais l'étoile je suis trop bête là. Pour faire des calculs. Le Sylvain. Un. Je suis comme ça l'étoile là. L'étoile est là. Beetle a assez pour l'acheter, donc je l'aurai pas. L'étoile 4 est là. 5, aha. Calcul savant, il va utiliser un champi. On t'a donné d'ailleurs le champi comme oui, ça. Oui, mais de toute façon t'as pas l'argent. Ouais, je sais, mais je le veux pas. J'ai de l'argent. Non, mais tu peux voler le jambon, il a déjà. Un. Oui. 6. Cool. 5 plus 1. Je crois que c'est Bowser ça. Ça fait 6. Bon, invite-nous. Oh. Invite-nous. Invite-moi, mais moi je veux bien, moi je veux bien venir, hein, moi je suis chaud de venir à la fête. Invite. Mais je peux pas, j'ai pas les thunes. Oui, il a pas les thunes, il a pas les thunes. Mais peut-être qu'il va te faire une réduc vu que t'es pauvre. Franchement, je crois que je vais aller sur la case match. Je sais pas, il va peut-être avoir pitié, j'en sais rien. Tu crois qu'il y a des tarifs réduits? Bah, je sais pas. On va voir, hein. Peut-être qu'il va dire, oh, t'as pas d'argent, bah c'est pas grave, tu peux quand même prendre quelqu'un. Verre de lait, il t'en faudra au moins 10 si tu comptes venir. Ah. Ah bah il y a même pas de cinématique en mode ah mince. Ah ouais, c'est vraiment. Ah bah dégage. Ah non. Rien à foutre. La case rouge c'était malchance je crois. Qu'il y avait rien en bas, à foutre de ta pauvreté. Auto tamponneuse. Ouais c'est jeu. Oh là là. Oh le banger. Oh c'est littéralement Splatoon. Je sais pas si spammer c'est mieux que faire des sauts en vrai. Pourquoi vous enlevez tout le rose? Peut-être avec quel doigt vous? Deuxième dans la game. Moi je suis avec mon doigt de pied, le pouce pied. Ok, bah je vais faire pareil alors.
si quelqu'un peut suivre ONU, c'est win, hein, je dis. Mais bordel, mais je suis même pas premier de la game. Je voulais le faire pour rire, mais en fait, c'est juste turbo impossible en fait. Donc, je vais pas faire ça. Tu sais que ça, par contre, c'est un des meilleurs mini-jeux all-time, je pense, en vrai. Non, je pars pas en guerre, sauf si tu m'attaques. Ah, ok. Ok, ok. Par contre. Non, je te vois, ONU. Ouais, mais là, il y a Yoshi qui m'enlève alors. Mais pourquoi tu m'attaques? Attends, alors mais j'attaque j'arrive. Personne, regarde, pas sur bleu. Non, c'est bon, j'ai vu. Non, je te vois. Non, je te vois. Regardez, j'ai fait un cœur. Oh, bleu a gagné, ah ouais, bleu a gagné 100%. Bleu a gagné 100%. Bah ouais. Oh, allez, je me baisse. Par contre, c'est Q qui a une connexion à chier là. Je mets à l'amende. Ouais, c'est qui là? C'est chiant. Attention, bravo. Oh, Wingo, et oui. Comme d'habitude, toujours dernier des jeux, c'est un truc. Tu sais que je t'aurais pas focus, mais tu m'as focus. Non, mais j'étais pas focus, j'allais vers bleu. Ah non, c'est pas vrai. J'allais vers bleu. Après, si ça peut te rassurer, Vitel, moi ça fait depuis un tour que je joue cette partie. Hein. Mec, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ouais, j'ai joué au début, là je ne joue plus. Tout le temps, c'est un délire. Je me sers de mon. Bon, bref. Encore 4 tours. Encore 4 tours. La phrase a été cancel vraiment. Oui, c'est je m'en suis douté de la phrase. Oh! C'est la boîte de télé. Ah. C'est vrai que j'aurais pu en vrai. Boîte de télépo. Oh la vache. Boîte télépo. Ça trace. Oh, ça trace. 11. Ouais. 11. Je pense qu'il faut. Comme Antiekar. 11, sa vie. Je pense qu'il faut. Allez, à après. Ouais, non, Wingo, attends, mais Wingo est pas prêt d'avoir l'étoile. Je suis carrément grisé, genre. Moi, j'en aurais pas une de plus. Je peux pas avoir l'étoile, c'est impossible. Mais attends, si, tu peux avoir l'étoile, Wingo. Et pourquoi je peux avoir l'étoile? Parce que t'es proche de l'étoile. Et je suis pas proche de l'étoile. Important, c'est bien plus proche de l'étoile que moi. 1, 2. Attends, Bitel, ouais, mais Bitel, il joue après toi. Et toi, t'as un D-triple. Et sur mesure. J'ai pas de D-triple, j'ai pas de D-double. Il ment. Il est en pur mensonge, là. Vous avez vu à côté de mon profil de personnage en bas, ça fait 3-2-1. C'est drôle, non? Hein? Quoi? Des triples, des doubles, des simples. 3-2. Ah oui, putain, la vache. Je pense que. C'est dingue en vrai, non? Mec, c'est insane ce que tu viens de remarquer ici. C'est la seule anecdote que j'aurais raconté à ma meuf aujourd'hui, je pense. Ouais. Ta vie est top. C'était bien le boulot. Ouais, j'ai fait 3-2-1 avec les dés là. Ok, cool. D'accord. Ok, c'est super. C'est sur le côté là, il y avait les dés. Ah, excellente décision, tu m'as choisi moi. Ah, je me suis rappelé de qui m'a focus dans les derniers mini-jeux. Mais moi, c'est un merci Pompon pour la win en tout cas. Mais. Très bien. Il m'en a volé deux. Il m'en a volé deux dans cette game. C'est vrai. Je t'en ai volé deux. Nonobstant, c'est réel. Volé deux, ouais. C'est réel. Et s'il pouvait, il t'en aurait volé plus. Oui, je pense. C'est réel. C'est très réel. Et du coup, tu vires pas son VIP à Onutren Bah, c'est fair en vrai là. Pour le coup, il m'en a pris deux. Ah bon, c'est dommage. Bah, tout à l'heure, Bitel, toi, pourquoi je sais même plus pourquoi je t'ai enlevé ton VIP. Parce qu'il a pris des pièces gratuitement alors que j'étais devant. Ouais. Onutren qui se dédouble. Je te le remets, Bitel, ok. Non, mais c'est pas grave. Est-ce que Wingo. Je dois safe avec un D-triple? J'ai perdu le chargeur de ma tondeuse. Et du coup, je ne peux rien enlever de mon visage. Et du coup, j'ai des poils qui me font des guillonnés. J'en ai plein. Ah oui. J'en ai c'est chiant ça. Non. C'est quoi comme tondeuse que tu as? Non, c'est trop. T'as pas non, fait assez? Trop oh, il a pas fait assez. J'aurais dû faire le dé sur Meuse. Mais non, c'est pas j'ai possible. Rien entendu, oh non. Bah, j'ai pas le choix. Faut que je fasse ça du coup. Non, il en fait tout le monde. Oh non! Ah ouais, c'est pas quoi? Oh la catastrophe! Attends, mais... pas... non, bah va s'arrêter à la gare, je crois. Vous êtes bien. S'arrête à la gare, non, c'est bon, vous êtes bien. Oh non, c'est trop. Mais pourquoi? Mais pourquoi ça fait ça? Oui pourquoi un D-triple? C'est vrai que les D-triples sont nuls dans le jeu. Et du coup, Bitel. Et bah voilà, et Bitel siffle. Oui, enfin attends, en même temps, faut que je fasse. Attends, tu veux pas poser ton piège avant quand même? Tu vas voir, tu paries, tu paries. Non, mais pose ton piège! Oh, il veut pas poser son piège. Bravo pour cette étoile. Ça s'achète séparément. Ouais, mais je vais être sûr de l'avoir vraiment perdu avant de. Attends, mais deux du coup. Ah non, on achète deux en plus. Parce qu'il a le jambouri. Ah oui. Parce que tu m'as revolé le jambouri. Ouais, non, oui. Là, c'était. Je perds la game là-dessus, je pense. Peut-être un peu à ce roux là. Non, mais. Je fais 8 avec un D-trip, frère. C'est vrai qu'on a eu des D-trip honteux quand même. Hein. Mais vraiment. Tous les D-trip ont été dégueulasses. Et le D-trip, c'est pas rentable. Il y a un vol là, je crois, non? Non, c'est de moi. Ah, c'est toi-même, ok. Après, est-ce que tu veux payer pour aller vite là-bas? C'est à moi. Bien joué, tu te donnes une étoile. Bien joué à moi. Prends premier, tout dernier, on entoure. Attends, mais Bitel va gagner la game, hein, je vous le dis.
Je non. suis vraiment si, pas si, si, je pense vraiment que tu vas gagner la game. Seul tour. Impossible de gagner la game, mec. Ah, je t'assure que si. Mais comment tu veux que je gagne? Bah là, tu vas prendre le bout après et bien joué. Hein. Ouais, t'as encore 40 pièces et tout, donc... Bah moi, avec mes 7 balles, là, ce que je vais faire, c'est... Ah, c'est vrai que là, ça manque un peu de sous. Rien faire, en fait, je vais en faire ça. Non, c'est Bowser, ça, je crois, non? Oh non, non, mais tu peux action dessus. Après, non, la révolution... Et non, monsieur, les prix... Ah, tu peux acheter cette pièce. Sans façon, hein, vraiment. Hein. Et là, je me fais... Ça va, je me fais un plus 6, j'aurais pu perdre une étoile, quand même. C'était entre les deux. Ah, c'était chaud. Mini-jeu bonus. Mini-jeu bonus. À 4. Domino Wong. Le Domino Wong. Oh, oui, j'adore. C'est le spam, ça. J'adore ce c'est jeu. Le spam. Je crois que c'est le spam. Ok, je me concentre. Mais d'accord, mais il est déjà parti. Non mais les gars, c'est le training. Après, c'est, sans manette pro, c'est plus dur hein, en vrai, celle-là. C'est vrai que c'est plus dur sans manette pro. Moi, je trouve ça horrible, ouais. Je j'arrive pas à trouver une position qui me permet de spam correctement, genre. C'est parti. Oh, la connexion dégueulasse, là. Oh, la connexion dégueu. C'est qui la qu'est-ce connexion qu'est-ce dégueu qu'est-ce qui se passe? Et c'est pas moi, en tout cas, moi, je suis câblé. La connexion, la mif. Ça, c'est un jeu. Du coup, ça m'a complètement baisé. Bah, moi aussi, hein. Moi, j'ai jamais arrêté de spammer, même quand ça buguait. On a spam. Là. Ouais, tu vois, ça m'a baisé de ouf. Oh, putain. Ah, mais au nutre. Putain, mais. Oh, ouais, super. Mais moi, ouais, c'est ça, il était sur Mario Party 4, celui-là. Mais que ce soit avec la manette. Ah, ouais, sur Mario Party 4. Je trouve pas de position de spam. Mais qui lag là? Oh, c'est dur. Mais je sais pas, hein. Oh la vache, c'est dégueulasse. Non, y a quel... Hey, dénoncez-vous là. Bon, allez, j'avoue. C'est toi? T'es pas en Ethernet? Non, je sais pas. C'est toi? Non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui est pas en Ethernet déjà? Oui. T'es pas en Ethernet? Oui. Mais j'ai jamais ah, bah de voilà, c'est ça alors. Et bah voilà, go remake en vrai la game. Hein. Encore en droite, ouais. Ruin. Où est l'étoile? L'étoile est à combien? La 15. J'ai jamais de problème en wifi, hein. Mais si, en vrai, si, hein. Le nombre de Mario Party qu'on a fait, il n'y a pas eu de lag, frérot. Est-ce que je peux faire 15? Je peux faire 15 avec ça. Hein. Mais bon, vu les dés, hein, on a vu, bon, je vais pas y compter. Oula. Mais ouais, j'avoue, ça veut dire que quand tu joues à Smash, tu joues en Wi-Fi plus le retour directement. Ouais, bien sûr. Mec, mais tu pars vraiment avec le désavantage ultime, genre. C'est insane. C'est grave. La vie est plus marrante comme ça. Je sais pas si c'est le mot, mais allez. Manière de voir les choses. Excusez-moi de pas tryhard tous les jeux que je fais, en fait. Genre, c'est... Est-ce que ça peut valoir le coup, ça? Ouais, y'a des gens qui disent un truc, je suis assez d'accord dans le chat. Parce que moi, faut pas oublier que je suis en CPL, quand même. Donc ah même oui, si ça je suis peut, en Ethernet, ça peut jouer. Ça peut. Donc peut-être... Moi, ma box est à 3 cm bon. de ma Switch, hein, donc... Oh non. Le train dans notre gueule. Le train vous baise ou pas? Pile quand on parle de ça, il y a Born Wifi dans mon chat qui arrive et qui dit bonjour tout le monde. Salut à toi, Born Wifi. Oh, double kill. Double kill. Mais attends, on est où là? Au départ. Double kill. Au start de la game. À 19, ça se tente. Ah non. Vous avez tellement de la chance d'avoir des thunes pour acheter des choses. Étoiles, ça a l'air insane en vrai. Non, là faut juste que je fasse un lancer des basiques, hein, je pense. C'est qu'il reste 2 tours. Je pense qu'il faut. Vas-y, vaut mieux pas, j'utilise vas-y. Quand même un dé sur Meuse. Ah, je pense, hein. Après, tu t'arrêterais où? Il faut que je fasse un guess sur où va aller l'étoile, donc pas dans ta direction potentiellement. Bah, je pense opposé de map, milieu de map, je dirais. Middle map ou. Et je fasse 9. Ouais. Ou chez Wiggler. D sur M, D sur M. J'aurais dû utiliser un tour plus tôt. Nine. C'est trop trop. Ça s'achète, hein, franchement, un petit détrip là des familles. Ouh, le portail. Bah, attends, le portail qui permettrait de passer direct à aller chercher les trucs. Tu rends hommage au palais des papes en étant déguisé comme un pape ou... En vrai, ouais. Hein, ça peut faire des choses.
Quoi ? Je comprends que ton amour pour Avignon soit jusqu'à ce stade, mais quand même. Je rends hommage à l'ensemble de la ville, effectivement, de la cité des papes et aux trois clés qui la définissent. C'est un délire, frère. Ouais, bah c'est un peu ça, ouais. La chance, Wingo, quelle chance. C'est ok. Mais en fait, il y a quelqu'un dans mon chat qui a dit pourquoi tu es déguisé en crayon de couleur jaune. C'est vrai que le cosplay là. De fou. Ah, c'est, bah là, en vrai, c'est un peu troublant. Est-ce que ah, ça tu peux. Oh ouais. C'est bon call ça. Oh, c'est pas très gentil ça. Non, pas ouais. Pas devant moi, pas devant, oh. Moi, pas devant moi. Ah, tu me dis pas les teams, ah non. Ah, en vrai, ça va, c'est ok. Mais tu peux pas y accéder toi, Onu. Ah merde. Enfin, je crois, t'es devant, non t'es très bonne question. T'es au-dessus du croisement, je crois. Oh putain. Je crois que t'as raison. Ah oui, il va te rajouter du scoring. Oui. Oh, what the fuck. Et oui, c'est entre 3 et 8. Non, mais c'est une dinguerie aussi, Mario. Trop fort, ça. Est-ce que ça prend le train train pour aller chercher l'étoile? Ah bah là, oui. Je crois que oui. J'ai mis ce clic. Ah, tu voulais pas? J'ai mis deux gars. Ah, tu veux mettre une gare. C'est ça que t'as besoin de faire. Deux gars. Ah oui, tu vas te rapprocher, là. Là, il faut que tu fasses deux gars. Ah oui, c'est vrai, oui, exactement. Oui, c'est bien ce que tu... Non, mais t'as fait le bon move, t'as fait le bon move. Oh ouais! En plus, tu m'as défoncé. Ah, ah non, peut-être pas. Attends. Trois bah gares là. C'est ça? Hein, d'accord. C'est bien ce que je dis. Attends, mais t'as fait trois gares là. Mais oui, ça fait trois gares. Attends, y'a peut-être pas de gare à droite. Ah, y'a pas de gare à droite. Ah, donc, ouais, c'est. Y'a pas de gare à. Donc, c'est sud, ouest, nord, les gares. Mais pas est. Oh, ouais, y'a pas gare de l'est. Trop chelou, non? Mais bah ouais, mais c'est comme à Paris, gare de l'est est à côté de gare de Lyon. C'est la même chose, c'est en haut. Mmh. Enfin, c'est pareil. En vrai, ils sont vachement inspirés de la capitale française, il me semble, pour cette map. On va pas vérifier, j'en parlais avec Jidan la fois, c'est une certaine anecdote. Oh, le dead triple là. Je crois que c'est ça. Hein. Le triple dice comme disent les Legends. Gare du Nord, ouais, c'est ce que j'ai dit, non? J'ai pas dit ça? Non, t'as dit Gare de Lyon. Mais Vital, ah, oui, tu n'as jamais utilisé ton pose-pièce. Ah, voilà. Ça tombe pas, ça tombe bien. Alors qu'il y avait des occasions, hein. Ouais, ben. Ouais, non, pardon, je prends toujours Gare de Lyon, du coup, je trouve réflexe de dire ça. Je parlais Gare du Nord et Gare de l'Est, oui, bah excusez-moi. Oui. Gare Lion. Excusez-moi, je suis vraiment désolé pour cette erreur. Je sais que ça peut en choquer certains et certains, et vraiment, je... Moi, je suis un peu choqué. Je pense que si, ouais, si on mettait Paris au Texas, ça ressemblerait à ça, je pense. Exactement, en vrai, c'est ça. Pareil. Exactement. Non. Ou dans que l'Utah, je sais pas, comme ça. Waouh. Waouh! Quelle chance! Bien d'une clé César. Un sac à objets! Attends, ça peut te relancer en vrai. OMG! Ça peut te relancer dans la game là-dessus. Oh, attends! Un miroir et quoi? Le miroir au choix! Oh putain! What the fuck! Alors, ça par contre, c'est vraiment bien. J'ai pas les thunes, j'ai pas les lovés. Ouais, mais le miroir choix! Lol. Et il reste un tour? Non, il reste deux tours. LOL. Enfin, un tour, enfin t'as compris. LOL. Non, j'ai pas compris. Bah j'ai trois objets, il reste deux tours à jouer donc c'est... Ah, j'ai pas compris. Après tu vas pas tout utiliser. Bah du coup c'est de la merde, c'est parce que je peux pas faire que dans chemin brûlant, c'est tout, chemin brûlant, voilà c'est... chemin brûlant. Oh, qu'est-ce que c'est que ce random? Oh putain. C'est le dilemme du prisonnier, si on est deux à aller sur le même, on peut pas l'avoir. Hein? Oui. Donc là par exemple vous avez tous pris celui-là je suppose. Et comme on a pris le même, bah ça avance pas. Voilà, ah. Bon, je dirais que le jeu est à chier, mais... Et comme tout le monde va toujours vouloir les cases qui avancent le plus... Ça dépend. Ok. Allez, c'est énorme. Allez, c'est parti. Allez, on va y passer la journée. Allez, à 20h, on va être top. Bah 20h, on a dit, non? Ouais, ouais. Dites-moi, vous avez pris lequel, là? Moi, j'ai pris le premier. Non mais arrête, il me dit pas que t'es... Non mais oh, putain, non. De mon côté, j'avance si je peux me permettre. Ouais. Ok, me permet. Non mais là, vas-y, c'est chaud. C'est impossible. Ah évidemment. Ah bah ouais. Évidemment, mais laisse-le moi, Onu, sois un peu ferme. Je sais pas, mais j'aimerais bien avancer un petit peu aussi. Voilà, mais faut pas avancer donc. Mais non, mais toi t'as pas besoin d'avancer, t'as déjà gagné la game, t'as pas besoin. C'est chaud, non, mais j'ai pas du tout gagné la game, je suis pas du tout en train de gagner là. Oui, mais tu vas la gagner juste après. Pas sûr, c'est pas sûr. Bonus, mini-jeu. Oh, mais bordel, je n'ai. Mais arrêtez, je veux juste avancer moi. Ah oui, bah. C'est le meilleur mini-jeu, vraiment, c'est banger. Bon, tu rigoles, mais j'aime bien.
Premier ouais. Ah mais alors... je viens de capter un truc. Ah, je viens de capter un truc. Oh mais bordel. Tu viens de capter que ça, tu pouvais pas mettre n'importe quoi, c'est ça? Oui, et que du coup, là moi je n'ai pas le choix que d'avoir oui. certaines cases pour avancer quoi. Oui, bien sûr. Oui. Et donc du coup je suis bloqué. Let's go. Non mais la mif. Ah j'y peux rien frérot. La mif. Est-ce que vous pouvez me laisser s'il vous plaît le celui d'en haut? Le premier. Bah, je le prends personnellement en haut. Non mais j'ai mis ma mère du coup. Est-ce que dans ce cas-là vous pouvez me laisser. Moi je prends celui de droite hein, il est bien là, celui qui non, va tout moi, droit là. Ah celui. Ah ouais. Je te le laisse. En vrai il est bien. Je te le laisse. Je rigole, il était hors de question de te. Oh tu l'as bien. Pas pris. Non je l'ai pas pris, mais j'ai hésité. Oula. Ouais bah écoutez Moi j'avoue j'ai pris le dernier, y'a aucune hésitation pour le laisser, y'a aucun souci. Ouais moi aussi j'ai pris le dernier. Ah évidemment c'est le dernier. Ah tout le monde a pris le dernier je crois. Okay, en tout cas ça avance vite, moi je suis bien là. Moi je vais prendre s'il vous plaît laissez-moi le deuxième, c'est possible? Ok. Merci la team. Je te laisse le deuxième. Mais juste et empêcher Wingo de gagner là je pense en vrai. Merci la team, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est relou. Je vais prendre si je peux, le deuxième aussi s'il vous plaît. Le deuxième, très moi, important. Moi je vais prendre le premier je pense. Et c'est juste de deny Wingo, ouais super. Non okay. Mais les gars oui mais écoutez moi je prends les trucs improbables. C'est du hint. Bah je pense que ce qui me fait gagner frère, t'es marrant toi. Je vais me permettre de réserver si possible le quatrième, ce serait top. Ouais je comprends. Que je gagne et qu'on en parle plus. Oh non. Ok. Ah mais je peux même pas avancer. Let's go. Parce que je suis en bas, je crois que j'étais au milieu. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est deny Wingo. Sinon il gagne. Je vais juste en finir ce mini-jeu. C'est horrible. Oh j'ai gagné. Ah c'est bon putain. Égalité. C'est un truc de fin. Mec on a égalité. Ouais. Et bord. Désolé Wingo. C'est un mini-jeu voilà je... Mec je ne sais même pas comment on fait égalité là-dessus. Vraiment. C'est un problème. Bah en fait quand on arrive en même temps. En gros ça fait égalité. Merci bon. Et tu vois okay. J'étais pas sûr et j'ai adoré le mini-jeu. C'est bien. Encore deux tours. Au revoir Mario. Mais il va où bye, là bye Mario. Bye Mario. Attends mais je suis au départ. Ah oui c'est all right. Oh t'as le point d'exclamation. Ouais ça peut se tenter. En fait, oui et non, parce que personne n'est bien. Ouais, non, vous êtes vraiment tous mal placés en fait, vraiment c'est une catastrophe. En vrai, c'est un peu banger la musique, hein. Je troll 0. Hein. Ah oui, après, je peux faire 20 là. Hein. Ou 19. Franchement. Regardez, c'est bien parti. Hein. Ah. Ah. C'était bien parti en vrai. C'était très bien parti. Elle est où l'étoile? Elle est. Par là. Hein. Elle est où l'étoile? Elle est où? Est-ce que j'achète encore un item? Je pense que ça vaut le coup. Hein. Je te rappelle. Je me ruine. Après. Ouais, t'es chaud. De l'argent. Oh. Oh, bien oui. Wow. L'argent. Oh, c'est carré ça. Hein. J'ai de l'argent. Carré dans l'axe. Toi, Yoshi. Oh. Ça va, il me faut 51. Ah ouais mais il y a la TP, il tente la TP, il a bien raison de tenter la TP et puis tonneau. Ah pardon. Mais d'ailleurs pense il va échanger avec moi, il va récupérer cette étoile. Oui, c'est exactement ça. T'as tout compris. Bien je pense. Ou Wingo, parce qu'il va loin aussi. Oh what the fuck bro. Après, si tu vas sur moi, tu seras pas sûr de. Bah non, faut que je fasse 6, je crois. Ouais, pas garanti. C'est pas garanti, mais rien n'est jamais garanti dans la vie au nu. C'est vrai. Et oui. Finalement, Mario Party, c'est un peu une allégorie de la vie, quoi. Je pense, hein. C'est aussi la raison pour laquelle on m'a donné un champignon alors que j'étais premier au tour. Oui, c'est ça, exactement. C'est l'allégorie. C'est le capitalisme, finalement. C'est ça, exactement. C'est les petits intérêts à la fin de l'année. On me laisse devant parce que sinon, je vais quitter le plateau. Donc, on veut me maintenir sur le plateau. Voilà.
Donc non, mais toujours pas ton ticket de mort, hein. Vraiment. Toujours pas ta merde là, c'est vraiment, bon. Vraiment, je suis désolé, mec, hein, mais à un moment. Lâche l'affaire, hein. T'es toujours à la boutique ? Tu des triples pour finir là ? Ouais, non. Mais non, mais c'est de la merde, t'en as déjà surtout. Ah ! Oh non ! Oh, oh non, t'étais à une case Dieu. Oh non, je vais me faire virer ? Ah non, attends, je crois pas. Oh oui. Non, c'est bon. Oh non, vous allez vous faire virer, je vais pas avoir TP ? Non, non, parce que moi je me fais pas virer, je crois. Il s'arrête là. Olé ! Bon, ce qui va gagner la game là-dessus ! Alright ! Tu peux jouer sur le haut à boire. Ah, quand même pas, parce que t'as plus de thunes que. Tu vois ? Ça dépend. Ouais, mais non, en fait, tu sais pourquoi je gagne pas ? Parce que, avec ma chance de merde, je ne vais pas faire le nombre de trucs qu'il faut. Ah oui, tu bon. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que là, je certes, tellement, je me TP sur toi. Enfin, tu échanges même la place, tu échanges. Je te le souhaite tellement. Merci, bon. Et là. Et là, tu fais un. Qui est resté au même endroit depuis 4 tours. Ah, faut faire 7. Allez. 7, c'est pas. 7, c'est chaud, hein. Après, il y a Yoshi derrière. Ah oui, il l'a après Yoshi. Hein. Parce que tu dis yo. Allez, avec nous fais un 8 là. Un petit 8. Oh. Un petit 8. 1. Un petit 8. Oh, le feu. Super il Mario Party avec ma chance, de toute façon, vous aurez pas l'étoile. Bah, attends, avoue que c'est quand même rare, mais c'est bien, je suis content. C'est vraiment tellement rare que t'es deuxième de la game. Là, vraiment, ça qui a obligé, il donne le meilleur item du jeu. Tout 10. Ah, bien joué. Et en plus, GG. Il va tomber sur ma case qui me donne des golds, mais le truc, c'est que ça donne quasiment rien. GG de ouf. Elle est où, là? Tu vas encore prendre... Ah, non, elle est derrière. Oh là. Elle est devant. Ah, c'est pour Beetle, là. Super fan de d'où elle est, par exemple. Oh, 10 pales x 10. Attends, quoi? Quoi? Ah non. Bah, c'est pas nul quand même. Je prends tout ce que t'as. Moins 9 plus 9, c'est ok. Au moment, tu m'en as donné 13, ce qui est pas si mal. Oh 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 oh. Des doubles. Mais là, le problème, c'est que du coup, moi, je vole qui? À part quête, je sais pas. Eh bien, ok, on est ensemble, Beetle, ok. Désolé, mec. Connu, désolé. Tu connais. Vas-y. Mon mot superposé, c'est pour nous, ça. C'est désolé, cool. Mec. Alors, non, c'est quoi pas... Ah non, je suis nul à chier à ce jeu. Je valide. Et à toi, valide. Ah. Ah oui, ok, oui. Et voilà. Here we go. Je suis là où il aurait fallu. Ouais. Attends, mais ah oui, mais on voit les symboles qu'on possède, ok. Là, et toi en bas. Ouais, c'est pas du tout ça. Hein. J'ai un... Mais t'inquiète, je connais le jeu. Et oui, t'avais le carré quand même. Et comment on confirme? Ah oui, il faut mettre au milieu, d'accord, ok, j'ai compris. T'as mis le mauvais là. J'ai compris. Oui, il aurait fallu que je fasse ça. La demi-cercle. Ah oh. Allez, allons-y. Ok, ok. C'est parti! Premièrement. Moi j'ai la barre, je crois. Ah non, j'ai pas la barre. J'ai la barre. Moi j'ai le truc en dessous de merde. Ouais. Pardon, bien. Excuse-moi. Dommage. Oh, ça lag là. Ouais, tu peux regarder ta roue, hein, effectivement. J'ai le truc sur le côté. J'ai ça lag. J'ai le quart de ouais, nice. Et quoi? Excellent. J'ai le rond. J'ai pas. Mais qu'est-ce que tu fais? Wingo, mais j'ai deux. Mais ça lag. Attends, quoi? Si, vous avez gagné. Mais moi j'ai pas ce qu'il faut là. Il faut quoi? Le rond, j'ai le rond, toi t'as le truc en bas. Moi, j'ai le rond. Attends. Ah, c'est ça, oui d'accord. Mec, je te jure, j'ai bugué. J'étais en mode, bah attends, je l'ai pas, frère, c'est. Mais en fait, le truc c'est que c'est difficile de voir les formes parce qu'elles sont dans. Tu sais, inversées. Vu qu'elles résultat sont logique. Eh mec, je te jure, c'est. Ça brain en fait, je trouve. Je pense qu'il vaut juste pas jusqu'à tomber sur le truc en vrai. Ouais. Mais tu sais pas si t'es haut ou bas, c'est pas si simple hein, en vrai. Le problème c'est que je vole qui maintenant? Ah bah, soit tu mets au fond, soit tu mets random. Tu mets au fond. Le truc c'est que. Ah, ouais, donc en fait, toi comme pompon, ça change pas le. Si, parce que. Si je vole au nu, je peux quand même gagner, en gros. Voilà, c'est ça. Alors que si tu me ouais. voles moi. Ouais, ouais. En fait, tu ne pourras pas gagner parce que tu n'auras pas assez de thunes pour attraper au nu. Tellement réel, bro. Il faut que je tente ça. Ouais, t'as pas le choix. Ça me pèterait les couilles. Vraiment, je quitte le plateau si c'est moi.
Okay, oh non, va. C'est vraiment le, bah, le seul que je voulais pas, globalement. Et bas perdu. Je me suis fait arnaquer. ONU aura une étoile cadeau. Oh bah pas qu'une, hein, à mon avis. Non, bah, va voir, ça n'a rien à voir. Il va en avoir 7-8, je pense. 7-8. On va voir. Allez. Oh. Oh. Alors là, énervé, allez. Ah ouais, ça c'est... Ah ouais, bah je vais finir 4ème, moi. La fin de cette game, là, c'est parfait. Mais attends, attends, il y a du brain et du counter brain. Parce que le truc, c'est que Beatle... N'avait ah bah pas là, Beatle, mais maintenant il a l'argent pour là. Voler une étoile. Ah, il a l'argent, ouais. Il va voler l'étoile, là. Bah, il a les lovés, si je peux me permettre. Attends, mais Beatle va voler une étoile aussi. Oh et du il coup, est vraiment devant le bout, lui, il est garanti le bout. Donc même si je fais ça... Moi, je pense que la règle de base, c'est de dépouiller ONU, en gros. Bah, je sais pas, je me suis déjà fait voler quand même 4 étoiles dans la game, c'est beaucoup. Hein. Ouais, mais franchement, ça, le 6, c'est ok. Oh bah, ouais. Oh, la dance. Ah ouais. Hop là. Yes. Non, mais je pense que le jeu, il y a un système de comeback quand même, j'ai l'impression, parce que... 10 et 10 oh, oh, 100 pièces. Oh, le boss. Moi, est-ce que... Voilà, après ce que je viens de prendre, je me dis, bon... En plus, il y a donc quelqu'un dans mon chat, avant que tu joues, qui a dit, Wingo, c'est l'heure de faire 20 avec ton dé. Oui, c'est vrai, eh ben, boss. Eh ben, que il a fait 20. Cette personne. Bon, bah là, de toute façon, il n'y a pas le... Wow. Ah si, parce qu'il va la voler à toi du coup maintenant. Oui, oui. De toute manière, ça c'est sûr. Alors que tu l'as volé à lui, il aurait pas pu te la reprendre. Moi je trouve ça beau si on arrive à terminer pompons, la game avec ONU qui a pas d'étoile. En fait, Beatle, si ouais, tu voles pompon, ouais, t'es devant anyway. Et du coup, dans le pire des cas, tu fais 2 plutôt que de faire 3 dans le pire des cas. Après, si tu voles Wingo, t'es littéralement premier quoi. Oui. Voilà. 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 Si tu votes moi, si tu voles pompon, moi, t'es deuxième. Si tu voles pompon, t'es quand même premier. Non. Non, parce qu'il peut nous baiser la gueule. 50. Là. Il aura plus les thunes. Non, mais là, il peut nous baiser la gueule surtout. Qui? Moi, j'ai rien. J'avoue, hein. Moi, je ne vais rien faire. On va peut-être se faire un petit bol de thé tous ensemble, non? Un petit bol de lait tous ensemble, ça ferait plaisir. Ah oui, tu nous ramènes, d'accord, super. J'avais pas vu moi, ça. Je suis intolérant au lactose, c'est une dinguerie de faire ça. Ah, mais du coup, Beatle, il peut pas. Attends. Et du coup, la Beatle, il... Ah, si, il a le détrip, il a le détrip, il peut totalement. Mais il est loin. Ah, oh, détrip, non, il est pas si loin. On s'est bien marré dans les potes, vous trouvez pas? Donc là, si Beatle veut fumer, il peut. C'est à combien? Tu vas sortir à 30, tu vas péter 19. Il va avoir l'étoile et de voler en plus. Attends, il faut faire beaucoup, hein. Ah, il peut pas faire les deux. Non, il peut pas faire les deux. Moi, pour moi, le plus intelligent, c'est de voler, mais. Mais il faut faire assez, quoi. Et je crois que c'est... T'es à combien là? T'es genre à 15, 4... Oh, il y va, hein. Bon, 9 c'est fat. Il y va. Oh, il y va. Déjà c'est garanti pour le vol. Non, c'est garanti pour la... Pour la... l'étoile. Non, il veut voler, je pense. Il veut voler. Bah, il va pas juste ramasser l'étoile, Wingo. Et... Prends un ticket, mec. C'est toujours mieux que plus 1, enfin, je veux dire... Prends un ticket. Oh, mec. Moi, je pense que c'est un vol à Wingo. Prends le train. Ah, en fait, le truc, c'est que Wingo, il a voulu nous baiser, quoi. Ah, c'est vrai, hein. Ah mais là, en fait, mec, tu fais ce que tu veux, mais si tu voles Wingo, t'es premier, et lui non. Mais là, si tu viens de le baiser, moi, en fait, Wingo, genre... Bah, si t'es premier dans tous les cas, t'es... si tu voles Ponce aussi. Ah non, même pas, ah non, oui, faut qu'il vole Wingo, en fait, si tu me voles moi, t'es deux. Ah, y'a pas le choix, baiser, en fait. Wingo, pourquoi t'as fait ça? Je n'allais jamais t'attaquer. Et mais ouais, si, c'était mec, logique que t'allais m'attaquer. C'est le pire move ever. Aïe, aïe, aïe. Bah non, c'était le move logique. C'était le move 100% logique, par contre. La game va être tellement serré. Ça se joue à... Vraiment, ça va se jouer à... bonus, donc ça ira. En tout cas, moi je suis content d'être parti de 5 et on me retrouve à 2 à la fin. C'est vrai que pour moi on aurait dû focus ONU encore. Bah, pas sûr, justement. Oui, je suis d'accord. Petite réduque. Ah, un petit coup du destin là, allez hop là. Y'en a pas. Y'en a 3 sur la map, mais on les a jamais croisés. Ah, oui, comme ça. Ah bon? Ah, ouais, d'accord. Bah, ok, bah si tu ah, veux ça le. Ça me fait plaisir, mec, comme ça on est un peu plus. On ouais, est bah égalité, ça, mec. Ça on est comme ça qu'on est égalité clean, tu vois. Attends, mais ça veut dire que. Ah là... non, pas clean. Oh non. Il oui. Prend l'avantage de fou, ce mec. Oui, t'as bien eu. Mais oh, surtout, il va avoir les pièces pour l'étoile. Mais non, c'est fini. C'est fini, frère. Ah oui, c'est fini. Par contre, moi, en vrai, en VDV. En vrai, petite casse Bowser là. Je. Mais en vrai. En vrai, petite case vrai, Bose là. Mec, petite case Bose. Mec, tu prends ton dédouble et tu te mets sur ma case. Comme non, ça, tu moi, me donnes une étoile. Risque. Ouais, il y a un vrai. Si je fais 7, je suis vraiment. Vraiment, je suis le plus. Genre, vraiment, si tu fais match. Ça, par contre, t'es baisé, genre.
Mon but c'est faire 10, ok, je vous le dis, mon but c'est faire 10, c'est bon. Donc je prends un des doubles, je fais 10, on n'en parle plus. C'est, oh, c'est... Et il se passe pas si tu fais 10. Fais 7. Si tu fais 7, mec. Non, non, si je fais 7, c'est un cauchemar. Le buzzer, il est à 7. Si je fais 7, c'est un... Non, c'est à 7, non, c'est la case où il me vole une étoile. Ah oui, oh là là. Mais tranquille, je vais faire 10. 4. Ok, ah, il dépasse, il dépasse. Et 3, 7 et 3, c'est masterclass, 7 et 3, je peux gagner, 7 et 3, je peux... Non, c'est horrible. 7 et 2... Après, je... Après, un petit ticket, un petit ticket des achats. Petit ticket. En vrai, petit ticket, certainement pas. Oh, ça aurait été une dinguerie. Après, petit train, en vrai, petit train, certainement pas non plus. Petit train, là. Non. Et là, je prends quand même un plus 6. Oh, fais chier. Carré. Il y a le mini-jeu, ça va jouer sur le mini-jeu. Oh là là là. Bon bah GG, on y va. Oh, c'est pas gagné, moi j'ai une étoile de moins que tout le monde. Oui. Je suis passé le premier à 4 moi. C'est que de la thune, que de la lové quoi. Que de lové. Qu'est-ce qu'il faut ramasser les pièces, voilà. Et pas tomber de préférence. Bon. Ah, les allons-y. Pièces, C'est vraiment okay. Un jeu de fou, ça, pardon. Non. Non, vraiment. C'est parti. Tu veux un jeu esquinté au sol? Bah voilà, t'as l'exemple même. Oh non. Putain, mais y'a pas de pièce qui spawn chez moi. Mais c'est... Oh, c'est quoi cette pièce rouge? Ah, plus 3. Oh. Mais ça spawn pas chez moi. Oh. Oh. La chance. Oh. Attends, mais. Oh, c'est trop. Laissez pas au lit. Oh merde. Laissez pas au lit tout seul. Oh. Ah, t'aurais dû me le laisser, Wingo. Après, toutes les pièces sont chez vous, hein, donc vous pouvez me laisser tout seul chez vous. Oh là. Oh, ça l'a... Oh oui. Et là, j'ai... Attends, là, je saute sur... Ah ouais. Oh ouais. Oh putain. Bon, du coup, ça fait quoi pour vous? Vous avez fait... Ah, une pièce de plus pour Pompon, mais ça sera pas suffisant, je pense, pour la première non, place. Je crois pas. Ah bah non, il en a pas. Là, ça va vraiment jouer aux deux étoiles bonus. Hein. Oh, ça va jouer aux étoiles bonus. Mais moi c'est... Mais je vais en avoir une, donc c'est l'avantage. Moi, j'ai rien. Ah bah moi ma game elle, c'était la chute libre, hein. Vraiment on va le voir sur le graphique là. Donc le graphique il est là. Donc déjà regardons un peu le début de game. Non, mais mec le graphique de ONU voilà. C'est maintenant. Voilà. Et après je me fais un peu baiser quand même. Là c'est là où j'arrive fort. Là j'arrive fort. Je me fais un peu baiser là, on va pas se mentir. Là ouais je me fais. Ouais là on me rebaise là. Je suis désolé mais je me fais aussi beaucoup baiser. Non je pense quand on regarde la courbe. Moi, je me suis bien fait baiser. La tortue, oula c'est pas moi je pense la tortue. Ah bah c'est peut-être moi, c'est peut-être moi. C'est Ponce. Oh c'est Ponce qui gagne. Oh je suis la tortue. Oh c'est la tortue. Oh c'est la tortue, c'est quoi ce bonus de con là? C'est le meilleur bonus. C'est quoi ce le lièvre? Ah bah c'est la merde. Ça c'est moi ça. Du coup c'est dégueulasse. Oh bah du coup, je suis dernier, let's go. Attends, mais du coup je suis premier. Bah oui. Mais putain, je finis encore dernier avec le focus là. Je n'ai pas gagné un seul fucking jeu de toute la game. Elle est où l'étoile des mini-jeux? Au moins un, t'en as gagné, non? Mais putain, non, mais... Non, non, et tu gagnes à... Je te jure que Bitel a tout perdu de bout en bout, du début à la fin de la game. À quoi ça sert de gagner un putain de mini-jeu? Putain, ça se joue à 8 pièces, je vais péter mon crâne. Moi, je vous dis, regardez, on aurait dû s'arrêter à 12 tours. Oh là là. On aurait dû, ça, plus jamais 20 tours. Oh, le bonheur. Plus jamais 20 tours, c'est Rigged. Mais arrête, c'est tellement mérité, je mérite. Mais c'est Rigged de fou. Je la mérite. Mais regardez cette courbe. Non, c'est Rigged. C'est Rigged. C'est totalement Rigged. Plus jamais 20 tours. On joue deux fois 12 tours, mais pas 20 tours. Incroyable. Moi quand même j'ai commencé à jouer au tour 14, vous vous rendez mais compte ouais, ou pas? Ouais mais ça n'a aucun sens. Ça, c'est un peu la tristesse. Non mais regardez ma courbe. Excellente. J'ai gagné 11 mini-jeux, à quoi bon? Juste une seconde en fait. Ma game a commencé au tour 14. Donc t'es quelle couleur toi? T'es bleu? Et ben bleu. Moi ma partie s'est arrêtée tour 10. Non merde. Tour 10 et ma partie était finie. Bon GG c'était cool. Aïe. GG. Oh la prédiction, attends, il faut que je check la prédiction de fou furieux. Bah la prédit, ouais. Oh là 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 là. Bitel, il y avait une cote à 9,5 sur toi. Mais tout le monde sait que je pue, donc ils ont raison. Non. Hein. Alors, si ça peut t'assurer, il y avait une cote à 6 sur Wingo et à 6 sur moi. Enfin, donc, Oui, faut ça va. Putain, les gens. C'est dans le parti trop RNG comparé à l'ancien, quoi. Oh quel bonheur. Bah après, c'est ce qu'on aime dans un Mario Party, moi je trouve, la RNG, en vrai. C'est ce qui la rend marrant, sinon c'est chiant. Attends, il y a pas. En ranked, c'est différent du coup, non? En ranked. Puisque tu gagnes souvent en ranked. Bah, en ranked ça se passe bien, mais parce que ouais, y a moins d'événements aléatoires. Il y a moins d'aléatoires. Par exemple, les casse chances. T'auras pas de miroir dans les casse chances, tu vois. T'auras pas de miroir doré, par exemple. T'auras soit 10 pièces, soit des doubles. C'est toujours ça et tu choisis.
Oui, du coup, il y a cet aspect de si tu win beaucoup de. Ouais, en fait, quand tu commences à avoir de l'avance, tu la gardes généralement. Mais est-ce que. Parce que moi, ce que j'aime dans Mario Party, tu vois, c'est parce qu'on est ensemble, on rigole et tout, machin. Est-ce que, genre, en ranked, tu te fais pas chier, t'es solo avec des inconnus? Non, c'est ok. En fait, les games sont pas trop longues, 12 tours, ça va, tu vois, c'est le bon équilibre, je trouve. Ok. T'es 1h30 hein, quand même, hein, 12 tours. Hein. Ouais, et puis quand t'aimes. Mais le jeu, il est équilibré pour 12 tours. De rien pour les milliers de pétales pour tout le monde, hein, bien sûr. Ah, et puis je pense pas aussi que bah, quand t'aimes bien le jeu, les mini-jeux, c'est comme tout. En fait, moi, c'est ce que je disais en début de live, je pense. Hein, c'est un bon moyen. Enfin, ça permet en fait à. Comment dire, t'as le jeu où tu joues de manière classique, en mode salon, comme nous là on le fait, en mode full avec des gens et tout, et c'est cool. Et de l'autre côté, bah, quand t'es seul, t'as une alternative du coup pour. Bah, c'est pour ça, mais il y a le coup patelon aussi qui est bien aussi à faire tout seul, je trouve. Après, en vrai de vrai, moi j'ai kiffé. Moi j'ai kiffé le mode pro. Hein. J'ai testé le mode pro là chez Ken. Ah ouais. Le mode pro est bien, ouais. Le mode pro est quand même. Et bien. Le mode pro, franchement, c'était pas mal. Hein. Même si bon, je me ferais éclater à tous les jeux, tu vois. Mais il y a un côté qui est un peu plus spicy, je trouve. J'ai vraiment beaucoup aimé. Ah ouais, ok. Ils virent les mini-jeux complètement random. Par exemple, vous savez le chemin de lave et les marteaux. Ça, par exemple, tu aurais pas eu. Ouais. Ouais, mais en fait, ça me dérangerait pas. En fait, ça me dérange pas plus dans le sens où, genre, il y a vraiment un côté où. Déjà, tu commences avec un item, je trouve ça intéressant. Oui, c'est vrai, ça par contre, le choix de l'item. Quand tu arrives sur Bowser, tu perds une étoile automatiquement. Oui, ça c'est sûr aussi, par exemple. En fait, t'as vraiment plein de trucs qui sont là pour te démolir la gueule, tu vois. Oui, c'est plus vénère. Je sais pas, j'aime bien ce truc-là. Les punitions sont vraiment plus vénères. C'est quoi le pass de combat? C'est des trucs que tu débloques. Bon, en tout cas, si j'ai retenu un truc dans ce Mario Party, c'est qu'il faut jamais commencer en tête. Parce qu'il y a tellement de boue. Il y a plus de boue que dans les maps d'avant. Oui. Avant, c'est... Et les maps sont petites. Soit la nuit, la journée. Là, ouais, raison, là c'est trop facile de faire des bouts. Donc, en fait, démarrer avec des étoiles, c'est te faire baiser derrière. Oui. Mais Spike, c'est vraiment le meilleur perso. Putain, plus jamais je ramasse d'étoiles au début. Mais ok, vous voulez pas qu'on teste un. Toi, non, là, je vais aller manger. Là, c'est. Moi, j'ai pas mangé. Je n'ai pas mangé et je me suis levé à 7h. Enfin, on se fait un petit mode pro, la ponce, en 10 tours express. Oh non. Bah écoutez, c'était bien cool jusqu'à la fin, sauf la fin. Non mais le début était très cool. On peut faire une session. Le début, je me suis bien amusé. Non mais c'était drôle en vrai. En vrai, c'était marrant. Bah le moment où on m'a pris une étoile par tour, bon un peu moins, mais sinon c'était quand même bien. Oui, enfin bon. Voilà. Venu encore perdu. Bah écoutez. Moi j'ai kiffé. Et en vrai, avec le nombre de maps qu'il y a et de mini-jeux qu'on a pas fait et tout. Moi je pense que c'est infini, vraiment. Non, et puis il faudra refaire le 3v1, le vrai 3v1. Ah, le vrai 3v1, ah non, mais en fait, le 3v1 ça marche bien quand tu es bon en jeu, mais là on a pu voir que. MDR, t'es addict, il a raison. Mais le jeu est trop bien, moi j'adore le jeu vraiment. Mais moi aussi, mais je serais chaud de tester plutôt les modes de jeu, genre le BR ou je sais pas mec, quoi là, il y a des trucs. Le mec, la cuisine et tout, c'est trop drôle. Ouais, il y a des trucs sympathiques. C'est trop cool à faire, vraiment. C'est... Des trucs sympathiques. Et bah écoutez, vois, sur ce, moi je me. Ouais, mais un coup on peut le faire à plusieurs. Bisous, ouais. Bisous, bon appétit. Hello, non, vous êtes déjà mangé. Au revoir. Ciao. Au revoir, Ronny. Le coup patelon, on peut le faire à combien? Je sais pas, mais. Et bah, mesdames et messieurs, c'est fini. On s'est bien fait. Bah, en fait, on avait commencé avec 5 étoiles, puis Bowser moins 1 étoile, puis 1 vol, 2 vols, 3 vols et 4 vols. Plus sur des mini-jeux où j'aurais pu faire des trucs de fou. Focus sur les mini-jeux, du coup, je les ai pas. Donc j'ai pas l'argent, ou alors j'ai pas le jamboree, enfin bref, c'est... Ah